Alors est-ce qu'il y a un écho euh... Agnès me dit qu'il y a de l'écho sur le son. Alors voyons ça. Je vais momentanément baisser celle-ci. C'est bon, il n'y a pas d'écho Ok, c'est le principal. <coughs> Ok, ok. mais c'est normal. Et euh, très faible, le son. Salut à toi Lionel, salut, salut. Le son est faible. Ouais, ah, c'est bizarre, ouais, mais je ne sais pas comment avoir plus de pêcheux à fond là-dessus. Je ne vois pas quoi faire. Euh, ouais. Je n'ai pas vraiment de solution là. Bon, 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 on a encore 5 petites minutes d'attente, j'arrive dans très peu de temps. Il y a Lionel qui te salue Agnès. Coucou. Et elle te dit coucou. J'arrive dans peu de temps. Installez-vous. Ой. Je trouve ça sympa, mais c'est pas trop insupportable, <laughs> je la trouve un peu casse-tête. Mais je me disais que c'était quand même nécessaire de composer une petite chose pour vous accueillir. Je trouvais ça plutôt marrant de faire ça. Après la boucle n'est pas si longue. Donc elle peut être un petit peu casse-burne. Ça peut être chiant pour vous, je ne sais pas. Un petit coup de frottiloupe, c'est tout, et quelques voix. Bon, et eh ben bonsoir, bonsoir, installez-vous. Donc ce soir, il s'agit de retenter l'expérience qui avait été tentée, euh, était tentée il y a quelques temps de ça, à la naissance de la chaîne, au tout début. Hein. C'est une des premières choses que j'avais faites ici. C'était euh, une lecture accompagnée pour voir ce que ça donnait, si c'était intéressant, euh, quelle, dans quelles circonstances particulières ça plongeait de lire une bande dessinée ensemble. La lecture sur Twitch, c'est courant. Enfin, lire, lire des textes, oraliser textes littéraires, poétiques ou politiques, sont des choses qui se font très souvent. Mais euh, se rencontrer autour d'une bande dessinée et avancer planche à planche dans une bande dessinée, ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Je crois que c'était une première. Et ben, ça me paraissait intéressant de s'y relancer. Alors, j'ai choisi une bande dessinée euh, qui est. Assez éloigné de la première. La première était une bande dessinée très contemporaine. C'était une bande dessinée des Frères Loudlatin, Polyphème. Je, je crois que c'est William End, la cinquième couche, parce qu'au moment où je me demandais bah, qu'est-ce que je pourrais bien lire d'autre comme album, quel album se prêterait bien à cette expérience Oui, tu avais apprécié le premier. Bah, J'espère que celui-ci ne sera pas inintéressant. Ah, J'aurais sans doute beaucoup moins de choses à en dire. Hein. Parce que, parce que même si le, le livre de Mébius est allusif, enfin il est miné de, de toutes sortes de, on pourrait dire de trames souterraines qui sont soit autobiographiques, soit liées à sa culture de l'ASF, soit liées à sa relation de toute façon avec son environnement intellectuel et poétique, euh, malgré tout. On ne peut pas dire que Major Fatal soit ce qu'on appelle une bande dessinée savante, donc euh, c'est clair que je ne vais pas me livrer euh, abusivement à une espèce de, de digression exégétique absurde. Ce serait complètement con. Je ne vais pas faire ça. Je Alors, oui, donc, comme ça, devenait, ça me paraissait compliqué de, 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 de lire une autre bande dessinée, je ne voyais pas très bien quoi faire. Dès l'instant où le, le nom de Major Fatal a été posé par, euh, par William, je crois que c'est lui. Enfin, C'était comme une évidence, bah oui bien sûr. Bah, oui, Qu'est-ce qui s'y prêterait sinon majeur fatal Qu'est-ce qui serait euh, à la fois assez dense, assez riche, assez amusant pour en donner envie Puis ça permet aussi de, de replonger un petit peu dans mon propre passé, mon passé euh, d'enfant, puisque euh, bah, comme beaucoup d'enfants des années 60-70, euh, j'ai grandi euh, avec mes bus, j'ai grandi avec ces bandes dessinées. Euh, et, j'ai pas grandi avec Blueberry. Ça, ça a commencé par mes bus, ma découverte. Donc, à la fin de l'enfance, quand j'avais 10 ans à peu près. Et euh, j'ai encore chez moi des planches de bande dessinée de cette période où je m'évertuais comme énormément d'enfants de cette, de cette génération à essayer de, de retrouver sous la plume l'espèce de. de de puissance incroyable que nous trouvions à son graphisme fouillé, chargé, ça exerçait sur la, la plupart des lecteurs des années 70 une espèce de ouais d'hypnose complète. Il avait développé sa petite machine, mais c'est bien plus qu'une petite machine en fait. C'est sans doute pour ça que personne n'arrivait à à, la, à essayer de, de percer son mystère. C'est que en fait, le, la pratique graphique de, de Mobius est, était très changeante. Elle était beaucoup plus riche, diversifiée qu'on ne peut l'imaginer, donc essayer de, de, de décrypter ça comme un pauvre truc, c'était une aussi mais c'est tout à fait euh, normal quand on commence à dessiner, de, de se plonger devant, de, de, dans les, les œuvres que l'on aime et, et d'essayer d'en percer un petit peu le, le mystère. Évidemment, euh, les planches de cette époque sont assez misérables. Je, je les regarde en me rappelant euh, comme ça, avec, euh, avec humilité, euh, par, quoi par tout, tous les endroits par lesquels je suis passé, ce qui doit me rendre humble pour tous ceux par lesquels je passerai encore. Voilà, voilà. Donc, quelle œuvre euh, rend mieux compte précisément de la puissance et de la diversité du travail plastique graphique de mes bus bah On peut dire que Major Fatal, dans le genre, c'est plutôt pas mal. Je vais accompagner cette lecture d'un petit peu de documentation. Je vous ai amené quelques trucs qui vont essayer à la fois de contextualiser cette lecture, de donner un cadre, un environnement, puis des moyens peut-être de la pénétrer autrement. Ce que j'ai décidé de faire. Pourquoi pourquoi le lire de cette façon Il y a un truc euh, qui, qui est important à comprendre avec avec ce travail-là. Euh, c'est dans la nécessité comme ça de, de, de le, le, le lire en, en prenant beaucoup de temps c'est peut-être retrouver quelque chose de la situation dans laquelle se trouvaient les lecteurs de 1975 puisque la BD a été publiée pendant je sais plus trois ans quatre ans quelque chose comme ça il y a eu euh, j'ai noté hein, pour les dates et tout ça vous inquiétez pas j'ai pris quelques quelques références pour être un peu précis mais en tout cas c'est ça sort, euh, ça sort pour la première fois, ben là vous voyez l'affiche la que vous voyez, enfin l'affiche l'image que vous voyez, en, là c'est une euh, couverture d'un numéro de métal hurlant, c'est le sixième. Euh, le major est apparu à, à plusieurs reprises sur les couvertures de métal, et au moins la 6 et la 24 que je vous ai amené Et euh, cette question du feuilleton, elle est vraiment très très importante. Alors le feuilleton euh, dans métal est, euh, est un feuilleton auquel le mébus s'est tenu tout le temps. Euh, quelles que soient les conditions et les difficultés, apparemment, il n'a pas manqué un épisode. Donc, euh, il en a fait, je crois, 35, mais ça, c'est ouais, quelque chose qu'on pourra, qu pourra vérifier. Euh, je pense que ce n'est pas inintéressant aussi de contextualiser euh, par rapport à la bande dessinée de SF de, de ce moment-là, peut-être parler des relations de Mébus avec la SF, euh, de la rencontre qu'il fait à peu près à ce moment-là, dans ces eaux-là, euh, avec euh, Jodorowski, qui va être euh, crucial pour euh, le développement et la transformation de son travail euh, dans les années qui suivirent, euh, notamment euh, à travers la, la création de la série de Lincal qui va énormément hériter euh, entre autres choses de l'expérience du Majeur fatal et aussi de, du Long Tomorrow mais de The Long Tomorrow je pense qu'on parlera un petit peu aussi euh, rapidement, je ne sais pas si j'ai pensé à vous l'amener j'ai amené quelques trucs parce que bon, comme ça on pourra voir un petit peu ce que Muvius a fait avant et après et euh, donc oui avancer euh, pas à pas c'est intéressant parce que ça va nous prendre du temps, on va regarder les dessins ensemble chose qu'on ne fait pas forcément quand on fait une lecture d'album, on a un peu tendance à à être dans le tempo immersif de la narration et peut-être à laisser de côté cette espèce de comment, de verticalité du regard dans la case et ce tempo ralenti devrait nous rappeler à chaque instant que ce qui nous apparaît comme des comme des ruptures violentes qui sautent aux yeux à mesure que nous lisons d'épisode en épisode, étaient vécues évidemment très très différemment par les lecteurs de métal qui découvraient chaque mois euh, un nouvel épisode de Major Fatal. Ce sont des épisodes euh, relativement courts hein. en, en général. Euh, les, les épisodes du Garage Hermétique de Jerry Cornelius durent pour la, en moyenne, j'irai de trois pages. Ce enfin, c'est pas des trucs très très longs. Euh, il y en a des plus longues de haut. Genre deux, ça doit être le minimum, mais je ne me souviens pas quel est le, quel est le plus long. Euh, J'ai peu pris de notes sur le déroulement, à part celle-ci, parce que ça m'a beaucoup amusé de, de voir euh, quelles étaient les, les modalités d'entrée en scène des personnages. Parce qu'une des choses qui semble évidente quand on, on lit euh, Maj Major Fatal, c'est une espèce de profusion, euh, un scan de personnages, mais pas tant que ça, en fait. C'est parce que le, le récit est extrêmement bavard et joue beaucoup des euh, figures d'arrière-plan, de cette espèce de, de coulissement euh, de, dans tous les sens possibles euh, à l'intérieur de, des mondes représentés. Donc, il y a aussi celui de la profondeur des cases qui l'a supposé de nombreux arrière-plans, et a celui, on va dire, de la construction narrative générale elle-même. Il y a celui du, du monde dans lequel se développent et se déplacent euh, le, les, euh, les récits. Euh, qui lui-même suppose à chaque fois une espèce d'harmonique d'arrière-plan permanent. Euh, donc, ça donne une impression comme ça de, de foule immense de personnages. Et ce n'est pas tout à fait le cas, c'est moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Il y en a en gros, je dirais, une quinzaine de personnages vraiment importants et intervenants. Et, euh... et donc, c'est la seule chose que j'ai fait de façon un peu systématique en reprenant cette lecture. Je ne me suis pas trop attardé, malgré tout. C'est la seule chose que j'ai faite systématiquement, prendre en note l'entrée en matière des personnages, pour redécouvrir avec vous euh, les propriétés du dessin, les constructions des planches. J'ai tenté de laisser de côté mes mauvaises manies analytiques, euh, euh, de découpeurs, de, 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 de l'espèce d'obsession euh, herméneutique. J'ai laissé ça de côté pour euh, en avoir d'abord plutôt une lecture rêvasseuse. Et euh, pour pouvoir lire ça avec vous en prenant quand même du plaisir à, à me replonger dans ces planches. Bon, J'espère qu'on y verra un peu clair, parce qu'évidemment, un, un live, c est, c est, ça laisse une place à l'image, certes, mais bon, ce soir, j'ai fait un petit peu d'effort, j'ai mis une définition légèrement au-dessus d'habitude. De J'espère que la ligne tiendra. J'espère qu'on conservera cette belle définition toute la soirée, ce qui vous permettra quand même de bien voir le, le dessin. Et euh, de temps en temps, je pense que je vous ferai des, des petits zooms. Euh, on essaiera de, de, de plonger un peu plus dans les images, un peu plus profondément sur certaines d'entre elles. Comme vous le voyez sur la partie gauche ici, j'ai le livre en double page. Ça permettra à chaque fois de voir à quoi ça ressemblait dans l'ensemble. Je trouve le, la caméra un peu clairette. On va peut-être mettre un peu plus de lumière. Attendez, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter de la lumière dans la pièce déjà. Voilà, est-ce que c'est un peu mieux C'est pas fou. Je pense que ça vaut le coup d'être très, très légèrement amélioré. Alors, hop. Hop. On enlève l'exposition automatique. On en met une manuel, comme ça, ça devrait pas trop bouger. Voilà, c'est un petit peu plus clair. Donc on aura là... Euh, les images en double, enfin, une image en double page qui va montrer le feuilletage du livre. Ici de temps en temps d'ailleurs, je pourrais vous amener d'autres lectures, d'autres bouquins que je vous ai amenés. Je vais vous faire un peu l'inventaire de ce que j'ai ramené, comme ça on, on va voir ensemble de quoi on va causer. Et en euh, regard euh, de, de tout ça, euh, vous aurez euh, le les pleines pages que j'ai. Euh, alors là, c'est encore William qui m'a filé un coup de main, qui m'a passé les pages scannées. Donc ce qu'on est en train de regarder là, c'est euh, la première page de Major Fatal, qui n'est pas à proprement parler, si vous voulez. Euh, euh, enfin, elle fait pas avec le, le grand récit euh, Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Elle l'initie, en quelque sorte. Elle va, de, de, elle va être la bande dessinée d'exposition euh, de, 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 de ce qui sera, euh, de ce qui sera le, les aventures du Major Groubert euh, vous notez que, enfin si je l'ai ouvert là, c'est d'abord parce qu'on va parler de, des prémices, évidemment, un petit peu de Major Fatal rapidement, mais aussi parce que c'est ici qu'apparaît ce titre, Major Fatal. Euh, la grande, la longue histoire, le long récit feuilletonné hein, de Mebius hein, s'appelle euh, Le garage hermétique de Géry Cornelius. Donc euh, à ma connaissance, euh, il n'y a qu'à ce moment-là que, que le, le, le titre Major Fatal se que cohabite euh, la figure du major Gruber avec cette, cette appellation-là. Si, euh, si vous avez d'autres infos là-dessus, moi j'en n'en ai pas trouvé d'autres, mais dans mon souvenir c'est dans ce récit-là, euh, qui est un récit publié aussi euh, dans, euh, dans Métal Hurlant, il y a quelques temps avant que commence, hein, le, que commence le grand feuilleton euh, improvisé, enfin dit comme tel, de euh, donc qu'est-ce que je vous ai ramené Je vous ai ramené euh, la, quelques, enfin deux textes de, de Mébus, c'est sûr. Ceci, euh, Mister Mébus et Docteur Gilles de Numassadoul, où il y a un entretien, un entretien avec euh, avec Mébus euh, qui se fait, qui, dé qui se déroule ici en plusieurs parties. Euh, c'est pas la seule, euh, le seul entretien avec Numassadoul qui existe. Il y en a un autre qui a été euh, euh, publié. Alors sous forme de bande dessinée euh, ici où il dialogue avec euh, Numa Sadoul voilà. je ne sais plus dans quelles conditions a été euh, publié cet entretien on en lira un petit bout aussi il y a un moment où ça va nous intéresser pour évoquer euh, le on pourrait dire l'espèce de, de socle culturel dans lequel se plonge euh, euh, mes vues pour dessiner alors celui-ci euh, l'interview de la page 124 Hum, hum, hum. a été publié dans quoi c'est quoi ce bordel bon on n'en sait rien euh, ça c'est remarquablement mal foutu. Vous savez par exemple que dans le... cette série de bouquins qui sont bon, très très copieux, hein, c'est les œuvres complètes de mes vues, je crois qu'il y a eu 4 volumes, enfin moi j'en ai 4, je crois pas qu'il y en ait eu d'autres quand cette série là est sortie. C'est d'ailleurs sous cette forme là que je vais vous lire euh, Major Fatal, sachant qu'il y a eu d'autres éditions auparavant, enfin, il y en a eu au moins une autre de Major Fatal euh, en album. Je crois qu'elle était sortie en 79 si je me souviens bien, la première, la première impression. Celle-ci est un peu plus tardive, je crois qu'on c'est en 80, c'est ça. On commence à, à publier les, les œuvres complètes. Enfin, C'est un désir de rassembler l'œuvre qui commence déjà à devenir copieuse de, de Moebius. C'est plutôt pas mal, enfin, il y a vraiment un bon choix, mais déjà il y a des trucs qui sont étonnants. Vous verrez par exemple que dans ce bouquin-là, dans le bouquin qui s'appelle Major Fatal, il y a un grand absent. C'est le récit, on pourrait dire liminaire à tout ça, celui dans lequel apparaît pour la première fois euh, le Major Fatal. Ce récit, c'est un récit qui a été publié dans Pilote, mais moi je vous ai trouvé les plans, je sont qu'on va pouvoir les regarder ensemble. Mais elles ne sont pas là-dedans. Et l'autre truc qui va pas, vous avez vu que je panouillais pour essayer de trouver. Euh, la bonne page euh, au sommaire de, de l'autre volume pour savoir d'où sortait l'entretien le dessiné en bande avec Nima Sadoul. Et c'est qu'en fait, y a, là, il n'y a pas du tout de, de travail un peu sérieux d'accompagnement. Là, vous n'avez pas de date, vous n'avez pas euh, de sommaire du tout pour ce volume. Donc, c'est un peu le bordel, vous voyez. Donc ils ont bien pris le soin de, de nous transcrire une cassette audio de Jodorowski papotant avec mes puces bon, pourquoi pas c'est pas très 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 passionnant. C'est marrant d'entendre parler Jodorowski à cette époque de, de mes bustes. et euh, Par contre, ouais, le, le travail un peu, non pas scientifique, mais un peu sérieux autour du bouquin n'a pas, pas vraiment été fait. C'est quand même assez frustrant. Voilà, je vous le dis tout net. Donc ça, ça va nous manquer euh, parce que je ne pourrais pas toujours vous dire... Quand et où a été publié tel ou tel truc. Je crois que même dans le premier volume, euh, on ne trouve pas toutes les, les publications, je ne sais plus. Euh... Et ce n'est pas les numéros page, ça, le numéro de page, ça c'est le numéro de récipe. c'est complètement con. Hein. Par exemple, vous voyez dans le sommaire, il n'y a aucun moyen hein, de se retrouver, parce qu'il n'y a pas les numéros de page pour euh, choper. Euh pour choper les, les places exactes des, des récits. Bon, heureusement, on les reconnaît assez bien, euh, parce qu'une bon, bonne partie d'entre eux sont assez célèbres, mais ceux du début, par exemple, ne, ne le sont pas. Et du coup, il bon, faut compter les pages, savoir, compter les récits pour savoir où on est de quoi on parle. Bon. Euh, pour situer un petit peu, Alors, déjà, on pourrait causer rapidement de mébuses tout court. Il ne s'agit pas de faire une espèce de... De travail d'exégèse complet euh, sur mes vues. Je pense que ce n'est pas du tout ça qui qu est attendu ce soir. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais on, on peut causer euh, un petit peu du contexte, comme j'ai dit qu'on allait le faire. Euh, on pourrait imaginer, et je crois qu'on imagine souvent, à tort, à cause de, de la. On pourrait dire d'une espèce de, de vision. Euh... Progressiste de la lecture euh, des histoires en général, de toutes les histoires, la grande histoire elliptique, que Mébius aurait avant toute tout autre chose été euh, Gire, le dessinateur euh, de Blueberry, puis Mébius. Mais en fait, non. En fait, il euh, y a une antériorité de Mébius que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est des planches qui sont pas beaucoup montrées, qui sont pas forcément passionnantes. Hein. Mais où euh, on va voir qu'apparaît, euh, voyez par exemple dans Harakiri, dans il euh, y a déjà Moebius. Euh, dans Harakiri, dans Pilote, vous verrez déjà apparaître euh, Mebius, sous son pseudonyme Mebius, avant Gire. Là par exemple, on doit être en 63, c'est ça, ouais voilà. On est en 63, c'est un récit euh, de SF, enfin, d'anticipation, et euh, un peu post-apo, quoi. Ici, c'est de l'ASF. Ici, c'est une espèce de fantastique euh, bas régime, mais assez intéressant, euh, que plutôt l'occasion de faire une pirouette fantastique à la, à la fin avec une composition à la piranèse. Donc là, on a un Mébus qui est antérieur à qui est antérieur à, à Blueberry, à l'écriture classique, au dessin classique, qui va développer, enfin classique, c'est une façon de parler, hein, parce que. Blueberry va. Ce qui va se passer tout au long de la carrière de Mébius, en tout cas dans la période de, dont je vous parle, c'est une certaine porosité entre ce qu'il expérimente d'un côté et de l'autre. Il y a euh, des aspects du travail euh, tenté sous la plume de Mébius qui vont venir contaminer ce qu'il est en train de faire euh, dans Blueberry et réciproquement. C'est une espèce d'étrange. Euh, comment on pourrait dire. Il y a une sorte de double mouvement par lequel euh, Blueberry viendra euh, euh, réinjecter et calmer en, en quelque sorte euh, la tentation euh, purement psychédélique de mebius et par lequel, par laquelle euh, Mebus viendra encanailler euh, constamment Blueberry. Voilà pour euh, la tendance générale. Mais d'un point de vue graphique, en tout cas, ce sont deux œuvres qui vont pas cesser de dialoguer. C'est pas, c'est pas des œuvres coupées autant qu'on pourrait le croire. Toujours est-il que le, ce que montrent un petit peu les premiers travaux de Mébius, dans les années 60, notamment dans Akiri, c'est un goût pour le pastiche, pour euh, l'ironie sur, euh, sur ses propres modèles. Il lit euh, copieusement de l'ASF, surtout, il ne s'engage pas, c'est le plus gros de sa lecture, mais il aime bien, euh, comment on pourrait dire ça, il aime bien tourner en dérision le caractère un peu sérieux, un peu trop bien orchestré de, de ces catégories et de ces typologies-là. Euh, il, il voit très bien toute la faiblesse qu'il y aurait à laisser euh, d'une certaine façon les mondes euh, s'ordonner euh, avec un peu trop de rectitude, euh, avec le risque qu'ils s'assèchent tout simplement. Donc euh, en rire, se moquer à la fois des mondes des, des comics à super-héros. Ben, c'est quelque chose qu'il fait euh, du fantastique. Euh, c'est des choses qu'il qu fait dans toutes ses premières bandes dessinées et qui seront présentes évidemment dans Major Fatal. Des caractères euh, assez euh, sensibles et très rapidement de Major Fatal, c'est la dimension euh, humoristique de, de Mébus et, pour dire, le, les, le tropisme euh, mébusien euh, unique en son genre euh, à travers lequel. Euh, ça, ça, peut se... ça se développe. L'humour de, de Mébus est assez particulier. Il fonctionne sur, euh, on pourrait dire, deux ou trois mécanismes qui ont l'air rudimentaires, mais qui sont extrêmement efficaces. Et, euh... Alors, ce n'est pas ce qu'il va développer dans le premier. Le goût du burlesque et du grotesque va un petit peu disparaître. Mais Bon, par exemple, dans ce genre de cases, l'espèce de surexpressivité théâtrale qui vous évoque sans doute Will Esner, qui était un des pionniers du genre, pour un des premiers à avoir injecté dans les bandes dessinées des modalités de la représentation expressive assez intense, comme ça, assez théâtralisée. Ben, qui se poursuivront jusqu'à Goussens, qui sera un grand maître aussi du genre. Mais Bus, euh, vous le verrez, à certains moments du majeur fatal, euh, d'un seul coup fait basculer le récit juste par les, ces petites touches de surexpressivité théâtrale à certains moments. Et euh, ça ôte le, le caractère de sérieux à la situation ou aux personnages eux-mêmes, qui euh, d'un seul coup sont pris dans une espèce d'exagération, de, d'emphase. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, on, dénote aussi, euh, on note pardon, aussi dans, dans ces récits du début un goût pour euh, les citations. Euh, là, c'est difficile de ne pas voir celle de Capra, évidemment, avec cet homme ailé et ses anges, cet ange en, en, en double-côte et en, en chapeau mou. En, on voit très bien les allusions cinématographiques, Il y a un goût pour mes euh, récurrent de l'allusion, la, de la citation et, et du double discours, mais c'est jamais, euh, c'est jamais différent. Il enfin, n'y a, a pas. Euh, à la fois, il n'y a, a pas d'ironie, il aime ses choses, il joue avec elles, lui plaisent, il ne les ridiculise pas. Et à la fois, il n'y a pas non plus de déférence. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu apparaître chez lui euh, ce qu'on pourrait appeler de la citation savante, même quand ses références sont des références savantes. C'est peut-être quelque chose euh, qu'il va, euh, qu va aimer retrouver chez. Euh, Jodorowski, ou euh, même si bon Jodorowski, c'est pas, pas sans défaut c'est même plutôt plein de toutes sortes de défauts ça peut être assez assez pénible euh... ah oui d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié de créer un espace spécial pour vous montrer les petits films puisque que je vous ai ramené des extraits de des extraits de films. Euh, donc on perdra peut-être quelques secondes à, à faire ça tout à l'heure mais bon je viens de me rendre compte que j'ai oublié mais chez Jodorowsky, quoi qu'on en pense de, de l'œuvre en général, il y a une cohabitation. Qui va probablement exploser pour le meilleur dans le cadre du Café Panique, j'imagine. Il y a une cohabitation constante entre un certain esprit de sérieux avec des références qui se voudraient impressionnantes. Bonsoir à toi, Brown Bear, bienvenue à bord. Et malgré tout, une volonté de tout péter, de ramener une dimension scatologique, furieuse, exagérée, qui finalement fait passer cette pilule. Il n'est pas le seul hein, dans son genre. Je crois qu'il y a une, une espèce de tendance à. <laughs> Il faut vraiment que je pense à baisser tout ça. Euh, bonsoir euh, Grenifleur et bienvenue à bord Grenifleur. Bienvenue, bienvenue. Alors des fois, j'ai peut-être un peu de mal à vous lire parce que je suis un peu miro. J'ai pas forcément les bonnes lunettes. Je vais ouvrir un Dox. Attendez, comme ça, je vais pouvoir peut-être agrandir le chat. Ce sera mieux. À... Sinon, j'ai avoir du mal à vous lire. Ça va être le bordel. Hmm. Alors, est-ce que c'est écrit en gros caractère Sherdox normalement qui doit être en plus gros caractère. Ah bah oui. Ah bah oui. Là j'arrive à vous le lire. Parfait. Par contre, je ne vois plus mon interface, ça c'est le bordel. On ne peut pas tout avoir. C'est pas grave. Alors, euh, qu'est-ce que je disais Je disais que Mébius partage ça avec son pote Jodorowski. Euh, la le goût euh, de, de saloper d'une certaine manière le, le, le trop grand esprit de sérieux qui pourrait y avoir euh, dès l'instant où, où viennent affleurer dans le travail les références savantes euh, donc ce caractère là vous voyez il naît très très vite dans le, les planches du jeune judo du jeune judo du jeune Mepius, pardon c'est déjà là ce goût pour l'ironie c'est comme il y a un mouvement en fait qui vous allez très très bien voir dans majeur Fatal et qui est un mouvement qui apparaît également dans les compositions de Jodorowsky notamment quand il lui écrit euh, comment euh, quand il lui écrit euh, le, plus tard euh, la saga de l'Incale c'est que dès que quelque chose pourrait se crisper un peu de l'esprit sérieux rapidement il devient nécessaire et urgent de le bousiller pour qu'il ne prenne pas le terrain et ça va très vite cette espèce de partie de ping-pong euh, à l'intérieur des, des, des planches de, de Major fatal. vous verrez donc, dès l'instant, on pourrait s'installer une SF un peu bien campée avec euh, tous ses fondamentaux en place. Évidemment, il y injecte euh, une ridiculisation euh, qui passe par toutes sortes de procédés. Mais je vous l'ai dit, l'humour de, de mes vues se roule sur deux trois trucs. Donc, je dis toutes sortes de procédés, mais pas tant que ça. C'est une petite gamme chromatique très efficace qu'on va, euh, qu va regarder ensemble. Voilà. Alors, voyons un peu le contexte. Euh, donc, Déjà, le contexte historique, euh, c'est ce quoi la, la bande dessinée euh, comment, euh, de SF en France à ce moment-là la, la SF bon, prend une place importante dans euh, la culture de la langue française, comme elle a déjà pris une grande importance dans la culture américaine peu de temps auparavant. Il y a un regard qui est porté par les auteurs et autrices euh, des années 70 en France vers les États-Unis, un regard euh, plein d'appétit pour ce qui s'y passe, euh, à la fois dans le monde des littératures dites populaires, des espèces de sous-genres un peu méprisés à l'époque, que sont euh, la science-fiction, l'horreur, ce genre de choses, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, et vers le comics, sainte Donc le, le regard est tout entier porté vers ce qui se crée là-bas. Et qu'est-ce qui se crée en France euh, à ce moment-là ah, C'est important de voir ça parce que la naissance du, euh, du Major Fatal est évidemment chevillée à celle du plus important des magazines de SF français. Euh, je ne crois pas qu'il ait eu le moindre concurrent. Il y en a eu d'autres. Hein, il y a eu d'autres publications françaises de SF, mais il n'y en a aucune qui a été aussi importante, aussi féconde et avec une vie aussi longue que Métal hurlant. Et clairement, il y a quelque chose comme euh, on pourrait dire une construction. Euh, Comment, euh, mutuel de Bétal et de mébius comme auteur et de Major Fatal comme un récit. C'est quelque chose qui se, qui s'invente et se construit ensemble. Ce sont des, des choses qui sont très très liées. Alors à cette époque, qu'est-ce qu'on trouve Est-ce que j'ai pensé à vous mettre un petit peu de bazar Je vais regarder ça. Je crois que je vous ai, je vous ai trouvé un petit peu, enfin quelques images pour qu'on voit un peu dans quelle ambiance on nage euh, à ce moment-là. Voilà. Donc là, je vous avais mis la première. Euh, Apparition en couverture du Major, c'est le numéro 6 hein, dans Metal, et ce numéro 6, c'est euh, celui où, où va commencer le récit, euh, récit feuilletonné et improvisé Major Fatal, qui s'appelle en réalité euh, Le garage hermétique de Jerry Cornelius, mais qui hérite, euh, puisque le, le nom du, du, du récit liminaire Major Fatal va va rester celui, enfin, clairement, entre nous hein, dans cette, à cette époque-là, entre, entre lecteurs des années 70, euh, quand on parlait de ça, on, on, on disait Major Fatal. On parlait, on parlait pas de, ni du, enfin, on parlait du garage hermétique, mais on, on appelait le Major Robert euh, le Major Fatal. C'était comme ça qu'on le nommait. Euh, ça, c'est la couverture du numéro 26. Alors, une autre couverture avec le Major. Donc on est, en, en, on est dans l'année 75 pour la sortie du, du numéro 6. Là, bah, j'imagine qu'on doit être déjà en 76 hein, largement au moins. Alors, l'environnement, euh, l'environnement, le contexte, ça va être ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple un, un, un des gars qui va être un des compagnons de voyage de, de Membus qui a déjà publié des trucs en SF, euh, puisqu'il a commencé à publier des, des bandes dessinées fantastiques et, et de SF dans les années 60, des trucs bah là où il y a, c'est très imparfait, alors je crois que c'est Lossfell qui avait publié ça à l'époque, c'est Lone Sloan qui a dû se titrer, c'était ce... un... un récit je crois qui était apparu dans Pilote. Euh, Goscinny c'est un garçon euh, qui a beau, beau avoir été chahuté par toute l'équipe des, des jeunes dessinateurs euh, qui ont fini par bon, bah, faire ses sessions et aller construire d'autres trucs ailleurs, qu'il s'agisse d'aller construire euh, l'écho des savannes avec Mandreka, euh, comment euh, Fluide de la scie avec Gottlieb ou euh, ici... Euh, euh, le, comment le, le métal hurlant avec euh, le quatuor dioné pharkas d'orille et mébius n'empêche, bon, c'est dans Pilote que les choses commencent parce que Goscinny était, était plein d'une curiosité bienveillante à l'égard de beaucoup de choses. C'était euh, un homme assez étonnant de ce point de vue et qui était prêt à publier des choses très imparfaites. C'est le moins qu'on puisse dire des planches qu'on observe là, les premières planches un peu balbutiantes et, et Bon, il faut le dire, c'est plutôt momoche, hein, regardez ça, c'est très rigide, c'est pas très adroit. Euh, bon, c'est le premier Druillet, euh, qui est un, donc un peu plus âgé que, que mes bus. Euh, à la fois je crois euh, dans la chair, mais surtout dans l'œuvre. Euh, là, c'est encore du Lone Sloan, euh, je crois que c'est euh, l'album Delirious. Hein. J'ai lu ça quand j'étais moche, j'en ai plus aucun souvenir. C'est... ouais... Oui, tu es un lecteur assidu et enthousiaste de Gottlieb. Moi, ah, bon, je ne peux pas vraiment vous en parler, ça va être compliqué. Alors le, autant je peux lire avec vous et avec plaisir, c'est ce que je vais faire, euh, Major Fatal. Autant c'est plus compliqué pour moi d'avoir de l'enthousiasme pour la plupart des lectures de cette époque. Voilà, je peux pas. Euh, clip, je pourrais pas en lire une case aujourd'hui. Ça me euh, tombe des yeux et des mains. Ça a beaucoup beaucoup compté. Je me suis beaucoup construit avec ça, comme énormément de lecteurs. Mais bon bah voilà. Pour moi, la machine est cassée. Euh, pour Drouillet, la machine s'est cassée très très tôt pour moi. Là voilà, pour le coup, euh, c'est vraiment un, un auteur qui a disparu complètement euh, de mon champ de vision. Euh, J'ai dû euh, M'enthousiasmer pour Y.R.Gaël, pour Yom le Fou, et puis, puis c'était fini. Quoi. Je J'en voyais plus que le, le côté. Euh, comment, euh, justement, on parlait de sérieux, l'esprit de sérieux qui est quand même très très présent chez Druyet, l'espèce de grandiloquence tapageuse. Et puis aussi, à mesure que je grandissais moi-même et que, que je dessinais, je commençais à en voir aussi les très gros défauts euh, plastiques. Euh, C'est-à-dire qu'il ne restait plus de, de Druyet que la puissance de ses structures. C'est-à-dire que -à -dire cet art de la composition de pages, qui est très particulier à Druyet, ben là, on voit une page particulièrement impressionnante dans, dans sa structure, mais qui fonctionne sur un certain monumentalisme. Et euh, je crois que ce qui va marquer pour moi la cassure définitive avec Druyet, c'est Salambeau. Euh, notamment parce que j'étais un lecteur euh, jeune mais euh, fasciné euh, du Salambo de Flaubert, et du coup je trouvais le livre de Durillet euh, risiblement faible euh, devant l'œuvre. Euh, c'est compliqué hein, de dire ça aujourd'hui, depuis les années 2020, on devait sans doute trouver ça un petit peu, enfin c'est des sanctions qui paraissaient un peu sauvages, mais, mais euh, comment dire ça je trouve que Mébus, euh, là, le majeur fatal qu'on va lire ce soir, a traversé euh, les décennies et reste intact. Quoi. Il y a encore une joie à lire, une modernité euh, qui est toujours vivace, fin, une... qui vient évidemment de plein de, plein de choses. D'abord, la liberté de ton, l'humour inouï, la vraie expérimentation, parce qu'au fond, euh, comment dire, Druyet trouve assez vite euh, une sorte de méthode Druyet, euh, qui est principalement un monumentalisme. Euh, comment euh, qu'on pourrait dire gothique. Il est plus proche, on, on le dit souvent, c'est un auteur baroque, mais pas du tout, enfin clairement pas. Le, le caractère qui, de, de, de son travail, son architecture, la composition et la l'ossature de ses plans, il doit beaucoup plus finalement à un certain gothique flamboyant qu'à qu un art baroque et euh, j'ai l'impression que très très vite il vient au bout de ce qu'il peut faire en la matière il va tenter de renouveler son travail en, en injectant euh, des... notamment dans Salambo je crois que c'est la première fois qu'il utilise l'aéro euh, d'autres euh, procédés techniques mais en procédés techniques on s'en fout en fait c'est oui. comment... Euh... Je crois que c'est Mauricio Kagel qui disait que euh, si, vous jouez, euh, si vous jouez une pièce de bac avec un saxo sopranino, vous n'avez pas fait de la musique contemporaine, vous avez fait de la musique de cirque. Ce n'est pas en changeant votre instrumentarium que vous changez euh, quoi que ce soit à votre art, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Donc, je peux paraître un peu dur avec Dourier, mais bon ne m'en veuillez pas trop. Euh, je me suis construit avec ça, mais très vite, ça, a... ça a cessé de m'intéresser complètement. Et euh, je n'y suis jamais revenu. Alors que je reviens à mes bius de temps en temps avec une certaine joie. Qu'est-ce qu'il y a encore à cette époque Ça C'est strictement contemporain euh, de ce qu'on regarde. Alors, c est, c est, ça a disparu. Et euh, pourtant, c'était assez étonnant. C'était un fantastique assez curieux. Euh, c'est ce que dessinait Gigi. Je ne sais plus qui était au scénario. Je crois que c'est Moulin Terni. Euh, C'est Hagar, le magicien de la planète morte. Quand j'étais enfant, ça me fascinait complètement. C'était euh, un mélange de fantastique, de SF, de féerie. Il euh, y avait un côté mm, angoissant et mystérieux. On était toujours assez proche du magicien d'Oz aussi. Enfin, C'était un drôle de truc. C'est aussi la période où Zardo sort au cinéma, pareil, l'incroyable Bourman. il hein. bah, y avait de ça dans les planches de, de Gigi, euh, que pas vraiment un auteur qui a été très marquant pour qui que ce soit, mais je pense qu'il faudrait garder dans un coin de tête le joli travail de Agar, parce qu'il y a vraiment là-dedans des trucs. Euh... Alors, on est hein, dans, dans l'espèce le, de psychédélisme. Euh, Propre aux années 70, qui ne va pas du tout disparaître des planches de Mébius, hein, vous verrez dans Majeure fatal il y a beaucoup d'empreintes d'un certain état euh, des bandes dessinées à, à cette époque, qui sont très, euh, très proches finalement de, de du monde des images tel qu'il se développe euh, en ce moment-là en France notamment, mais pas que, c'est-à-dire teinté de pré-raphaélisme, d'art nouveau, enfin, le psychédélisme c'est un peu tout ça, de surréalisme évidemment, et c'est euh, très marquant dans ces bandes dessinées-là, mais il y en a pour lesquelles c'est encore plus marquant évidemment, c'est dans des bouquins comme le Chris Cool de Casa. Le Chris Cool de Casa est sorti en 70. Je ne sais pas si je vous ai trouvé des images. Donc ça, c'est encore Agar, le magicien de la planète morte belle composition de page, vous voyez, avec une vraie injection de la tramarachnéenne pour construire le déplacement et la page, ça marche plutôt pas mal. Alors c'est pas fou, c'est pas bouleversant, mais c'est assez intrigant et finalement pas mal maîtrisé. Ça évidemment, c'est encore autre chose, mais c'est important de penser à ça, c'est qu'en 64, il y a Forest qui sortait Barbarella, donc dix ans avant notre aventure du Major Fatal très clairement euh, le tous, les, tous les caractères de cette expérimentation, euh, au moins narrative, euh, sinon chromatique aussi, de, de, de Forrest, et qui pose les bases de, déjà hein, d'un certain psychédélisme plastique et euh, aussi de référence. Il enfin, y a un, un onérisme forcé, un érotisme euh, à la fois débridé et, et joueur. Euh, et Mébus n'a jamais caché son admiration pour, euh, pour Forrest et il en parle dans ses entretiens avec Sadoul. Quand Sadoul lui demande d'où il vient, euh, Forrest arrive euh, en, parmi les références de Mébus, il ne s'en cache pas et euh, il est à cette époque, à l'époque où il fait le major et où il parle de Forrest, il est extrêmement jaloux, dit-il, de, de la rigueur et de la, la puissance du travail de Forrest. Ça, ça, vous connaissez tous et toutes, je pense, hein, c'est Barbarella. Donc Barbarella, c'est 64, voilà, c'est 10 ans avant. Euh, bon, ça dure quelques années. À chaque fois, je vous donne les dates fondatrices et dates de naissance. Hein, mais euh, qu'est-ce que tu dis, Brandbert Tu as écumé les collections de pilotes fluides de ton père. T'aimes beaucoup Gottlieb, même si ce pas de toute la génération. Tiens, ça, c'est intéressant. Je sais pas, moi, si on peut rire de Gottlieb. Donc, oui, on peut c'est savais pas c'est des questions qu'on se pose forcément quand on a grandi il y a bien longtemps avec certaines choses est ce que est ce que ça traverse le temps est ce que c'est encore drôle parce qu'on rit plus du tout de la même façon aujourd'hui enfin clairement moi, je suis très fan de tim et eric euh, qui sont des des, des humoristes américains euh, euh, on va dire d'un humour très contemporain, quasi expérimental. Je suis persuadé que ça aurait fait rire à personne à cette époque. C'était déjà très difficile de trouver, quand j'étais enfant, des gens qui rient aussi des Monty Python. On sentait bien que c'était compliqué. Quoi. Ça poussait le bouchon un peu loin. Et quand Pierre Desproges a sorti La Minute de Monsieur Cyclopède à la télé, ça faisait râler beaucoup. Ça faisait pas rire tout le monde. L'humour, c'est un truc qui n'arrête pas de se déplacer. Quoi. Bon, tout le monde se souvient du scandale des Shaddock. Donc ça va dérégler la façon de rire de cette période ça mettait mal à l'aise plein de gens ça... mais ça offrait un terrain d'expérimentation donc l'humour aussi est sujet bah, à une construction historique très, très riche, très changeante donc même s'il y a certaines formes du passé qui peuvent apparemment se maintenir euh, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qu qui reste et est-ce que ce qui nous a fait rire peut encore faire rire des jeunes gens donc pour Gottlieb, tu vois je ne savais pas ça traverse le temps, ben, super, tant mieux c'est bien, je savais pas Qu'est-ce qu'il y a encore Alors là, on est en train euh, de regarder justement euh, des planches de Chris Cool. Alors Chris Cool, c'était fait par Casa. Alors là, on est vraiment dans la BD hippie euh, à fond les baluches. Euh, donc c'est sorti en 70, hein, quelques années avant Major Fatal. On est en plein dans, euh, dans ces espèces de, de jeux chromatiques très très saturés, très forts, qui rappellent les expériences psychédéliques évidemment, auxquelles ça réfère en tout cas. Alors le dessin de Casa euh, a toujours été, quelles que soient les, les, les époques hein, de son travail, lui aussi pas très adroit, il est plein de défauts. Euh, ses scénarios sont rarement fameux, alors là aussi, quand, quand il essaie d'être un peu sérieux, ça donne une poésie assez nunuche et évanescente, et quand il l'est pas, ben c'est pas c'est à mourir de rire. Mais bon, je crois que de tout ça il peut pas rester grand-chose, mais je vous donne juste un contexte. Ça aussi c'est du casard. C'est également dans *Chris Cool*. C'est un album qui a beaucoup, beaucoup marqué sa génération. Il euh, y a tout un monde littéraire qui s'y réfère avec enthousiasme comme un, un truc marquant. Euh, une planche comme celle-là reste quand même assez solide, plutôt belle. Enfin, C'est très inégal, quoi. Là aussi, euh, euh, en termes du plaisir à, à voir et à regarder, vous noterez qu'on va parler de Mébus et, et que cet anneau qui fascine tout le monde fascine visiblement aussi Casa. Euh, le ruban de Mébus euh, figure là-haut, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a adopte Ah, ça c'est encore autre chose, euh, toujours dans le contexte. C'est Nicolas Deville qui a dessiné ça. C'est un album de 67, donc euh, quelques années encore auparavant. Euh, et c'était aussi un scénario de Jean Rollin. Euh, Jean Rollin, bah, vous voyez, ce cinéaste euh, à la fois euh, délicieux et kitschissime, spécialiste des films de vampires, mais qui fait des fois des trucs assez étonnants. « Les raisins de la mort », c'est un film assez curieux, je crois que c'était avec Brigitte Lahaie, c'est plutôt réussi, des fois c'est juste consternant, des fois c'est très beau, c'est toujours très, très imaginatif, teinté, là aussi, pas mal de, des derniers soubresauts du surréalisme, qui, qui, qui était encore très présent dans les esprits à la fin des années 60. Il faut bien comprendre, Alors, vous imaginez que c'est plus grand chose dans les années 60, le surréalisme, c'est un mouvement qui est quand même né dans les années 20, donc évidemment euh, c'est la, 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 le bout, de, le bout de, le bout de la queue d'une du, comète déjà largement finissante. Mais c'est très présent dans l'imaginaire euh, des graphistes, euh, des illustrateurs, etc. Donc ça c'est Saga Doxam. Est-ce que j'en ai trouvé d'autres Alors est-ce que je vous en ai trouvé d'autres Hop. Est-ce que le bouquin Ah bah ben non. J'ai rien d'autre là pour le contexte. Bon je pas grand chose. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, ben oui, on a les premières pages de Valérian qui sont publiées dans Pilote en 67. Euh, et puis, bon, ben, il y a aussi les, les prémices mébusiennes elles-mêmes, c'est-à-dire a, a pas mal publié de, de SF, vous l'avez vu dans les pages de Harakiri, dans Pilote, etc. Il a déjà à son actif un long récit assez génial et qui va teinter un petit peu Major Fatal. Ce long récit, c'est Le Bandard Fou. Je ne sais pas si vous connaissez Le Bandard Fou, je peux vous montrer rapidement si vous ne connaissez pas. Alors, alors, c'est ça. C'est un, un type qui se réveille un jour avec une épouvantable érection, qui est visiblement sa bite, euh, qu'il essaie de, de noyer pour qu'elle qu s'amollisse, qu'il la cogne un coup de gourdin, mais rien n'y fait. Et du coup, il va être convoqué euh, par Dame Kowalski, qui est très intéressée par son attribut. Voilà. Bref. Euh, le bandar est déjà plein d'aspects euh, notamment euh, plastique et puis aussi euh, on pourrait dire euh, euh, comment on pourrait appeler ça la quantité des objets euh, qui vont constituer son monde vous voyez, qu'est-ce qui est culte Lionel c'est euh, saga d'Oxam ou euh, comment, ou euh, Chris Cool Enfin, je crois que les deux l'étaient. Hein. Mais Saga euh, d'Examen s'est passé à là, ça a disparu, alors que ça aurait mérité une certaine postérité. Bon, c'est compliqué de lire ça aujourd'hui. Hein. cela aussi, c'est très hippie, très bavard, très verbeux, pas, pas très marrant. Bref, dans le Bandar Fou, disais-je, on trouve plein d'éléments, euh, notamment une certaine façon de, de dessiner les vaisseaux spatiaux, de construire des mondes qui sont. Euh, qui sont euh, très ambigus, qui sont jamais euh, vraiment futuristes, qui sont toujours pris euh, dans une espèce de minéralisation euh, à la fois historique et euh, puis comment euh, matériologique. C'est ce sont à la fois c'est à la fois un monde de minéraux et à la fois c'est une histoire minéralisée quelque chose qui n'a pas vraiment d'époque, qui a toujours l'air plutôt coincé euh, dans une espèce de de, de, de paléo histoire euh, euh, donc ça, c'est pas, pas propre à mes buts. Hein. Si on regarde les, 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 les récits de, de, de SF de l'époque, c'est pas si rare de construire des mondes où euh, cohabite un sentiment d'archaïsme et, euh, et, et puis un goût pour les technologies, euh, comment on pourrait dire, projectives, anticipées. Euh, c'est là-dessus, d'ailleurs, que se basera euh, au départ le, le monde de, de, de Star Wars lui-même. Espèce d'ambiguïté. Euh, ça, ça commence à bah se passer il y a très longtemps et on est censé euh, voyager à travers l'espace avec des vaisseaux qui permettent de le faire. Donc, des, cette espèce de double nature existe aussi au cinéma. Bon, là, c'est un trait très fréquent hein, chez Mébus euh, mais on comprend assez vite que. Salut à toi, schizophile euh, Donc, on. Qu'est-ce que je disais Pourquoi Mébus est si attaché à ces, à ces structures euh ces structures urbaines-là, qui sont des espèces de, de futuro-archaïsmes, euh, toujours plus ou moins minéralisées, toujours dans des, des espaces qui font penser à, à des villages hopis, vous voyez, ce, ce genre de choses. C'est vraiment lié à sa matière graphique, je pense. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une joie très visible à cette époque-là, qui va susciter autant d'enthousiasme chez les, les jeunes auteurs que nous étions, et les très jeunes enfants. D'ailleurs, je n'étais pas vraiment un auteur, même si je faisais des bandes dessinées, j'avais quand même qu'entre 8 et 10 ans. Mais euh, qu'est-ce qui nous réjouissait tous C'était d'aller traquer cette espèce de folie de petits points, de petits traits qui saturaient l'espace les, graphique. Si vous voyez, par exemple, un bouquin qui va sortir après, euh, après Major Fatal, c'est celui-là, ça s'appelle Les Yeux du Chat. Est un... Alors là, bon, mais je connais déjà Jedrowski depuis un moment. Il va rencontrer Jedrowski à peu près à la période où il fait Major Fatal. Je crois que c'est euh, 73 ou 74. Et on pourra parler un petit peu de leur rencontre parce que ça va influer euh, sur le déroulement de, de Major Fatal. Vous verrez. Donc à l'époque, quand il fait les, les yeux du chat, là, on est vraiment à fond dans cette espèce de saturation de l'espace graphique. Alors, de quoi elle tient-il, ce goût ben, Je pense qu'il y a l'ivresse de dessiner, bien entendu. Ce n'est pas un goût qu'on doit chercher seulement dans la question de la référence. Les auteurs sont bien plus que la référence et, et bien plus que les créateurs de mondes connotatifs. C'est aussi euh, autre chose. C'est-à-dire que le dessin est en soi un espace d'advention du sujet par lequel il apparaît à lui-même à, à travers euh, la, la prolifération de, 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 son, de ses propres traits de plume ou de pinceau. Et là, dans... Euh, dans les yeux du chat, c'est un des exemples les plus marquants, enfin, qui nous marquait en tout cas à l'époque, du goût hein, de Mébius pour ses saturations graphiques à l'excès, notamment, je me souviens des, des dernières cases, voilà, où on voit bien euh, ce plaisir, il n'est pas question de laisser un endroit de l'espace euh, inoccupé. Par ailleurs, on, voit, on comprend aussi avec quoi il dialogue quand on regarde les nuées des yeux du chat, telles qu'elles roulent sur elles-mêmes, et qu'elles qu elles, qu elles sont redoublées dans leur propre mouvement par les spires de, de la plume. On pense évidemment à la gravure allemande du 15e siècle, à Dürer, à Schongauer et ce genre de choses. On sent comme ça, et je crois que ça fait partie de ses références. Une autre référence de Moebius, un petit peu moins savante, mais qui est très importante pour les auteurs de bande dessinée de cette époque, qui l'a été aussi pour ceux de la génération suivante, dont je fais partie, c'est Gustave Doré, euh, qui, euh, on pourrait dire, le, qui, qui donne à la gravure son caractère pop quoi, au XIXe e Doré est un peintre absolument exécrable, mais c'est un graveur qui peut être pas mal. Enfin bon pas quand il illustre la Bible, parce que ça c'est vraiment assez navrant, mais euh, son kirote est plutôt chouette, enfin, vous avez sûrement tous et tout un hein, eu du Gustave euh, Doré devant les yeux, et Doré est une des références euh, avouées euh, de Moebius. Donc là, il vous voyez, il va vraiment pousser assez loin ce goût-là, ce goût pour cette saturation, pour créer l'espace dramatique hyper chargé euh, de euh, l'essieu du chat ça ça sort je crois de 3-4 ans pardon après euh, après euh, Major Fatal en album. Donc je crois que Major Fatal Album c'est 79 et je crois que la première sortie euh, de ce truc là... Ah ben bah, non, 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 c'est pas 3-4 ans après. Ça doit sortir... Euh... 80 si je me souviens bien donc non non c'est pas si longtemps après là j'ai un tirage de 81 mais c'est pas la première édition il a été décidé de republier ça parce que les yeux du chat était au départ un album qui avait été pensé comme album cadeau pour les acquéreurs d'autres albums de d'autres albums des, méta... de... des éditions des humanoïdes associés donc, Mébus, Mébus, euh, d'où il sort euh, son. Puisqu'on est dans le contexte encore, est-ce que j'oublie des trucs pour le contexte euh, On a évoqué le contexte mébusien lui-même. Donc, euh, au moment où il fait ça, il est à fond dans. Euh, blueberry, euh, qu'il a noyé pendant longtemps. Hein. C'est vraiment un truc qui qu'il a souvent évoqué en termes de difficultés euh, avant de, de trouver un rythme dans lequel il se sente bien, etc. Ça lui pèse et puis c'est extrêmement rigoureux, très sérieux. On sent bien que c'est pas une, une chose dans laquelle il peut euh, il peut euh, se lâcher euh, facilement. Alors, quand on dit euh, allons-y sur le pseudo de Mebius. Voilà ce qu'on propose. Euh, ce qu propose Numa Sadoul dans son entretien euh, avec Mébius et qu'il commande de temps en temps. Et voilà ce qu'il nous en dit. Euh, contrairement aux apparences, Mébius préexistait Agir, comme je voulais dire. En fait, il est né avec Jean Giraud et commence à se manifester dans Acire avec, avant que Blueberry débute dans Pilote. À l'heure actuelle, il reste seul à l'heure actuelle. Donc, au moment où, euh, comment, où, on publie ça. On publie ça en 76. Ah ouais, je croyais que c'était un peu plus vieux ça, Un peu plus jeune que ça, cette publication. Ah ouais, 76. D'accord, d'accord. Donc en 76, visiblement, il est... Il est plus... il n'est pas dans Blueberry. Il est dans autre chose. Il n'est que Mébus alors qu'il est. En 76, il dessine que ça. En termes d'un Salut à toi, euh, Pata sceptique et puis bienvenue à bord. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Il a... Euh, et puis merci pour le follow, c'est super gentil. Euh, Qu'est-ce que je disais comme connerie Je disais quoi Je disais euh, qu'il a déjà quelques récits de SF importants à, à son actif. Donc c'est aussi pour ça qu'il s'y plonge. Il y a Metal qui existe depuis début 75, mais on va parler un tout petit peu de la jeunesse de Metal, parce que ça compte quand même beaucoup comme cadre pour Major Fatal, hein, vous en doutez bien. Et euh, il a déjà aussi un bouquin euh, d'expérimentation, enfin d'improvisation à son compte à ce moment-là. Il a déjà publié Arzac, euh, qu'on va regarder rapidement. Mais ça veut dire que tous les mécanismes possibles pour aborder euh, le gros truc, le, le gros corpus euh, majeur fatal, sont en place. Euh, quand dit le, le petit père euh, Sadoul Il dit La signature Mébus illustra chez Opta le club du livre d'anticipation. Puis on l'a vu dans Pilote ou d'autres histoires signées « J » ou « avec un « Y » qui sont du pur Moebius, hein, avant qu'elle ne s'attache à l'écho des savades, métal hurlant, etc. L'origine d'un tel pseudonyme se passe de commentaires. La bande de Moebius est littéralement une bande tordue. Et comme Giraud voulait faire des bandes tordues, bah, ça convenait euh, parfaitement. Euh, Moebius lui-même ajoute qu'à l'époque, dans « Fiction » ou « Galaxie », donc c'était des revues à l'époque, hein, je vous ai dit, il euh, y a un flores de publications euh, de la SF qui gagnent ces euh, lettres de référence, y a les, je crois que c'est la collection de temps futur ou un truc comme ça, il y a énormément de publications de SF qui commencent à arriver, il y a un goût très fort qui se développe dans le milieu de grande pour la culture de la science-fiction. Il ajoute qu'à l'époque, dans Fiction ou dans Galaxy, quelques nouvelles se rapportaient à ce ruban magique et que ça le rendait positivement dingue. Voilà, voilà. Euh... La bande de Méjus, vous voyez ce que c'est. Vous verrez aussi qu'elle réapparaîtra dans le récit à l'intérieur de Majère Fatale. Il y a quelque chose à quoi elle se superpose à l'intérieur du récit. Elle viendra alimenter finalement comme objet. Euh, donc on pourrait dire que le, 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 la nature d'un processus de genèse même du récit, parfois, est accompagnée de certains signes euh, qui qu'on pour, qu pourrait considérer comme des espèces d'index de, 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 de fécondité à certains endroits du récit qui nous renseigne euh, des plans de passage puisque le Major Fatal est essentiellement un ouvrage consacré à, à ça, au, à, au lieu de passage. Euh, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait dire que fondamentalement, euh, c'est ce qu'est la bande dessinée, c'est la constitution de séries de lieux de passage. Ce que fait euh, la bande dessinée, c'est de produire des opérateurs de durée, des opérateurs visuels, plastiques, graphiques de durée. Et... Pour, le, pour y parvenir, il faut produire euh, visuellement, structurellement, des lieux de passage. Donc Plus encore que la composition d'état ou de moment, plus que la séquence, ce qui compte, ce sont les, les espaces de transition, les sas, euh, qui vont d'un endroit à un autre et qui font que quelque chose comme un récitatif peut apparaître. Alors alors, euh, ce dont je ne vous ai pas encore parlé comme contexte, c'est le troisième contexte, évidemment, c'est le contexte... Euh, on pourrait dire intérieur de Major Fatal, c'est son apparition pour la première fois. Et avant que ça ne devienne à proprement parler le garage hermétique de Jerry Cornelius, le truc qu'on va lire ensemble ce soir, quelles sont les, les autres occurrences de, où apparaît ce personnage, le Major Fatal, donc le Major Gruber, si vous préférez. La musique m'a l'air un peu forte, vous me dites hein, si la musique est trop forte. Alors, alors il a publié donc sur dans je le note dans les numéros 6 à 41 donc 35 épisodes auparavant sous la signature de gire il y a deux pages euh, d'une petite chronique euh, qui s'appelle euh, Merveille de l'univers et ça a été dans le numéro 749 de Pilote c'est à dire en 74 74 première apparition euh, de euh, du personnage lui même si vous voulez ça on va le regarder ensemble parce que je vous ai chauffé je vous ai chopé les planches il se trouve que alors, je vais baisser un tout petit peu la musique de Marcel Solide. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je disais J'ai chopé les planches. Merci Julien qui me les a retrouvées. C'est très gentil. Je les cherchais partout. Je n'ai pas trouvé ce numéro. Euh, et lui m'a trouvé le numéro de pilote. Le voilà. Donc c'est ce pilote-là. Voilà. C'est le numéro 749 dont voici la couverture. Donc 74 euh, pilote spécial SF. Et voici les merveilles de l'univers. Donc c'est juste deux petites planches de rien du tout qui s'appellent les merveilles de l'univers. Après je vous lirai un texte par ailleurs de qui renvoie à ces deux planches-là, euh, un petit texte de Dionnet où il parle de ces deux pages et en quoi elles ont été euh, liminaires, euh, les, euh, initiatrices pardon euh, de euh, de la création du personnage du major Grobert. Il, il, il est déjà là et il est là anecdotiquement, mais il va cesser d'être anecdotique. Alors on va grossir un peu, sinon vous y verrez pas grand-chose. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut avoir. Ah là, un grossissement graduel, parce que sinon vous ne pourrez pas voir les cases en entier. Voilà. Figure 1, un document exceptionnel. Une famille humanoïde survivante sur Panagra du Cygne. Par une cruelle ironie du sort, les pauvres gens campent devant le fameux mur de jade des végans. Donc, les habitants de Vega, ce n'est pas les Vegans à cette époque. Dessin d'après un hologramme officiel. Donc, c'est une espèce de chronique comme ça, un petit peu absurde de, des merveilles de l'univers, avec un ton descriptif, un ton assertatif et sérieux qui, euh, qui parodie les, les pages de l'Oncle Paul. Enfin en tout cas, les, les univers où en bande dessinée, on est censé être dans un cadre pédagogique en racontant bah, des choses évidemment qui sont hors de tout contexte prouvable et scientifique. Le, un autre univers, un univers qui a déjà complètement basculé, mais dont la parodie de discours euh, scientifique... Oh, bonsoir, bande dessinée, comme c'est bizarre de voir, de voir mon propre nom apparaître. Qui utilise mon compte C'est Agnès qui est en train de regarder derrière la petite coquine. Ça fait super bizarre. Donc voilà les, les belles couleurs, effectivement, psychées euh, qu'on peut trouver dedans. Qui ne, vous voyez, c'est ce, ce, peut-être ça hein, qui a empêché euh, la publication euh, dans euh, ce volume-là euh, de Majeur Fatal. Le fait qu'elles y soient pas, parce que là, tout le volume est en noir et blanc. Donc peut-être que c'était euh, compliqué d'imprimer de, 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 un seul cahier couleur à cette époque. Là, nous avons la figure 4, c'est Bagou, New York. Ces petites graines sont si dangereuses qu'elles doivent être vigoureusement enflaconnées. Et donc, ces merveilles, voilà la seule apparition, c'est vraiment pas grand-chose. Admirons l'ingéniosité de cette lamule vergatienne. Bah oui, on admire. Donc, ces merveilles de l'univers sont rapportées par le commandant W.W. Gruber. Donc, ce W.W., ça va disparaître, il n'y aura plus de W. Le nom de Gruber ne sera plus associé à, à, à ces lettres, mais il va rester. Chef de l'expédition Galatée. Et. Pardon. Hop. On peut voir la première tête du commandant robert Voilà à quoi il ressemble. Euh, il est encore euh, il est, le casque colonial est encore très respectueux. Euh, est encore très respectueux euh, de. C'est bizarre tu sais de j'ai l'impression de parler tout seul ça, ça, c'est assez étrange. Hein. Euh... <laughs> Le commandant Gruber a encore l'air d'un de ses héros de, de films des années 30 ou 40. On l'imagine très bien jaillir dans un Tarzan d'ouel ou ce genre de choses. Et il a à l'époque une sorte d'alter ego qui est le dessinateur reporter Gire. On verra apparaître d'ailleurs si breptissement Gire lui-même dans une des planches de Major Fatal très discrètement. On le voit apparaître dans un autre récit de SF important de Mébus, euh, qui a été fait quelque temps auparavant, qui a marqué beaucoup les esprits à cette époque, qui s'appelle La Déviation. J'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. J'ai retrouvé plein de trucs. J'ai retrouvé tous mes vieux albums de Lincal et d'autres trucs encore. Mais je n'ai pas retrouvé. Euh... N'en abuse pas trop, bande dessinée. <laughs> C'est flippant. Ça m'angoisse. <laughs> euh, Qu'est-ce que je disais Alors. Parlons maintenant de cette première occurrence et de l'importance qu'elle aurait pu ne pas avoir. Voilà ce que nous en dit, euh, ce que nous en dit dans ses mémoires Jean-Pierre Dionneur. Dans les merveilles de l'univers, une histoire de deux pages destinée par Jean Giraud dans le numéro 749 de Pilote, publié en mars 74, j'ai repéré un curieux personnage. Il porte un casque colonial et il se nomme le commandant Gruber. Quelque chose en lui m'intrigue, à commencer par ce vestige vestimentaire d'une époque passée de mode. J'ai l'impression qu'il y a matière à en faire quelque chose, même si je ne discerne pas encore très bien toutes les possibilités qu'il renferme. Alors, en tout cas, ce cas, colonial, c'est marrant parce qu'il va devenir vraiment le référent. Euh, euh, comment dire de la bande dessinée qui se retrousse sur son histoire avec notamment Yves Chaland et l'usage qu'il va en faire pour, euh, par ce seul signe, signifier qu'on a plongé euh, dans euh, la bande dessinée à la papa des années 50 à laquelle il se réfère. Donc le, le casque colonial peut devenir vraiment une espèce de, 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 comment dire, de, de moteur euh, de retroussement euh, systématique euh, dans le monde des bandes dessinées, euh, vers euh, le, le passé tout simplement, incarné euh, à lui tout seul, euh, toute une série euh, de... Comment on pourrait dire, de tensions et de tendances euh, un peu flippantes, évidemment, hein, euh, liées à notre histoire, c'est-à-dire euh, les figures héroïques, euh, la colonie, euh, ce genre de choses. Donc, tout, avec toute la violence, évidemment, les, des euh, bandes dessinées d'avant-guerre euh, qui sont pétries, on pourrait dire, du pire de nos imaginaires euh, héroïques. Euh, je présente qu'il y a matière à en faire quelque chose. J'en parle à des gens qui ne voient pas le potentiel de sa création et qui attend que je le guide sur une piste. En regardant de près ce Gruber, je songe au Fantôme, le justicier masqué dans une bande dessinée de Lee Falk. Je suppose que vous connaissez le Fantôme, effectivement c'est quelque chose d'assez inouï. Une bande dessinée très étrange. Il y a à cette période une capacité à produire des personnages qui sont euh, incontextualisables à cause de leur profonde étrangeté et que leur, et, euh, leur auteur promène partout comme si de rien n'était. On a Mandrake dans le genre. Enfin, c'est vraiment une bizarrerie propre aux bandes dessinées des années 30. Je l'imagine quelque part dans une jungle peuplée de pygmées, tout comme le fantôme vivait en Afrique, dans un pays d'invention nommé le Bengala, je repense à ces films hollywoodiens nourris d'un exotisme de pacotille. Mon imagination se met à galoper. Tout deviendrait possible, Gruber chevaucherait une monture minuscule, plus personne ne toucherait le sol, les personnages marcheraient sur des nuages, euh, il serait à l'illiputien. j'en m'écoute sans rien dire, puis il prend le relais et tente de trouver un sens à mon délire. Selon lui, il existerait une divinité qui le guiderait tout au long de sa route. Cette divinité serait un dessinateur habitant une petite maison qui ne parviendrait pas à donner forme à l'histoire qu'il est en train de dessiner et qui inventerait au fur et à mesure toutes ses péripéties. À la fin, le commandant rencontrerait le dessinateur et découvrirait qu'il n'est autre que Dieu. Bon, sans le savoir, on est en train d'inventer ce qui deviendra Major Fatal. Et même Inside Mebius, cette auto-fiction dessinée, dans laquelle Mebius se mettra en scène dans les années 2000 en compagnie des principaux personnages de son univers. Avec Jean, nous ne doutons de rien. Nous prenons rendez-vous avec René Goscinny afin de lui soumettre cet embryon d'histoire. Quand celui-ci nous reçoit dans son bureau, je prends l'initiative de lui présenter notre projet. J'explique que la bande serait signée Moebius, mais qu'il ne s'agirait pas du Moebius qu'il connaît. L'histoire serait dessinée dans un style réaliste. Ce serait de la science-fiction, mais ce serait amusant. Il y aurait des scènes drôles à la Lorel et Hardy. Bref, ce serait formidable. C'est tout juste si je ne lui dis pas qu'on envisage de révolutionner la bande dessinée. Goscinny m'écoute poliment. Il s'est toujours montré gentil, bienveillant avec moi. Quand j'ai terminé, il se tourne vers Jean et dit ⁇ Bon, Giro, on va peut-être arrêter les conneries Vous n'êtes pas censé attaquer à nouveau Blueberry ?⁇ ah, Je suis étonné, je n'ai jamais entendu parler sur ce ton. Jean, très calme, répond qu'il doit en effet commencer à dessiner une nouvelle aventure du cowboy qu'il a créée avec Jean-Michel Charlier. Bah, vous y mettrez et puis on, on se reverra lors de la prochaine réunion des actualités. La discussion est terminée, c'est tout ce que vous vouliez me dire. Johnny, vous restez là, il faut qu'on parle justement des actualités. Jean acquiesce, très sans prononcer un mot, il se lève, sort du bureau, il est en mode « même pas mal, j'ai rien senti, de toute façon je suis plus fort que tout le monde ». Bon, le commandant grubert a perdu, mais ça n'est que partie remise. Quand je rappellerai cet épisode à Jean, ce rendez-vous manqué avec Goscinny, il n'en éprouverait aucune amertume. Selon lui, de toute façon, c'était trop tôt. Le personnage n'était qu'une vague idée inaboutie, et son graphisme n'était pas encore au point. Bientôt, grubert fera une entrée remarquée dans les pages de Métal Hurlant. Ce jour-là, il, il contribuerait bel et bien à révolutionner la bande dessinée. Effectivement, ça a été le cas. Même si, bon, on vous dit, hein, je vous l'ai dit, je contextualise un peu. La bande dessinée est, est riche de, de, de potentiel de SF depuis un moment. Et euh, il fallait tout ça, j'imagine, pour préparer le terrain. Et même se les préparé lui-même avec déjà l'exécution d'une première bande dessinée improvisée avec Arzac. Alors, euh... parlons rapidement de. Euh, comment Des débuts du Major. Les débuts du majeur. Est-ce que j'ai des trucs là-dessus qui sont intéressants Je vais vous dire ça. Pa, 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 pa. Allez, je commence déjà à me paumer dans mon propre bordel. Vous vous rendez compte de ça Pourtant, j'ai bien fait les choses. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, la SF et la bande dessinée, je vous ai trouvé un petit lien qui pourrait vous intéresser. Euh, je vais vous filer tout de suite quelques liens. Euh, notamment parce que ce que j'ai pu trouver euh, pour euh, parler de Jerry Cornelius, puisque... On va on va rentrer un petit peu dans le, le gros du truc avec euh, l'univers propre à Major Fatal. Il faut aussi euh, rappeler un petit peu quelque chose de, de des, des origines à, euh, comment culturelles tout simplement euh, de, de ce de ce récit de, de sur quoi il se base le le garage hermétique de Jerry Cornelius fait allusion à un personnage qui a été créé par Michael Morcock. Alors, Michael Morcock, c'est qui C'est un romancier qui a pas mal marqué euh, les années 60. Et alors, moi, je ne l'ai pas lu. Euh, moi, je connais juste un film qui s'appelle euh, euh, Comment. Euh... Ah Je vous en ai trouvé un petit extrait. J'ai vu ça quand j'étais minot. J'ai réussi à retrouver ça et qui est, qui est une des aventures de Jerry Cornelius. Alors, je vais essayer de vous choper ça. Hop Hop Excusez-moi. Alors, j'y vais, j'y vais. Comment s'appelle ce foutu film C'est un film des années 60. Voici les extraits. Est-ce que je pourrais vous ramener ça là Voilà, c'est les décimales du futur. C'est un film de 1973. Est-ce que j'ai bien pensé à vous noter qui l'avait réalisé Est-ce que j'ai pas fait le couillon avec ça C'est possible que j'ai oublié parce que je pense pas toujours à tout. Euh, ta 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 ta. Est-ce que j'ai noté ça Bah Non, Nigo que je suis. Ce n'est pas bien. Ouais, Ce n'est pas grave. Je vais quand même vous montrer un petit peu avec ça. Pourquoi on pouvait trouver <laughs> à cette époque Jerry Cordelius sous forme de film et apparaître comme ça, sous forme de personnage dans le monde de Mébus C'est parce que c'était. Euh, une prémisse en quelque sorte à, euh, au copyleft. L'auteur, le, euh, Morcock avait décidé d'ouvrir d'une certaine manière le personnage de Jerry euh, Cornelius à l'usage, euh, qui voudrait s'en emparer. Alors, je vous, je, ça, je vais pouvoir vous en causer en détail parce que quelqu'un en parle un peu mieux que moi en ligne et en détail. Donc, je vais vous filer la source, mais je vais quand même vous montrer euh, quelques images rapidement. Je vous ai chopé un tout petit extrait. Hein. Il est là, on va aller le chercher. Hop, c'est pas grand chose. Alors, évidemment, c'est quelque chose que j'aurais pu faire si j'avais été un garçon très bien organisé, bien avant, évidemment, de lancer ce live. Mais comme je ne suis pas si organisé que j'en ai l'air, et d'ailleurs, je ne suis pas vraiment certain d'en avoir l'air, eh bien, j'ai oublié ce détail c'est les films. Alors, les films, où sont-ils Ils sont là, voilà. On va commencer par ça les décimales du futur. On y va. <laughs> voilà. Bon, je n'en ai pas mis beaucoup, parce que je ne suis pas sûr que ça. Que ça, ça traverse le temps, euh, je dirais euh... <laughs> très très bien. Mais euh, ça donne une petite idée, en tout cas, euh, de, de ce qu'est ce film. C'est un film plutôt marrant. Euh... alors bon, qu'est-ce que j'ai fait de ce truc, moi Ah, voilà, très bien, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il en dit ce petit texte Je vais vous filer le lien euh, de. Allons-vous. Je suis censé vous choper le lien. Ah oui, bah oui, bah oui, ça ne va pas du tout ça. Pourquoi le. Excusez-moi, mon navigateur est ouvert et pour autant, je ne vois pas le lien apparaître dans l'image que je vous propose. Ah, si, ça y est, voilà. Donc, ce site, ce site, excusez-moi, c'est un peu bordélique, ça va cesser de l'être. Voilà, ce site s'appelle Philactérium. Le site Philactérium, comme vous le voyez là, a un long, euh, sur, vous voyez sur la, la partie droite, un, un long dossier qui s'appelle euh, Science-fiction et bande dessinée. Et il y en a un passage consacré à la bande dessinée et la science-fiction dans les années 70. Euh, voilà ce qu'il nous dit. À propos euh, du personnage de Jerry Cornelius, c'est pas inintéressant. D'une manière générale, le, le travail du phylactérium est plutôt intéressant, et ce long dossier sur la SF qui se décompose donc par décennie, est assez passionnant. Enfin, c'est pas un domaine que je connais très bien. J'ai jamais été un gros lecteur de SF. Je dirais un peu en bande dessinée, pas du tout romanesquement. Donc ça m'a ouvert à plein de trucs. Donc je suis pas du tout familier. Qu'est-ce qu'il en dit En conclusion, il nous faut une fois de plus revenir au romancier Michael, enfin Michael Moorcock, qui marque les années 60. D'abord parce que le titre de l'histoire de Mébius fait explicitement référence à un personnage créé par Morcock en 68, dans le récit The Final Program. Ce personnage a été réutilisé avec l'approbation appuyée de Morcock par d'autres auteurs. Ah ça c'est bizarre par contre, parce que Les Décimales du Futur visiblement est un film de 67, donc non, il doit y avoir une erreur dans la datation soit de Philacterium, soit euh, de mon extrait de film. J'ai chopé une copie, mais évidemment euh, dans un endroit ahurissant, donc il y a une de ces dates qui doit forcément être euh, mauvaise. Ce personnage a été réutilisé avec l'approbation de Morcoq par d'autres auteurs. Cornelius serait donc une sorte de personnage ouvert Susceptible d'être transposé dans un autre univers de fiction que celui proposé à son créateur. Et puis surtout, Morcock est l'un des auteurs à avoir le mieux exploité dans son œuvre, qui mêle, rappelons-le, science-fiction et fantasy, la notion de multivers, hypothèse qui veut que notre univers ne soit qu'un univers possible parmi une infinité d'autres mondes parallèles existant en même temps. Exploitant à fond cette notion, Morcock fait voyager ses héros, qui sont quoi Elric, Hawk Moon, Bastable, dans le temps et l'espace et dans des versions alternatives de notre monde. Pour un auteur, la notion de multivers permet par exemple d'expliquer l'interaction entre les différents univers et personnages qu'il a créés. Dans le Garage Hermétique, Moebius s'en donne aussi à Corjua, puisque le monde du Garage n'apparaît qu'être un univers inventé de toutes pièces par le Major qui le surveille depuis son vaisseau spatial, le Siguri. Le monde du garage hermétique est donc un monde imaginaire où tout est potentiellement possible. De là à dire que le garage hermétique est une histoire qu'a pour princi principal sujet la création et la manière dont un créateur, ici aussi bien le majeur que Mébus lui-même, tente de maîtriser l'univers qu'il a engendré, il n'y a qu'un pas, que je franchis d'autant plus allègrement au vu des conditions de création de l'œuvre, cette force d'improvisation qui offre à l'auteur une liberté de choix maximum. L'apparition d'un récit sur la création montre qu'avec Mebus, la bande dessinée a atteint une très grande maturité puisqu'elle se montre capable d'évaluer et de tester sa propre capacité imaginaire. Ça c'est un truc qu'on va revoir, mais vraiment constamment euh, dans Majeur Fatal. C'est quand même... Je, suis con... je vais vous dis que je vous filais le lien et j'oublie de le faire. Je copie ça. Et je vous mets ça hop, dans le chat. Voilà, c'est là. Euh c'est la porosité extrême qui existe entre la construction euh, narrative euh, du Major fatal par Mébus, salut à toi Glitch, bonsoir, et euh, la proposition narrative euh, qu'est le monde créé par le Major lui-même, à savoir l'astéroïde Fleur. Donc on va parler de ça régulièrement. On va voir à quel point ces choses sont poreuses. On va voir des, on pourrait dire des alertes qui sont données par Mévius lui-même à certains moments que euh, ah bon ça te plaît d'entendre de, de, le nom du garage hermétique dès sa connexion à un live Eh ben c'est super. On va, entendre parler pas mal, enfin on va parler ensemble pas mal de ça à mesure qu'on va avancer dans le récit, de cette porosité en, entre le, le statut particulier de euh, créateur de monde du Major et euh, les moyens qu'il emprunte pour créer son monde et la façon dont il le traverse lui-même et dans, dans une certaine manière dont il, euh, par lequel il se laisse dépasser. Et évidemment, euh, la façon dont Mébus va improviser le récit Major Fatal. On ne peut pas... Euh, ne pas avoir euh, cette espèce de dialectique euh, qui se résout finalement par, euh, au bout du compte, le, le fait même que la bande dessinée prenne corps et finisse par exister, que nous en soyons euh, les lecteurs. Alors, on peut trouver aussi en ligne euh, une bio euh, du Major Fatal, euh, mais ça, on va s'en passer parce qu'en fait, on va la croiser nous-mêmes. Il y a un moment où un des personnages, euh, l'archer, euh, va nous raconter la bio du Major, et je pense que c'est très intéressant pour nous de nous laisser happer par le récit comme les lecteurs de 1975 et des années suivantes l'ont été, c'est-à-dire pris par le mélange d'errance et de maîtrise de la situation de Mébus, qui tantôt s'abandonne aux joies de l'improvisation, tantôt essaie de resserrer, resserrer son récit en donnant un peu de sens, enfin, apparemment ou pas, aux au trames narratives qu'il est en train de, de, trico de, pardon, de tricoter. Il euh, y a un, une tentative de synopsis, qu'on pourrait donc appeler un rétro-synopsis, hein, qui a été construit, puisque évidemment, Mébus n'a pas de synopsis pour écrire tout ceci. Pardon. Euh, comment Il y a euh, quelqu'un qui a tenté. À, alors, j'ai le site, là, je peux vous montrer ce que c'est. C'est ça. Qui a tenté un site nébusien. Hein, c'est Mano Carter. Je ne sais pas qui est l'auteur. Ce n'est pas, pas toujours. Euh, euh, Comment, passionnant, mais c'est plutôt chouette que ça existe, c'est assez marrant à, à consulter. En tout cas, il s'est visiblement beaucoup amusé à le faire. Et à cet endroit-là, euh, Mano Corto tente euh, vaguement un synopsis. Euh, ce qui, je vais vous le dire à toute vitesse, ça va être beaucoup plus drôle, comme ça vous allez très très vite l'oublier, mais ça va vous donner une petite idée de la confusion générale qui règne euh, dans, dans le récit. Une erreur malencontreuse de l'ingénieur Barnier, telle la mouche de Brésil, va provoquer le naufrage incontrôlable des forces qui se construyaient jusque-là en bonne intelligence. La mission de reconnaissance de Samuel Moad à bord de starbilliard ayant échoué, le Major, inquiet, se rend en personne sur le monde pour jauger les dégâts déjà commis et rétablir l'ordre. Tandis que l'archer, héros de main du Major, prend la protection de l'ingénieur Barnier. Mais, certains ne l'entendent pas de cette oreille, les Bacalites, contrôleurs de l'espace-temps, Jerry Cornelius, envoyé du Nagual, Spergossi, intronisé de nouveaux pouvoirs, et le Seigneur Taray, entité interne, n'ont de cesse que de participer à un complot ourdi pour donner l'indépendance. À ce monde, œuvre du Major. C'est en quelque sorte contre la révolte de son propre enfant que le Major Frankenstein tente d'imposer le retour à l'ordre, mais il est trop tard. Sans doute, cela n'est-il pas une question de temps et Il doit en être ainsi. La prise de conscience de chaque niveau de sa subordination au Sigouri, via ceux du Major et de sa belle fiancée Alvina, en orbite autour de la planète Oignon, rend immédiatement irrémédiable la fuite du Major vers notre propre univers. Oui, le nôtre, celui de la Terre, après avoir réalisé un parcours des trois niveaux en profondeur. Voilà. Tentative de synopsis qui euh, donne une petite idée. Euh, vague de la profusion des, des situations données de, par, par le Major Fatal, mais qui finalement est relativement anecdotique, parce que ce qui est fait vraiment le, le je dirais tout l'intérêt de la trame de Major Fatal, c'est euh, sa manière d'advenir à elle-même hmm, pièce après pièce, pas tant pour essayer de, de, de donner un sens raisonnable à, à, à ce qui vient de se dérouler et qui ne l'était pas, et je dirais même que quand ça se fait, quand mes bus cèdent à la tentation, le récit devient quasi instantanément nettement moins intéressant. C'est euh, probablement une des choses, euh, je dirais, les, les plus... Euh, S'il y a une petite chose décevante dans Major Fatal, il y en a une petite, c'est euh, juste avant la fin des tentatives de résolution pour donner un, un corps et une existence, euh, on pourrait dire, euh, légitime à ce qui s'est passé avant. Bon. Pas, tout n'est pas soumis à cet exercice. Euh, Major Fatal laisse plein de pistes complètement inexplorées qui vont nulle part, ce qui est plutôt très bien euh, si on tient compte quand même de, du projet. Euh, mais globalement, l'erreur, ce serait ça. Et euh, je dirais qu'il n'y a pas que les lecteurs de. Y a pas que les lecteurs de Nevius qui ont sacrifié, qui ont été tentés là de créer des, des rétrosynopsies où ils décident d'y voir plus clair. D'ailleurs, le bouquin Major Fatal que je vais consulter pour vous, pour vous parler de. Enfin, pour lire le, le récit, celui-là est post-facé par Jacques Guamard. On parlera de ce truc, on va sûrement le lire ensemble d'ailleurs, le, le, je dirais, la, la post-face de, de Guamard. Je ne sais pas encore si on la lit avant ou après la bande dessinée, c'est une chose pour, pour laquelle je ne me suis pas décidé. Mais euh, Guamard se garde bien euh, d'essayer de, de, de donner un sens à tout ce qui s'est déroulé, des espèces de clés, ça n'aurait pas, pas beaucoup d'intérêt. Euh, je pense qu'on ne va pas faire ça. C'est pareil, ce rétro-synopsis, euh, c'est son existence même, finalement, qui est un peu absurde, c'est pour ça que je voulais vous le lire. Il y a, il y a dans l'idée même de, de s'adonner à un rétro-synopsis peut-être une, une incompréhension fondamentale, je pense, de, de la ligne... Euh, la ligne d'écriture euh, dissonante et euh, erratique euh, qui a constitué euh, l'écriture de, de Major Fatale. On pourrait parler aussi du, rapidement du titre, euh, qui n'est euh, pas, pas inintéressant en, en soi, si vous voulez, euh, parce qu'il euh, il nous dit quelque chose aussi de la situation. Euh, à la fois imaginaire, poétique et amical dans laquelle se trouve Mébus à cette époque, et ce qui est sans doute pas pour rien euh, dans, euh, dans la proposition d'un garage hermétique. D'abord, il y a un, évidemment un, un jeu assez euh, drôle euh, alors, euh, dans lequel il se, il se condamne lui-même d'une certaine manière à créer quelque chose de fermé alors qu'il n'arrête pas de dire que c'est un récit euh, ouvert. mais... Euh, L'idée est, est de, de produire finalement des circonstances transformantes euh, continues à partir d'une matrice qu'on pourrait dire inopinée. Pourquoi matrice inopinée Parce que tout simplement, euh, les, le premier récit qu'on va lire, ah, enfin, le, le premier épisode de, de Jerry Cornelius du garage hermétique de Jerry Cornelius, c'était pas du tout destiné à euh, devenir un long récit de 35 épisodes. C'est quelque chose que mes a ça fait à vide comme une chose qu'il aimait énormément faire dans euh, la généalogie euh, comment, euh, de Major Fatal, qui commence, on l'a vu ensemble, hein, qui commence dans le, le joli petit récit de, de, euh, publié euh, dans Pilote, mais qui se poursuit à travers quelques petites touches comme ça. Il y a ce récit liminal dont je vous ai parlé déjà, euh, qui est celui-ci. Voilà. Donc, c'est un récit de 13 pages euh, qui a été publié euh, dans, euh, dans un, numéro de, un numéro de Metal Hurlant. Et je ne sais plus du tout euh, lequel par ailleurs. Euh, mais enfin, bon, à partir du moment où euh, le, le récit se lance vraiment euh, à fond, à partir du 6, je pense que c'est le numéro 6. Donc, c'est une espèce de prologue, finalement, à ce que sera Major fatal. Mais auparavant, il y avait eu ceci, euh, dans les prémices, il y avait, dans Fluide numéro 2, il a sorti quand même quelque chose, il a sorti ceci, qui s'appelle The Forbidden City Ride Again. C'est un truc qui est sorti en juillet 1975, dans le numéro 2 de Fluide Et là, c'est un exercice auquel adore se livrer mes puces, c'est pour ça que je vous en parle à propos de ce premier épisode de Jerry Cornelius du Garage Hermétique, c'est construire par une espèce d'introduction euh, furtive à l'intérieur d'un monde déjà constitué un espace narratif auquel il manquera tout ce qui précède et tout ce qui suit. C'est quelque chose qui va devenir, vous le verrez, constitutif également de la force de Majeur Fatale parce que c'est précisément ce qu'on ne va pas cesser de faire, c'est rentrer et sortir d'espaces qui supposent qu'ils ont une autonomie avec des avant et des après, et qu'on ne fait que des effractions, des zones de pénétration, des fissures pour y rentrer, euh, mais dont le développement et l'existence, évidemment, est parallèle. On revient à cette histoire, euh, évidemment, qui fait rêver euh, pas mal de... de non, Morcoque, mais aussi plein, plein de gens. C'est au-delà, euh, plein de narrateurs, plein d'écrivains, plein de, de cinéastes, au-delà de cette certitude que toutes les vies, sont parallèles les unes aux autres et qu'elles ne se compénètrent que par des toutes petites portions, des, des moments qui sont des rencontres, eh bien euh, supposer des mondes eux-mêmes qui fonctionneraient de cette façon, euh, pour lesquels il faudrait creuser des, des, des points de contact euh, ou des possibilités de passer bah c est, c est même, hein, de l'un à l'autre, c'est l'idée même de construire euh, des récits. Et pour que ça fonctionne, il faut arriver à disséminer à l'intérieur d'un récit très très court suffisamment d'éléments pour laisser supposer qu'il a fallu un long temps auparavant pour que quelque chose existe sous cette forme. Ensuite après, euh, après le, juste après le comment le récit publié dans euh, le numéro de pilote était sorti ceci dans France Soir qui s'appelle la chasse français en vacances c'est un récit euh, en plusieurs épisodes je crois qu'il y a six épisodes 1 2 3 5 6 c'est ça euh, récit hautement parodique euh, qui joue euh, aussi sur euh, l'imaginaire euh, colonial mais où le major là a, a quitté euh, son casque colonial pour une espèce de chapeau euh, à bande léopard on note que son alter ego, et une fois de plus, comme dans euh, les, la prémisse de pilote, Mébius lui-même, cette fois-ci en petit costume de marin. Voilà. Alors après, Groubert ne sera plus accompagné de, de ce petit Mébius en, en costume de marin. Dans les épisodes qui suivent, euh, il, va, il va ponctuer il y a un truc qui s'appelle une planche. Et là, c'est très très caractéristique de, de cette aptitude de Mébius à construire des mondes très très rapidement. Euh, dans une planche, euh, Groubert, cette fois-ci, accompagné d'un apache. C'est le nom de cette petite bestiole euh, qui l'accompagne ici. Euh, cette aventure, donc, ça s'appelle une aventure du Major Groubert euh, par Mébius. Ils vont boire un petit bol de, de Pogtrol, traditionnellement décoré par une chelouniette. Et qu'est-ce qui va constituer euh... Le, la, comment dire, le monde, qu'est-ce qui permet finalement de, de produire un espace qui, qui fait une proposition euh, d'univers complet avec un passé et un horizon C'est essentiellement chez mebus de façon euh, soit, euh, soit purement burlesque, soit euh, comment, euh, technomorphe, de. Babiller. Il y a tout un babillage, un bavardage, soit technomorphe, mais ça, le babillage technomorphe, c'est une des habitudes de l'ASF, donc de donner des noms qui donnent, qui sonnent comme des, 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 des noms de machines ou des noms de processus techniques compliqués qui nous garantissent qu'on a affaire à. Euh, à un artefact producteur de, de situations nouvelles. Ça, ça garantit un peu comme ça tout, tout l'univers tout de l'ASF, tout un monde fait de, de machines qui ont des noms, qui, en disent, qui disent quelque chose de leur fonction, parfois sans rien dire du tout. Euh, par exemple, le, vous verrez que le, le, le premier épisode euh, se passe dans, autour de la réparation d'une machine qui s'appelle un câbleur. On ne sait pas du tout ce qui câble, mais euh, aucun doute que ce qui câble avant toute chose, c'est un avant et un après. Donc il y a cette espèce de babillage technomorphe, mais le babillage et euh, le bavardage et le babillage chez, chez Mibus c'est essentiellement une activité nominale. Il passe son temps à, à nommer des choses. Il les nomme de telle manière qu'on est toujours supposé savoir de quoi il parle. Et évidemment il donne une couleur, une teinte particulière à, à son vocabulaire. Par des jeux de suffixes, surtout ridiculisant euh, des espèces de. soit c'est des suffixes diminutifs, soit il y a un caractère égrillard. Il y a toujours un moyen de faire sonner la langue de façon un peu burlesque, grotesque, mais tout en construisant comme ça une espèce de, de monde dans lequel on fait irruption euh, et qui a, qui a, si vous voulez, toute une espèce d'organisation déjà constituée. Ah, voilà, un exemple typique dans ce une planche. Et pour moi, ce sera un grand bol de poc troll. À quoi il lui a répondu, pour faire un bon poc troll, il faut un tiers de Joule, un tiers de Calextrine, un doigt de Zuzotu, de la crotelle de joint, de l'essence d'Underground, du concentré Bigablu, et ton décor, traditionnellement, avec une petite chelouniette. Voilà et euh, évidemment parmi les usages auxquels on ne s'attend pas puisque tout est servi comme dans un bar du bon il se fout, on n'est jamais rien d'autre finalement que de la construction d'un parallélisme exact avec notre monde mais pas du tout le la page, le, le compagnon de route de, du majeur se jette dans le bol et prend une sorte de douche voilà donc on comprend qu'il y a d'autres usages et euh, pour le faire comprendre, euh, le dialogue va porter précisément sur la question des usages. Chez moi, on ne servirait jamais du poctrole à un Apache comme ça sans licence. Ah ouais, mais ici, c'est très différent. C'est le plus merveilleux poctrole depuis la chute de l'Empire Berserker. Henri, essayez de vous conduire décemment pour une fois. Allô, j'ai un fou dans la boutique, arrivez vite. Ok, non, non, oui, ok, d'accord. L'attraper, vous n'y pensez pas. Bon, bah, bye. Donc les gens arrivent, ils l'enferment et on comprend juste qu'il a, il a prononcé une phrase, euh, une bière fraîche, euh, qui trahisse dans cet univers un, un manquement grave en fait, à l'organisation sociale. Donc ça, c'est juste en deux pages, ce, ce procédé-là, c'est le procédé qui va entièrement construire finalement euh, le garage hermétique. On ne va pas cesser à travers les jeux de niveau de faire ça à l'intérieur du récit. Alors, qu'est-ce que j'allais encore vous dire sur cette Genèse je vais vous parler des débuts du Major avant qu'on s'y plonge. Il y, a des, euh, il y a aussi des prémices euh, dans les autres euh, comment dans les autres euh, récits euh, de Mébius, de choses qui vont apparaître dans le garage de façon très littérale. Vous verrez qu'on va croiser des personnages, on en reparlera au moment où on les croisera, mais qui viennent d'ailleurs. On va croiser euh, bah déjà le... Vous allez voir que le que Fleur, l'astéroïde qui a été expansé par Gruber, existe déjà dans le bandard fou. Par ailleurs, ce qui est dit, c'est marrant, ce qui est dit très clairement ici, donc là vous avez la dame Kowalski qui est là, c'est l'ultra lune de Dave Kowalski qui construit l'astéroïde Fleur, dont il est dit ici... Euh, ce n'est pas une légende, Fleur appartient à Dame Kowalski. Sur Fleur, c'est la fête éternelle, le bonheur. Et on retrouvera ça dans un des niveaux euh, du Fleur de l'astéroïde de Major Gruber Et comment tient ce Fleur de Dame Kowalski Donc tout ça est ré rédigé un an et demi ou deux ans avant euh, la, la rédaction de Major Fatal. C'est écrit ici dans une toute petite note. Euh, sous cette grande page, hein, vous avez une, une note en filet. Alors, alors qu'on vient de se taper 30 ou ouais, 30 pages du bandar on a traversé ici euh, l'espèce de, de la théorie artificielle que vous voyez là, avec un mode d'entrée d'ailleurs bah, qui est très semblable hein, à euh, celui qu'on va retrouver dans Major Fatal. Il est dit dessous, là en tout petit, l'intérieur de Fleur est tout simplement expansé par 23 générateurs à effet Gruber. Il fallait y penser. Donc là on voit apparaître le nom de Gruber, cette fois-ci santé. Et euh, là encore utiliser l'effet groupeur fait appel chez nous, normalement, nous, lecteurs, hein, à un réflexe qui nous invite bah, tout simplement à, à, à nous dire que nous étions en possession d'assez d'éléments possibles, il suffisait juste d'y penser. Euh, C'est-à-dire que nous sommes pris euh, à partie dans un avant et un après, euh, dans lequel on ne fait pourtant que, que pénétrer euh, furtivement. Est-ce qu'on revoit ailleurs le, le fleur Oui. Donc tout ça, c'est dans le bandard fou. Je ne doute pas qu'on puisse trouver ailleurs euh, des personnages de, appartenant à, à, à l'univers. Euh, je crois que c'était celui-là numéro 1. Ah non, c'est celui-là. On trouve avant de, qui, des personnages qui vont réapparaître dans l'univers de Major Fatal. Par exemple, il y a ici un truc qu'on peut repérer. Vous le verrez passer à un certain moment. Il y a ce personnage-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, apparaît également. Alors c'est le personnage de Charles Desterdau. Et ce Charles Desterdau apparaît sous un, un visage que vous allez vous reconnaître tout de suite quand on va le rencontrer dans Majeur Fatal. Donc il y a mes buste travaille avec des ritournelles mais ces ritournelles elles sont pas des obsessions, je ne crois pas que ce soit ça le propos ou le principe. C'est juste la construction d'un rapport d'intimité avec ses lecteurs, lecteurs, des lecteurs des récits précédents qui par cette espèce de mouvement d'allusion euh, sont invités à se sentir familier finalement de ce qui va se dérouler par d'autres familiarités déjà acquises au cours d'autres lectures. Il y a une espèce comme ça de nous sommes conviés à euh, des retrouvailles d'une certaine façon euh, d'éléments qu'on aura su euh, reconnaître ici ou là euh, à travers les œuvres de, de Mévius, ce qui concourt évidemment à leur donner une certaine solidité. Vous imaginez bien à partir du moment où où livre après livre, on retrouve des éléments, ça constitue comme ça une espèce de granulation logique, une organisation qui, aussi folle qu'elle semble être, vous allez le voir dans le récit, néanmoins tient debout, précisément parce que d'une manière ou d'une autre, elle a une permanence. Et cette permanence, il s'en faut de peu qu'on l'accepte comme une cohérence, si vous voulez. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ah oui, si, si, si garage est hermétique il euh, y a un autre truc c'est que un des potes donc de, de Mébius, qu'il se fait à cette période là alors la rencontre avec jodo on peut en parler parce qu'elle est marrante elle est assez débile mais le caractère hermétique c'est une, une obsession à la fois de jodorowski et euh, de, de mébus euh, le terme hermétique donc vous voyez ce que c'est hein, ça décline de, de hermès <coughs> pardon excusez moi hermès c'est euh... Hermès est une figure plus ou moins déclinée, hellénisée du dieu taute des, des Égyptiens. C'était, il est supposé être un, un inventeur de l'écriture et, et de l'astronomie. Ce qui nous intéresse, c'est la figure d'Hermès Trismégiste, qui était une figure centrale de toute l'imagination alchimiste. Le, le petit-fils d'Hermès euh, qui serait, serait le Hermès Trismégiste, qui veut dire trois fois trois fois plus grand, je crois, enfin trois fois le plus grand, trois fois très haut, si vous voulez. Hermès, donc, euh, qui serait Hermès qui serait fils euh, d'Agathodée, donc, qu'il serait lui-même l'auteur d'une grosse somme euh, supposée à la fois philosophique, théologique, euh, ésotérique, euh, etc. C'est quelqu'un qu'il qu a, y, a, y a un Hermès antique, si vous voulez, qui n'est euh, pas bah, celui forcément auquel on se réfère quand on parle d'hermétisme ou euh, d'ésotérisme ou d'alchimie. Hein. C'est un Hermès euh, qui, qui est écrit dans, dans, dans des textes antiques. Vous trouvez ça chez, euh, chez Lactance, chez Clément d'Alexandrie. Euh. Et puis, quand, euh, quand les Arabes vont envahir. Euh, comment la table d'émeraude oui, on va parler de ça, oui, rapidement, c'est ça, oui, la table d'émeraude Enfin, tout le corpus Hermeticus, c'est effectivement... Hermeticus, pardon, c'est la table d'émeraude c'est censé être le livre fondateur de l'alchimie, mais en fait, pas le, le socle de ce, cet imaginaire-là, ce n'est pas vraiment l'Hermès antique, euh, même pas celui que, que les Arabes vont vraiment... Euh, comment, comment dire ils vont per, Dont ils vont perpétuer la tradition euh, quand ils vont euh, envahir l'Égypte, hein, parce qu'à l'époque où les Arabes déboulent en Égypte, elle bah, est christianisée, hein, je ne sais plus euh, quand c'est, je crois. C'est 7 un truc comme ça. Si je dis des conneries, dites-moi. Je suis pas non plus une flèche pour les dates historiques. Je vois bien les grands mouvements, mais souvent les dates. Mmh, Bref, il euh, y a un Hermès antique. Alors, on va, il y a une tradition persane qui va renforcer cette espèce de triplicité, si vous voulez, de, de Hermès. Il y en a, on on l'imagine, pour l'un, il y a un triple Hermès. L'un serait euh, fils ou petit-fils d'Adam, l'autre serait le, le maître de Pythagore, un autre, celui qui nous intéresserait, l'inventeur de l'alchimie. Mais non, le, le, la, la référence pour nous, c'est plutôt l'hermétisme le, le médiéval. Et plus exactement le médiéval tardif, la Renaissance, les premiers gestes de réaccaparement de des figures, et notamment du, du, du corpus de d'Hermestris Megite, tamlé l'Émeraude etc. C'est euh, le premier geste, si vous voulez, qui va marquer son entrée dans l'intérêt européen à ce moment-là et précoce. C'est celui de la traduction par, euh, de l'arabe, d'ailleurs, hein, <coughs> par Roger Bacon, qui est un, un intellectuel, un théologien du XIIIe siècle. Et lui, il va accompagner sa traduction d'une un, interprétation alchimique. Du, euh, l'alchimie du grand œuvre, vous voyez, de, de la recherche de la pierre philosophale. Euh, D'ailleurs, dans l'extrait que je vous ai choisi euh, de Jodorowsky, j'ai choisi un extrait qui se réfère directement à, au corpus hermétique. Donc, il va traduire ça et là, là, on peut dire que là, <coughs> ça va <coughs> marquer l'entrée triomphante dans l'intérêt des euh, Européens euh, pour euh, l'alchimie. Et c'est évidemment euh, les hommes de la Renaissance qui vont être passionnés par ça, euh, les libertins spirituels. Il y a tout un univers intellectuel qui va s'en emparer, et notamment autour de, des humanistes comme Marsile hein, Ficin, l'humaniste le, du 15e euh, italien, florentin, qui lui fait du, de la table d'émeraude le livre fondateur de l'alchimie pour tous ses contemporains. Donc, euh, ça, ce garage hermétique porte en lui aussi les promesses, on pourrait dire, d'une richesse symbolique. Alors, est-ce que c'est vrai Je dirais oui et non, c'est vrai, parce que, bon, Mébius n'est pas exempt, euh, de, je dirais, d'une certaine fantaisie, pour dire les choses gentiment. Euh, il, jodo ne lui fait pas que du bien. Euh, je veux dire, la première chose que fait jodo aussi en général, quand il rencontre les gens, c'est de leur tirer les tarots, par exemple. On peut pas dire que ça commence super bien. Et euh, Mébius accorde du crédit à toutes ces conneries, évidemment. J'ai un petit texte assez tristouille... Euh. Qui vous dira, dira long de ce que ça peut donner, euh, euh, par exemple, euh, la, la rencontre euh, avec, euh, euh, avec Jodo Ça donne ça. D'abord, Pachita. Pachita est une vieille femme possédée par quelque chose de formidable. Elle est totalement inculte, mais en état de possession. Elle accomplit des prodiges qu'aucun médecin actuel ne pourrait réussir. Elle a, par exemple, procédé à de miraculeuses transplantations cardiaques à l'aide d'un simple couteau de cuisine, sans hygiène, sans rien. Et toutes ces opérations sont des réussites absolues. Ah bon, c'est Jodorowsky qui t'en a parlé Oui, oui, mais j'ai personnellement rencontré deux mecs à la production qui ont été guéris par Pachita. L'un avait un cancer inguérissable, l'autre, justement, a été transplanté. Authentique, hein Mais ce ne sera pas seulement Pachita que je veux voir cette fois-ci, parce qu'il va retourner au Mexique, etc. Donc, faut dire que Jodo alimente euh, mes bus en lecture débile, genre Castaneda. Donc, euh, c'est une période assez, assez particulière, aussi. On sort euh, de, de, des revues euh, mystagogiques complètement euh, fumeuses, genre Planète. Il euh, y a euh, on lit Castaneda, c'est enfin, c'est pas fou, je dirais. On, on se plaint beaucoup de nos actuels. Euh, la, la tendance confusionniste générale, contemporaine, Les années 70, c'est pas fou, fou non plus, hein. ça se barre bien en couilles. Mais, Fiodo et euh, Mébus ont en commun d'avoir beaucoup d'humour. Et c'est ça qui, à chaque fois, euh, vient, je dirais, euh, corriger l'espèce de, euh, de, de, de. de rêvasserie. Euh, Ésotérique, euh, assez bête, hein, on va dire, euh, qui, euh, qui travaille euh, ce fond symbolique. Et du coup, dans euh, Major Fatal, oui, certes, on va voir euh, saillir à certains moments cette tentation symbolique, mais elle est systématiquement bousillée, volontairement, par le goût du jeu de Mébius, et euh, c'est tant mieux. Euh, le petit extrait que je vais vous ai pour que vous voyez un petit peu dans, dans quel relation. Alors, il faut. Je peux déjà vous raconter la petite histoire. Euh, la rencontre avec euh, Jodorowsky euh, est censée être euh, un jeu de hasard. Le, comment Mébus devait illustrer un bouquin d'un mec qu'il connaissait pas. Certains Jodorowsky, c'est des poèmes. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Moi, j'ai lu quelques poèmes de Jodor quand j'étais ado. C'était les araignées de verre, je crois. Les araignées sans mémoire. Ouais, les araignées sans mémoire c'était pas fou, hein, je vous le dis tout net, c'est assez mauvais, mais il euh, y a des productions à l'époque, uh, Jodorowsky fait partie d'un groupe de zozos assez sympathique, c'est le Café Panique, à Topor, par exemple, c'est plutôt bien, uh, il y a vraiment des gens plutôt chouettes dans le Café Panique, c'est assez marrant, et il uh, y a Arabal, bon tout ça est assez grand guignol, il y a un goût pour le grotesque, uh, Jodo a surtout écrit et fait des films à l'époque, uh, quand il rencontre Mébus. C'est plus tard, c'est il croit mes Mébius, dit-on, par hasard, et euh, il a vu des trucs de lui, et je crois que c'est notamment la déviation. Donc le récit de SF, dont je ne trouve pas le bouquin, je vous ai dit c'est le bordel dans ma bibliothèque, c'est déjà bien que j'ai réussi à vous ramener à peu près tout ça, ça tient quasiment euh, du miracle. Et euh, il lui demande de venir bosser avec euh, lui sur. Euh, comment Sur. Euh, Dune, puisque Jodorowski a l'intention de euh, mettre en scène Dune euh, de Herbert. Euh, il existe un film là-dessus qui s'appelle euh, J'adore Esquive Dune qui raconte toute l'histoire folle, démesurée de tout ça. C'est un truc qui va être important pour Mebius d'abord parce qu'il va consolider, enfin, il va créer son amitié avec Jodo. Elle va naître vraiment dans ces conditions-là. <laughs> un autre truc qui est important, vraiment important, c'est qu'il va rencontrer Dano Bannon euh, sur euh, le tournage parce que tout le monde s'emmerde un peu, ça avance pas. Dano Bannon se demande ce qu'il fout là. Et Dan O'Bannon, c'est un scénariste américain, euh, vous le connaissez un petit peu, c'est lui qui a scénarisé, euh, si je me souviens bien, euh, Total Recall, il a scénarisé aussi, euh, je crois qu'il a scénarisé Alien, il faudrait que je vérifie, jai dû noté ça quelque part Est-ce que j'ai noté les activités de Dano Bannon? Est-ce que j'ai fait ça Donc là non, j'ai pas ça là. Ah si c'est ça, ah oui il a scénarisé, mais oui il a scénarisé le Black Star, qui était un truc tout à fait agressif, il faut que vous voyez ça, hein. si vous n'avez jamais vu ça, Black Star c'est le premier film de John Carpenter, Dado Baden, si je me souviens bien ne se contente pas de scénariser Black Star, il est un peu partout, il, il apparaît même dans le truc, il est très très présent sur le tournage, il est pour beaucoup dans la réalisation de ce petit joyau d'humour SF, donc si vous n'avez jamais vu Black Star, c'est vraiment un très grand Carpenter. C'est la version drôlatique ubuesque de 2001. C'est euh, tout, tout, un dialogue avec un ordi qui a pété un câblon. C'est euh, autrement plus drôle que les conversations avec Hal. Euh, donc Dan O'Bannon est sur le plateau. Il s'emmerde. Et il fait un petit scénar pour Mébius d'un récit complètement dingue. Très très beau. Je crois que je l'ai là d'ailleurs. Je pourrais vous montrer rapidement les planches. Qui s'appelle The Long Tomorrow. Et c'est un truc de ouf. The Long Tomorrow pourquoi c'est important C'est important parce que euh, c'est... C'est carrément la matrice de l'Incal. Jodorowski ne le cache pas. Hein, Il y a beaucoup de choses du garage hermétique dans l'Incal, certes, mais la vraie matrice, à la fois plastique, à la fois structurelle, et la, la construction même de cette ville-puis, enfin, tout ça, est dans euh, The Long Tomorrow. Est-ce que c'est là-dedans Est-ce que c'est là-dedans Je regarde. Genoa moi, je l'avais lu dans, dans les pages de Metal's Long Tomorrow et ça a été effectivement un choc. C'est un sacré truc. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis Bon, bois c'est peut-être là-dedans. Là, ils ont mis toutes les planches, quoi, et c'est ça, ils ont rassemblé les, les, les trucs couleurs, même ceux qui ont rien à voir les uns avec les autres. Donc on est sur plusieurs périodes très très différentes, mais peu importe. The Long Tomorrow, donc scénarisé par Dan O'Bannon, ça naît euh, dans l'univers dans euh, du tournage de June. C'est l'endroit où se consolide l'amitié avec euh, Jodorowsky, et où ces deux-là, Mébius et Jodorowsky, vont voir carrément naître hein, euh, ce que sera euh, l'Incal un jour. C'est très beau, c'est très ramassé le dessin de Mébus est au, dirais, au maximum de sa précision, de sa rigueur et euh, tout est en place pour euh, devenir euh, l'Incal. Le dessin est plus puissant euh, que celui de l'Incal parce qu'il y a encore cette espèce de solidité minérale assez folle, euh, propre à, à cette période donc où la place de l'art la, de la gravure est encore euh, énormément présente. Vous avez Ouais, quasiment tout le matériel pour euh, un futur incal là-dedans. Donc c'est un, un tournage important. Alors, que fait Jodo à cette époque, surtout des films Qu'est-ce qu'il a fait avant Il a fait, je crois, El Topo, il a fait Santa Sangré, il a fait le film qui a fait sa célébrité. Le film qui a fait sa célébrité, c'est La Montagne sacrée. Et c'est de ça dont je vous ai trouvé un petit extrait. Je vous le dis tout net. Je vous le dis tout net. Non, je parlais d'alchimie, bah c'est parfait, ça va être très bien. Alors, ça va être parfait pour vous, vous, vous montrer euh, où on en est avec. Euh, à la... hop. Je vous ajoute ça tout de suite. J'aurais dû faire ça avant, je suis vraiment désolé. Euh, la montagne sacrée. Attention, ça déchire. Que je vous le montre deux fois, ça va devenir un petit peu casse burne euh, Donc, la tentation symbolique. Euh, évidemment, on peut imaginer qu'avec la présence de JoDo, ils vont aller ensemble euh, attendre les extraterrestres quelque part. Je sais plus où. Enfin bon, il y, y a un désir de tout ça, quoi. C'est un peu présent dans Major Fatal, mais euh, ça le détruit jamais. C'est quelque chose que ça vient pas abîmer. Il y a un moment de fragilisation, vous verrez vers la fin. Mais j'ai pas l'impression que ça parvient que ça vienne à bout du truc. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire encore avant d'aborder cette lecture Qu'est-ce que qu'est-ce que euh, Voilà ce qu'il dit, la rencontre avec Jedo. J'ai rencontré Roski dans un bureau, où je venais de livrer une affiche de cinéma. Il m'a vu et il a dit "Ah, Giro, je connais bien vos bandes, est-ce que vous voulez travailler dans mon film d'une Tu penses que j'ai accepté C'était en mars de cette année. Donc euh, mars de cette année, là on est en 74. C'est ça. Non, 75. En fait, en 65, il avait fait donc une série d'illustrations, c'est ça, il avait exécuté en 65 une série de croquis restés inédits. Ils sont dans le bouquin de Numassadoul, ils sont très moches, enfin, vraiment, hein, je vous le dis tout net, mais bon, euh, un génie comme euh, comme euh, Mephius peut rater des trucs, hein. et clairement, c'est pas, c'est que des clichés, on va dire, de l'illustration surréalisante de l'époque, on dirait du Trémois, c'est aussi l'ex-Trémois qui était un gars qui écumait euh, toutes les revues euh, de... Poésardie de l'époque et qui nous infligeait euh, ces espèces de nus euh, prétentieusement poseurs euh, avec des airs terriblement mystérieux. Et le, comment les dessins de Mébus là-dedans n'échappent pas à ça. Ah, c'est où Ah, bordel Je me suis dit, je vais vous montrer ça alors que je vous dis que c'est moche. Est-ce que c'est vraiment la peine que je vous en encombre Ceci dit, l'occasion de voir un dessin de Mébus moche, c'est pas fréquent quand même. Donc, du coup, c'est quand même. Alors, après, je sais pas comment il a fini. Tu vois, ça fait des années que je n'en avais pas revu. Je j'ai pas, pas vu le Mébus de la fin. Voilà, ça donne ces choses-là. Là, on est vraiment dans du, euh, des trucs moches, moches, moches. Quand même. Voilà, c'est ces trucs-là. Voilà, voilà c'est ces espèces d'hommes d'oiseaux avec euh, des effets de graphiques. On le reconnaît même pas. Mais bon, c'est un jeune Mébus. Hein, et, euh, on, on est d'accord. On ne va pas euh, non plus euh, attirer. Euh... Hein bon. Dès le début du Major, qu'est-ce qu'on peut dire voilà ce qui se passe je vais vous raconter ça comme ça on va comprendre un petit peu comment ça se passe et, et, et à la fois sous la Alors, on est comment on est dans, euh, dans les débuts de Metal Hurlant. Metal Hurlant. existe donc depuis euh, depuis je crois le, le, le début 75 ça commence à se mettre en banc' le, je vous ai ramené l'édito numéro 1. comme ça vous pourrez euh, avoir une petite idée du programme en quelque sorte que se donnent euh, les oseaux euh, le, ils sont en train de préparer ça Uh, en 1974, pour la sortie début 1975, voilà ce qui s'est dit là. C'est Dionnet évidemment, qui écrit euh, la préface. Le 19 décembre 1974, à 4h du matin, heure locale, aux limites de l'Ivry-Gargan et de la forêt de Clichy. Enfin réuni Philippe Drouillet l'enlumineur paranoïaque, Mébius, alias Gire, alias Giro, alias le dessinateur en mille faces, Jean-Pierre Dionnet, dit grade grade votre serviteur, et Bernard Farcas, venu mettre un peu d'ordre dans nos projets grandioses et un peu d'âme dans nos contes, décidèrent simultanément et à l'unanimité de ne plus répondre désormais qu'au seul nom collectif, les humanoïdes associés. De rééditer enfin le Bandarfou, cet album mythique depuis trop longtemps en rupture de stock. De sortir tous les trois mois un magazine de science-fiction en bande dessinée où ils étaleraient complaisamment leur fantasmes putrides, celui-là même que vous tenez entre vos mains, gercés ou manucurés. De préparer plein d'autres choses. Alors il y a un truc que moi je ne sais pas, c'est à partir de quand Metal a cessé d'être trimestriel pour devenir mensuel. Ce qui pourrait nous dire aussi quelque chose sur euh, les conditions de lecture de Major Fatal, parce que c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose de, de lire un, un récit euh, haché tous les trois mois et tous les mois. C'est-à-dire que tous les trois mois, on a vraiment le temps d'oublier complètement ce qu'on était en train de lire. Déjà, un mois, c'est long. Pour cela, ils travaillaient comme des bêtes perdant le boire et le manger, s'éveillant la nuit pour noter leur cauchemar. Ils allèrent même chercher Étienne Robial de Futuropolis qui dessina le titre et mit les pages en forme. Désormais caché derrière une planche de format grand aigle pour s'abriter du vent, ils n'attendent plus, gémissant d'impatience, que votre verdict. Donc ça, c'est le premier éditorial de... de métal. Et... Euh... On est vraiment dans un esprit où euh, l'idée, c'est quand même d'expérimenter au maximum et d'ouvrir les pages à toutes sortes de choses. Quand Mévius se lance, pour qu'on voit un petit peu ce que Mévius entend par le terme d'improvisation, quand il parle de, 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 de majeur Fatal, c'est quelque chose qu'il a déjà évoqué quand il parlait d'Arzac. Donc Arzac, je pense que vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je peux vous montrer quelques, quelques pages. Arzac avait déjà marqué énormément son époque, il avait fait date, euh, il avait été très salué par la critique, vraiment, hein, en France et à l'étranger, c'est un, un bouquin qui a beaucoup marqué, c'est un livre muet, c'est pas le premier livre muet de l'histoire, il y en avait eu pas mal d'autres, mais euh, celui-ci apparaît comme une espèce d'explosion à la fois de couleur, sachant quand même que la couleur était un peu laissée pour compte dans le monde des bandes dessinées, c'est-à-dire qu'elle était là comme un... Dire un opérateur de lisibilité plus que comme un, un, un plaisir supplémentaire plastique qui appartiendrait de plein pied aux bandes dessinées, parce que quelque chose qui mettra du temps à se développer, l'intérêt pour la couleur sous cette forme. Et Arzac, donc, c'est une série de récits courts, assez euh, visuellement explosifs et muets. Donc, de cet homme volant, avec un. Alors, vous reconnaissez cette espèce de coiffure qui est commune à Arzac et au Bandar fou. Alors, salut à toi, Léa les, euh, les Culpa, Maxima Culpa. Il y a eu aussi Silence de commerce euh, Ça doit être plus tardif, le silence, et puis il n'est pas du tout mieux, Silence. Silence, c'est le nom du héros. Euh, et je crois que c'est un bouquin assez bavard, Silence, dans mes souvenirs, hein, si je me trompe pas. À moins que tu veuilles faire une blague, bien entendu. Et Comèche, je crois que c'est les années 80, dans mes souvenirs. C'était dans... Euh, à suivre, si je me souviens bien. Donc, Arzac déboule. Euh, il, il existe un résumé par exemple, de Poivet. Donc, euh, des, un, Poivet, c'était le créateur des Pionniers de l'Espérance. Quand on parlait du, du cadre des bandes dessinées euh, de SF en, en France, euh, on ne faut pas oublier les pionniers. Il y a eu, euh, comment en Licois, avec euh, Guerre à la Terre. et Il y a eu les Pionniers de l'Espérance. Donc, euh, bah c'est ça 1980, on est vachement après, et puis c'est pas du tout mieux. Mais bon, <laughs> c'est pas grave. Euh, ça fait date, la critique en parle beaucoup, et il en parlait déjà comme d'un livre d'impro. Euh, mais voilà comment il en parle. Quand j'ai fait Arzac, mon modèle était le free jazz. Euh, Mes bus écoutent beaucoup de jazz. Euh, toute sa vie, il va écouter du jazz. Et je vous ai amené d'ailleurs un petit peu de matériel plastique pour vous montrer à quel point il est impliqué. Euh, Salut à toi, Maxence Massia. Comment il est impliqué dans, euh, dans le corps de, de, de cette musique euh, qui euh, il lui tient à cœur, le free jazz Je vous montrerai des pochettes qu'il a réalisées pour, euh, pour des, des musiciens, puis des affiches qu'il faisait déjà, donc à la fin des années 70, dans le début des années 80, pour des petits festivals de jazz. Voilà ce qu'il dit. Quand j'ai fait Arzac, mon modèle était le free jazz. C'est-à-dire, on expose un thème, et puis d'un coup, sur ce thème, on part dans quelque chose qui est presque hors de soi, hors des sentiers battus, même hors de la matière et euh, de la raison. Euh, on pense là au petit ritournelle de Albert Taylor qui va déconstruire, euh, développer, jusqu'à les faire complètement exploser, devenir folle, où ça commence comme une espèce de petite marche drolatique et ça finit dans la furie. À ce niveau-là, on entre dans une forme de démence, mais pas une démence pathétique liée à la maladie. Ce sont des zones de démence qui sont potentiellement présentes en nous et qui sont comme les garants d'une vérité refoulée. C'est là où on retrouve un peu les théories psychanalytiques qui marquèrent très fortement toute cette école. Alors bon, la psychanalyse pour euh... Pour mes il faut, faut bien voir. À cause de la fréquentation de Fjodorowski, c'est pas. Euh, il pas Lacan, hein, Lacan, euh, J'allais dire, hélas, enfin, son truc, c'est Jung. Donc, on est quand même vraiment. On reste dans l'ésotérisme et une vision particulièrement douteuse finalement de la, de la psychanalyste. Euh, mais bon, c'est con, congruent, je dirais, avec Castaneda et le reste. Nikita était très engagé là-dedans dans sa pensée. Donc Nikita. C'est Nikita Mandrika, le créateur de, euh, du concombre bien -Sky, bien entendu, mais également de la revue L'écho des Savanes, où Mébius, avant que ne soit créé euh, métal, parce que métal c'est aussi des transfuges, c'est des transfuges de, de pilotes, de, de l'écho, euh, ils ont travaillé dans ces journaux-là avant de créer euh, métal. Et euh, ils sont proches de Mandrika. Et Mandrika, lui, a une lecture psychanalytique plus freudienne. Enfin, clairement, on, on sent que c'est plutôt son socle. Moi, ça m'a beaucoup frappé, ou des gens comme Philippe, qui étaient eux, donc Philippe, il parle de Philippe Drouillet, euh, qui étaient eux très spontanément branchés sur cette activité de révélation permanente à travers le dessin. On comprend bien donc cette vision euh, un petit peu démiurgique, finalement, qu'il a euh, à la fois de l'analyse et de la musique. L'idée quand même qu'il euh, y a des opérations euh, humaines par lesquelles quelque chose se dénouerait d'un mystère profond à, à faire exploser. D'où cette espèce de fascination pour l'hermétisme, l'ésotérisme, etc. Euh, bon, c'est central, on ne peut pas faire comme si c'était pas là dans leur, leurs activités, leur conception du monde. Donc, le, ce qui va s'y rajouter, à mon avis, en termes de d'improvisation, c'est une autre dimension de l'improvisation et qui est liée, euh, je pense, à la configuration même, de, on pourrait dire, qui superpose. L'astéroïde artificiel du Major Fatal à la position de Mébius, euh, donc devant son livre, livre euh, astéroïde euh, Mébius Gruber, euh, c'est-à-dire la composition, je vous l'ai dit, d'une série de lieux de passage. Et à quoi on pense On pense évidemment plutôt au claquement euh, des portes qui font entrer et sortir des propositions euh, sur des thèmes dans euh, l'improvisation théâtrale. Il y a cette dimension qui est présente dans Major Fatal qui. Euh, avec l'aspect, on pourrait dire, d'une métrique de l'organisation, quelque chose qui serait très horizontal, propre à la musique, il y a une verticalité théâtrale qui s'y rajoute et qui va pouvoir pénétrer de toutes parts à la fois le corps du récit et l'espace dans lequel il se déroule. Et là, l'improvisation théâtrale peut, peut se mettre en branle comme une série ininterrompable d'entrée en scène de personnages donc avec des... mais sans préparation de rideau puisque je vous l'ai déjà dit on est toujours supposé être à un, un moment toujours un peu déjà commencé de chaque scène que l'on pénètre donc il y a ce jeu euh, multiple finalement de la position de, de l'improvisateur et la question du motif la question du motif c'est vraiment compliqué à aborder en, à la fois en, en, en musique enfin, de trouver un équivalent entre musique et dessin donc on va pas faire ça parce que ça va être trop, euh, trop bordélique, trop compliqué ça ne fonctionne pas en fait. Il a, on ne peut pas faire euh, d'analogie réelle entre la, la place du motif euh, dans euh, la construction narrative euh, et euh, dans la musique. Que dit-il encore Souvent j'allais écouter du jazz, j'allais dans une boîte, je fumais un peu, j'écoutais la musique, puis brusquement mon imagination partait. Je me levais de la table comme un ressort, je me rhabillais, je fonçais vers la sortie, je cavalais jusqu'à la maison. Et là, hop, je commençais à dessiner une histoire. Le garage. A été au début conçu sur ce mode. Sauf que Jean-Pierre m'avait tout de même formalisé une commande. Donc Jean-Pierre, c'est Dionnet euh, qui, à partir du moment où il met en place le premier épisode, euh, donc le garage hermétique de Jerry Cornelius, cette petite aventure où, euh, à cause d'une petite erreur, vous verrez dans le palpeur de Mirette, le câbleur euh, crame et euh, le, les ennuis commencent. Cette histoire à, à laquelle. Euh... Mébus n'imaginait pas de destinée, n'imaginait pas de suite, n'imaginait pas d'autres de, de, épisodes. Gionnet euh, lui dit si, fais-moi fais des. Épis, fais durer ça, c'est très bien. Donc, on a déjà vu que Gionnet était présent euh, avant même que tout ça ne se lance euh, en voyant juste Grobert apparaître dans deux petites planches de pilote. Il est très présent également aussi dans euh, l'invitation à, à insister de Mébus. Il y a dedans des dessins avec toutes sortes de dérapages anatomiques qui viennent d'une aide typiquement psychotropique. Donc là, on a parlé tout à l'heure très rapidement de, du psychédélisme. Et c'est quelque chose qui est présent à cette période dans énormément de configurations créatrices. Quelque chose dont il parle assez librement avec euh, Numa Sadoul dans les entretiens dont je vous ai lu des extraits tout à l'heure. Euh, il y a tout un passage consacré à l'herbe. Le Major Greber préfigurant le garage est une histoire que j'ai construite de cette manière, vraiment par plaisir. Ça m'a ouvert des horizons. J'ai senti que je pouvais faire ça pendant des heures et des heures et des heures sans me lasser, en rajouter encore et encore. Et on voit bien donc du coup qu'un un des caractères importants de euh, comment euh, de la de l'improvisation, c'est que l'improvisation n'est pas un travail de projet, c'est-à-dire la première chose qui lui est caractéristique, c'est pas anticiper sa fin. Alors, musicalement, c'est souvent un problème. Par ailleurs, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, à arrêter de jouer. Euh, quand, comment, euh, à quel titre C'est quand on s'arrête de jouer qu'on se rend compte généralement qu'on s'est arrêté de jouer sur un cliché. On s'est arrêté de jouer parce qu'on a entendu un mot d'ordre d'une certaine façon. Et il y a toutes les chances, si on n'a pas été, je dirais, euh, vraiment un bon improvisateur ce jour-là, qu'on se soit arrêté sur euh, un lieu commun parce qu'il appartenait. Dire à un régime de la chute, et eh bien un, un des points sur lesquels il insiste tout de suite qui est important évidemment, mais juste c'est ça c'est le rapport à la durée, l'extension de durée qui est inarrêtable dans le cadre de en tout cas, ça ne fait pas partie de l'improvisation que de l'anticipe. Euh, donc, qu'est-ce qui va porter le récit Le fait de dessiner, c'est bizarre de dire ça parce qu'il fait une bande dessinée, il fait pas du dessin libre, donc ça veut dire que euh, le créateur de bande dessinée est toujours tenu à un certain, on pourrait dire, régime de véridicité, qui est celui de la chose qu'il constitue et qui le retient, qui retient ses coups en quelque sorte. Il doit, d'une manière ou d'une autre, euh, organiser euh, le mode du dessin avec les opérateurs de durée dont je vous parlais, avec son aptitude, justement, à faire une extension récitative à, au, au mode du dessin. Donc, il y a quelques courroies de transmission, on va dire, de, de la règle, qui s'installe quand même quand on fait des bandes dessinées, quoi qu'on fasse, sous peine bah de les voir se dissoudre pour ne devenir que, euh, que du dessin, plus simplement. Ce qui ne serait pas mal, hein, mais nous ne parlerions plus de bandes dessinées. Dioné dit, à l'époque de métal, seul le dessin comptait. Si le dessin était beau ou, euh, aller au bout de son idée, qui n'y avait pas d'histoire, moi je m'en foutais un peu. Je pensais que la forme, c'était le fond. Mais je pensais tellement que la forme, c'était le fond, que par moment s'il n'y avait pas de fond, je m'en foutais aussi. Alors, j'avais adopté une théorie très 68 art qui était « on s'exprime, nous faites pas chier, on fait pas chier les auteurs non plus ». Voilà, et il dit « rétroactivement, j'ai publié des choses que je trouve sans intérêt ». Voilà ce qu'il dit. On a, à la même période, euh, un truc supplémentaire que nous dit ce qui va nous aider aussi à, à comprendre un petit peu à la fois ce qu'il érige et ce qu'il brise. Je vais vous expliquer pourquoi je fais des bandes dessinées sans scénario. Je vais vous raconter par le menu les affres de la création. Je vais vous dire une bonne chose, je vais déballer. Le pire, je vais avouer. En fait, c'est très simple. D'une part, il y a tous ces raconteurs d'histoires, à chute, à exploit, à message, à morale, à gag. Petit 1, à chute. C'est facile. Il faut contredire en une image tout ce qui a précédé. Le problème vient de la qualité de la contradiction. Plus l'affirmation de départ est puissante, et plus la pirouette finale sera goûtée. On voit à quel point le procédé est clair. Et on voit combien également il est artificiel. À ah, exploit, donner une gamme de pouvoir à un type ou un groupe et le mettre en présence d'un autre type, groupe ou élément dont les gammes de pouvoir sont légèrement supérieures en apparence. L'astuce consiste à donner le gain au plus faible. Le choix de l'astuce sera le message politique, moral de l'auteur. 3. À message. Ah, il y a toujours un message, mais l'auteur peut estimer que la qualité du sien est telle qu'elle doit prendre valeur de squelette et même parfois muscle nerfs et sang. C'est parfois vrai, hein, surtout pour les minorités culturelles. 4. À morale. On retrouve les mêmes structures que pour l'histoire à chute, mais pas spécialement dans la contradiction, bien que le procédé soit courant. 5. À gag. Chaque phrase reconstitue et compresse les quatre précédentes, exemple avec des dosages variés. Bon, puisque le message politique est implicite, pourquoi le solliciter Pourquoi attendre la fin pour se contredire Pourquoi donner la victoire aux plus faible Pourquoi avoir peur d'être seul dans le noir à crier au secours Pourquoi être si anxieux d'avoir raison Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison avec une porte pour rentrer, des fenêtres pour regarder, les arbres et une cheminée pour la fumée. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flammes d'allumettes souffrées. Donc, ça, c'est un texte qui est resté très fameux de Mébus, mais en général, on ne cite que la fin. Elle a été souvent citée je crois qu'elle a servi de quatrième de coup à pas mal de bouquins, mais là bon dans, dans cette histoire de métal, euh, eh bien, euh, on, peut, on peut trouver le texte entier, ce qui n'est pas dommage. Alors, on va les mémoires de Jean-Pierre. Refermer ceci. Et je crois qu'on va pouvoir lire. La bande dessinée, je crois, je crois, je crois. Ah non, pas complètement. Je crois qu'il y a un petit truc qui est important quand même. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça quand même. Ce serait bien qu'on entende Mebius nous parler du garage hermétique avec quelques années d'écart. C'est-à-dire l'édition que vous voyez là, qui est l'édition euh, de 1980. Euh, qui a été réalisé, je crois, comme, je crois que la, la, ce texte-là était déjà dans celle de 79, l'original. Euh, S'il y a des spécialistes de Mebius, qu'ils puissent me contredire ou au contraire confirmer. Salut à toi, Freddy. Donc voilà, on va lire un truc assez intéressant. c'est c'est pas le, les textes en eux-mêmes, bien qu'ils soient plutôt intéressants. C'est comparer ce que Mebius dit. Euh, donc en gros, euh, à peu près. En contemporainement donc à la création de Major Fatal, ce serait un acte de naissance 75, et puis là on a un texte de 95. Après. Bref, il y a à peu près 20 ans d'écart, on a quelques bitouilles près. Euh, le deuxième texte aura été écrit pour la réédition hein, les... des Humanos en 95. Donc voilà ce qu'il disait dans la première. Il arrive qu'un dessinateur de BD soit à la recherche d'un héros. Pas que les... Alors, si vous vous intéressez à la question du de la matière dont sont faits les héros. Je vous invite vraiment à lire euh, la très belle trilogie de Klosowski euh, qui s'ouvre par Robert ce soir, euh, et qui, autour de Robert, donne matière à des questionnements vraiment intéressants sur euh, ce dont elle est faite et euh, la permanence ou l'impermanence des choses dont elle est faite, voilà, de, de ce, ce qui est la, la peau syntagme de, de Robert. Et je pense que... Les écrivains peuvent se poser des questions assez similaires aux auteurs de bandes dessinées, avec toutefois beaucoup plus de difficultés à, à comprendre quelle, quelle est cette matière, finalement, dont, dont ils sont faits. Euh, le dessinateur est un peu aidé hein, par la figure. Tu aimes bien lire les mémoires. As tu l'as lu mmh. Jean-Pierre est un passeur que tu aimes bien. Vive lui. C'est un, euh, un homme chouette, euh, je dirais. Euh, ils m'aident beaucoup. Alors... <laughs> C'est vrai. Je pas, beaucoup de, de lecteurs assidus qui me parlent mon boulot avec enthousiasme, mais ils ne manquent jamais de le faire. Et franchement, à chaque fois, ça me donne un petit coup de fouet. Ça me fait du bien. Euh... Vraiment. Comment naît un héros dans la bande dessinée Ou plutôt, comment naît un héros Un héros n'est que le personnage principal d'une fable, historiette complète de quelques pages et dont le destin incertain permettra à l'auteur d'exprimer une idée, un gag ou n'importe quoi selon l'humeur du moment. Que ce personnage réapparaisse dans une autre histoire, tissant quelques liens subtils avec la première, puis dans une troisième, peut-être, peut-être d'autres ensuite, le voilà devenu héros. Généralement, cependant, le héros ne fréquente pas l'historiette. Il se lance d'emblée dans la grande aventure à suivre, perfectionnant son identité d'abord, chancelante au fil des pages, jusqu'à la maturité. L'accouchement du héros est souvent pénible, et c'est naturel car il est l'émanation signature des créateurs. Et plus ce dernier travail pousse, et plus l'enfant est gros et déchire sa mère parfois cependant l'enfant arrive sans douleur à l'insu presque du dessinateur de Petit Mickey l'expression Petit Mickey c'était vraiment une expression consacrée hein, dans les années 70-80 pour parler des bandes dessinées c'était un, un renversement du stigmate si vous voulez, euh, clairement euh, le mépris pour les bandes dessinées était très grand, en parler de, comme des Petits Mickey c'était clairement la façon dont les bourgeois méprisent en parler des bandes dessinées donc se réapproprier le Petit Mickey ça a été un geste fondateur de, euh, ouais, de, de, de la réappropriation du stigmate chez les auteurs de bandes Dessiner. Et il existe même un très très chouette bouquin hein, qui s'appelle Les Nouveaux Petits Mickey de Frémion et qui, euh, qui est un homme qui a vu, euh, je dirais, avant tout le monde, euh, certains de ceux qui vont être vraiment les grands auteurs et autrices de, des années 80. Je vous conseille vivement euh, de choper euh, dans, dans les, les braderies euh, ou en, en ligne, je suis sûr qu'on trouve ça en, en solde pas cher parce que tout le monde s'en fout. Les Nouveaux Petits Mickey de Frémion parce que c'est vraiment bien. Euh... Parfois, cependant, l'enfant arrive sans douleur, à l'insu presque du dessinateur de petits Mickey D'un seul coup, il est là, minuscule, affamé et vivant. C'est un peu le cas du major Gruber. Il s'est glissé un jour dans une chronique canulardesque sur les merveilles de l'univers d'un pilote. C'est quelque chose qui, comment dire ouais, Je vais le dire rapidement. Donc, vous le mettez dans un coin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler par rapport à la, la matière dont sont faits les héros. C'est quelque chose qui peut exister. Euh... Sur le papier du dessinateur et à quoi il est bien plus difficile de croire sur le papier de l'écrivain. L'idée d'une autonomie quelconque du héros. C'est bien mal comprendre ce qu'est un récit et comment il se constitue que de supposer que le personnage a une existence autonome qui déborde euh, son auteur. On aime bien cette image, mais là où euh, le dessin peut être vraiment un lieu d'ivresse et d'abandon à soi et. Euh, et du coup, effectivement, entraîner à un débordement. Euh, chez l'écrivain, tout ce qu'on peut imaginer comme regard, c'est lui-même assis sur son épaule, se regardant écrire avec beaucoup trop de satisfaction. C'est une image assez déplaisante chez l'écrivain, celle de la créature écrite, prétendument autonome, qui dépasse son auteur. C'était l'archétype de l'explorateur des BD de mon enfance, dans les styles de la série Ramener les vivants, et que j'avais le projet d'assassiner. Euh, par le ridicule au cours d'une longue quête débile à travers les galaxies. Alors, si j'ai des petites difficultés de lecture, c'est juste parce que ce cornichon de Mébius a fait un espace interligne, mais quasi inexistant. Je vais vous montrer ça. Je vous, hein, je vous mens pas. Regardez-moi, c'est l'enfer à lire. Vous voyez ça Quel saligo Comment voulez-vous que je lise un truc pareil alors là, donc du coup, euh, on est d'accord, hein, on est en train de parler des premières apparitions qu'on a regardées ensemble tout à l'heure, du Major, qui était effectivement un personnage excessivement parodique, et qui portait peut-être un peu trop fort les couleurs de la parodie pour être un personnage complètement intéressant. Le projet Filon Feu, mais un jour, Vania Beauvais eut l'idée absurde de me confier six pages dans France Soir, donc les fameuses pages. Euh... Qu'on a regardé tout à l'heure où il n'a plus de casque colonial mais un chapeau avec une bande de un chapeau de brousse avec une bande léopard. Sur le thème des vacances des Français, et spontanément, presque à la sauvette, le major refit surface cette fois-ci sans casque mais affligé d'un lamentable chapeau de brousse à la bande léopardée. Son compagnon constituait d'ailleurs ma dernière tentative d'auto-représentation. Ce qui n'est pas vrai puisque vous verrez dans Major on revoit le bus. Je vous le montrerai. C'était facile à l'époque à cause de la moustache. Le temps pour les lecteurs de François de s'en remettre. Et le Major réapparaissait en deux pages au scénario surréaliste dans Fluide Glacial, qu'on a regardé tout à l'heure, le fameux numéro 2 de 75. Les réactions furent comme de juste fluides et glaciales dans 74, mais c'était lancé, figé, coagulé. Le Major Gruber existait. Il était un héros à part entière. La suite se passe exclusivement dans le cadre de métal. C'était une époque où je papillonnais d'un dessin à l'autre, dans la plus parfaite insouciance. J'avais brisé les chaînes qui me liaient à Blueberry depuis plus de 12 ans. L'aventure métal commençait plus tôt. Relax, le journal était trimestriel, ce qui me changeait des cadences infernales de l'hebdo pilote. Le ciel était bleu et les scénarios jaillissaient de la fumée avec de joyeux flops de champagne. Le Major Fatal date de cette époque, ainsi que quelques pages par-ci par-là. Mais tout changea très vite. Le boulot m'a rattrapé au tournant. Blueberry avec ses gros sabots, et Métal qui virait mensuel. Et puis d'ailleurs, une nouvelle envie de travailler. Le Major, lui, restait très calme et attendait son heure. Parfois, j'entamais des débuts d'histoire, une page ou deux, puis laisser tomber, passer à autre chose. Le fantasque, quoi. C'est comme ça que naquirent les deux premières pages du Garage Hermétique, comme un jeu. J'ai Je dessiné deux pages comme si. C'était une histoire, mais en même temps, avec un thème, un personnage et un titre tellement aberrants qu'une suite semblait impossible. C'est Dionnet, le rédacteur en chef de métal, qui est responsable de la suite. Parce que s'il n'avait pas eu l'idée perverse de passer ces deux malheureuses pages dans Metal numéro 6, le câbleur endommagé de l'ingénieur Barnier serait resté pour toujours ce qu'il était en réalité. Une machine sans passé, sans avenir, sans queue ni tête. On en revient, je vous ai dit, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le mode de construction. Euh, à ta merde, plus comme un lendemain de fête. D'accord. Siro sans codéine, aujourd'hui, plus de la gueule. Mais écoute, je ne sais pas quoi te dire. Euh, tu une pastille, siro sans codéine. Que dire d'autre Et bienvenue à bord. Euh, ça nous arrive à tous d'avoir une haleine de merde. J'avais mis la plume dans l'engrenage, le reste devait suivre. Les circonstances s'y prêtaient. J'avais Blueberry à faire qui me prenait beaucoup de temps, à bien d'autres choses encore, et d'autres choses encore, etc. Et ça me semblait bien d'avoir une présence minimum de deux pages dans chaque numéro de métal. Le garage hermétique de Jerry Cornelius était parti. Et c'est encore une fois, presque malgré moi, que le Major fit son apparition dès le troisième épisode. Le garage est donc l'exemple type d'une bande dessinée sans scénario préétabli. Chaque fois que la tentation me prenait de durcir la ligne de l'histoire, qu'un but se profilait, je cassais tout et je repartais à l'aventure. De plus d'un mois sur l'autre, il m'arrivait d'oublier ce que j'avais dessiné dans l'envoi précédent. D'autres fois, je ne me souvenais que des délais qu'au qu dernier moment et j'envoyais deux pages improvisées en une nuit. Quelle merveille Cette bande n'est donc pas du travail sérieux. Cette expérience intéressante est maintenant terminée. En fin de compte, l'histoire s'est bouclée d'une façon presque classique comme dans ces romans d'alcoolique que l'Amérique fabriquait après la Deuxième Guerre mondiale. Une centaine de pages que je contemple maintenant un peu comme un journal intime codé, s'étalant sur trois ans de ma vie à raison de deux pages par mois. Bah finalement, je suis pas si bavard que ça. Post-scriptum, Jerry Cornelius est un personnage créé par le grand Moorcock il y a quelques années et qui s'est baladé dans plusieurs nouvelles de différents auteurs de la New Wave anglaise. Je m'étais juré à l'époque de lui consacrer une histoire à mon tour. Voilà qui est fait. Voilà qui est donc fait. Donc on a vu ensemble tout à l'heure une des émanations de Jerry Cornelius dans un film. Je n'ai pas regardé d'ailleurs parce que j'ai oublié. Je suis un âne euh, qui avait réalisé ce film. Pourquoi Parce que c'est un vieux souvenir de jeunesse que j'étais fouillé dans mon bordel euh, un peu trop rapidement pour vous ramener ça et du coup bah, j'ai oublié euh, tout simplement de noter. Alors, alors qui a été ça euh, es, c'est les décimales du futur. Comment s'appelle le réel <truits> Merci pour ton follow, hein. Milare Thompson, et bienvenue à bord. Alors, les décimales du futur, film de science-fiction réalisé par Robert Fuest. Je ne connais pas ce Robert Fuest. Donc, c'est un film de 73. Ah oui, non, j'étais loin du compte avec mon 67, couillon que je suis. Donc, tout est normal. Alors, donc, c'est Robert fuchs qui a réalisé ça. Et donc, je ne connais pas le cinéma. Ah, si, c'est lui qui a fait le retour de l'abominable Dr. Fibes. Et l'abominable Dr. Fibes, j'ai vu ça. C'est très, très drôle, Dr. Fibes, je dois dire. Euh, et il a fait une version des Hauts de des de Hurlements. Sachez-le. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il n'a pas fait énormément de films. Mais c'est à lui, donc, qu'on devait ces euh, décimales du futur. Donc, donc, donc. C'était intéressant d'entendre Mébus en 1975-16 euh, accompagner euh, son majeur et voilà ce qu'il en dit 20 ans après. Donc dans l'édition que les Humanos vont faire en 1995. Adolescent, j'étais fasciné par les personnages d'explorateurs. Je lisais Ramener les vivants, une série américaine plutôt bien dessinée. J'en aimais l'atmosphère tendue, presque paranoïaque. Alors bien évidemment, ma première création sérieuse fut une histoire d'Explorateur qui se déroulait en Afrique. J'avais 16 ans, je suivais les cours de l'école des arts appliqués. Je enfin, faisais beaucoup plus historier. Hein. Avez... <laughs> On est, est beaucoup... dans une toute autre approche, c'est marrant. Le soir, chez moi, je dessinais sur un cahier, case après case, page après page, sans crayonner, comme ça venait, sans scénario, et l'aventure avançait, avançait, avançait. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais réalisé plus de 40 pages. Tout ça ne devait pas être bien fameux. Hein. Pourtant, quand j'ai montré ce cahier à l'école, le succès fut foudroyant. Tout le monde voulait le lire et j'étais très fier. Le cahier est passé de main en main. Quand j'ai voulu le récupérer... Personne ne savait plus qui l'avait prêté à qui. Il avait disparu. Je l'ai jamais retrouvé. J'ai piqué une crise, puis j'ai oublié. Mais aujourd'hui, il me semble que ces pages contenaient la véritable origine du Major Groubert. En fait, il l'a réellement beaucoup plus tard hein, dans les pages de pilote. Mais ses prestations y furent éphémères et accessoires. Il réapparut encore lorsque Vania Beauvais, qui s'occupait du secteur bande dessinée à France Soir, me proposa de participer à une rubrique estivale sur le thème des Français aux vacances. Elle souhaitait quelque chose dont l'humour fut à la fois délicieux et populaire. Avec la chasse aux Français en vacances, je mis naturellement à côté de la plaque. Quelques amateurs furent ravis, mais dans l'ensemble, les lecteurs de François eurent bien de la peine à digérer le morceau. Certains furent même furieux. À dire vrai, c'était une erreur de ma part. J'aurais pu me montrer plus soucieux des goûts et de l'attente de ce public. Mais à dire encore plus vrai, je m'étais bien amusé à dessiner ces pages. À l'époque, j'avais pas d'idée très arrêtée quant au caractère du bajor. J'ignorais ce qu'il allait devenir, et je l'utilisais essentiellement sur le plan de la farce et de la satire. Bien sûr, il a par la suite gardé ce versant comique, mais dans le cadre d'une narration développée, insensiblement, la comédie rejoint le drame, voire le tragique. C'est ce qui devait se produire dans le garage hermétique. J'ai un goût pour la farce, mais aussi pour le mélodrame prophétique, cosmique. Chacun a ses perversités. Il ne faut pas les étouffer, mais travailler pour les rendre opératoires. Je crois que c'est un des grands trucs intéressants de Major Fatal, c'est qu'en dehors d'être une improvisation, c'est aussi à cause justement de la, la lisibilité, l'évidence qu'il y a euh, aux moyens que se donnent mes bus pour s'y abandonner complètement. C'est aussi une manière de nous rendre sensibles à la façon dont se construit une improvisation en bande dessinée. C'est peut-être beaucoup dire, dire que c'est une leçon d'improvisation, mais vraiment, à partir du moment où on voit se mettre en branle des, 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 des motifs de syncope, des, euh, des systèmes de cassure, des retroussements, des renversements, on comprend euh, pas seulement ce qui le motive, mais on comprend également les moyens qu'il se donne pour euh, avancer euh, dans cette affaire. Et euh, je suis sûr que pour qui a pas la moindre idée de la façon dont on peut construire un récit improvisé en bande dessinée, une bonne lecture du Major fatal d'un seul coup vous éclaire complètement là-dessus, vous renverse la tête et vous montre comment avancer à votre tour. Dans la chasse aux Français. En vacances, l'humour était absurde, à la limite du burlesque. La notion de français moyen imposait un traitement satirique, mais aussi d'étroites limites dans le temps et dans l'espace du récit. Avec Major Fatal, la science-fiction élargit le cadre, il devint intemporel. Alors, tout en sauvegardant mon goût pour le burlesque et l'humour qui dérape, mais débarrassé des pesanteurs de la satire sociale, là on retrouve ce qu'il disait tout à l'heure sur le, les récits à message ou à chute, l'agacement qu'il en tire, est-ce qu'on peut comprendre On peut tout à fait comprendre à quel point renverser euh, les cadres usuels de la narration, c'est une opération politique qui n'a pas à se justifier d'une seconde pour euh, péter l'ordre bourgeois. D'une certaine manière, il faut bien comprendre que tout le travail de SAP qui a été fait, qu'on considère aujourd'hui comme hyper formaliste dans le roman des années 70, euh, tous ces coups de boutoir portés par des gens comme Guyota, comme Manzi sur le roman, sont des formes extrêmement politiques de détruire le récit bourgeois. Sans pourtant euh, s'équiper nécessairement d'un argument euh, politique lisible et intelligible, même si chez Guyota, euh, c'est clairement une littérature marxiste. Euh, mais débarrassé des pesanteurs de la satire sociale, j'ai pu m'envoler directement vers les univers du rêve et de la fantaisie. Et de fait, j'ai éprouvé énormément de plaisir à dessiner majeur fatal, d'une seule traite, improvisant au fur et à mesure, entre le risque et l'amusement, dans une sorte de vagabondage, de batifolage graphique. C'est ensemble le prototype du garage hermétique. Est une des rares bandes à m'avoir procuré un tel sentiment de liberté. La jeunesse des garages hermétiques n'est pas très orthodoxe. À l'époque, je me trouvais dans des états un peu exaltés. Je rentrais à toute vitesse à la maison pour dessiner une page. Parfois deux tard dans la nuit jusqu'à tomber d'épuisement. Au matin, je pouvais me retrouver devant des planches absurdes ou inintéressantes, mais parfois il m'arrivait d'en compléter certaines pour en faire des récits de quatre ou six pages. Le garage a commencé comme ça. Dans mon esprit, les deux premières pages n'étaient qu'une plaisanterie graphique, une blague, une mystification, qui ne pouvait, ne devait mener à rien, qui n'avait aucune suite. Toutefois, j'avais essayé de traduire une part de ce que j'étais, de ce que je vivais ou avais vécu. En général, Lorsque je dessine une situation, je me projette dedans. C'est comme un souvenir fugace qu'on rattrape, une vision évanescente, un rêve que l'on tente de faire renaître. Une fois achevé, j'ai rangé ces deux planches dans un tiroir et je les ai oubliées. Elles auraient pu y dormir à jamais si Jean-Pierre Dionnet, alors rédacteur en chef de métal, n'avait eu, pas eu l'habitude de fouiller dans mes tiroirs quand il venait chez moi. Il les découvrit, les emporta, me demanda d'y ajouter un petit complément qui pût faire office de suite et de fin à cette histoire. Et j'ai dit oui. Il publia les deux pages et peu avant la sortie du numéro le complément devait paraître, m'appela pour s'inquiéter de la livraison. Bah, naturellement, j'y avais rien fait. Ce fut la panique. J'ai dû travailler comme un forcené pendant deux jours, mais n'ayant pas conservé de photocopie des deux premières pages, j'en ai dessiné deux autres dont la cohérence n'était pas garantie. Toute l'histoire a été plus ou moins réalisée dans cette espèce de panique décousue. Au troisième épisode, j'ai essayé de raccorder. Le major Gruber est arrivé en renfort. Oui, parce que clairement, le major fatal, le major Gruber n'est pas là au départ du récit. C'est quelque chose qui viendra se greffer dessus. mais C'est comme une espèce d'évidence, en fait. On a bien compris ensemble, je crois, en voyant comment s'est construite la figure de Groubert, il ne pouvait pas ne pas arriver à un moment donné dans ce type d'expérimentation. Il était porteur d'elle, en fait. À partir du moment où il s'est vidé, je dirais, de son caractère satirique, qu'est-ce qui pouvait encore justifier cette allure Je veux dire un personnage qui porte une tenue coloniale, si vous l'arrachez à son cadre, euh... Fonctionnel. Ben, vous pouvez l'activer dans un récit politique, il aurait sa place. Ou euh, vous pouvez l'activer euh, dans un récit satirique. Euh, dans les années 70, on ne peut pas faire littéralement un récit d'aventure coloniale, donc il, exister, il peut exister sous forme satirique. Mais si vous le videz, si vous le désassociez, si vous le désimbriquez de ce devenir politique, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Quelle étrange enveloppe absurde. Évidemment, c'est un support euh, idéal pour commencer à, à pénétrer un, un récit improvisé de science-fiction. Et j'ai continué à m'imposer comme défi de repousser systématiquement, au mois suivant, à la résolution des problèmes posés par chaque nouveau chapitre. Cette insécurité permanente engendrait un désir de cohérence, je tentais constamment de recréer une continuité à partir des éléments existants, et y parvenir était pour moi une source de plaisir, un délice absolu. Puis je cassais tout afin de retomber dans l'insécurité et d'être à nouveau saisi par ce désir de cohérence. À la fin j'ai rassemblé tous les fils dans les 15 dernières pages que j'ai réalisées dans la continuité. L'histoire s'achève cependant sur l'irruption de Gruber dans notre réalité, ce qui élargit potentiellement le champ vers des incohérences infinies. J'aime la science-fiction parce qu'elle ouvre en grand les portes de l'espace et du temps et surtout parce qu'elle permet d'aborder de façon très directe mes préoccupations essentielles. Dans le garage hermétique, j'ai voulu rendre un hommage personnel aux super-héros des comic books. À leur sujet, je suis partagé entre deux sentiments. D'une part, Évidemment, je trouve ça très infantile, mais en contrepartie, je crois qu'ils expriment une quête de nos désirs les plus profonds, nos rêves de justice, d'envol, de beauté. Et là, c'est plus de l'infantilisme, c'est le chant merveilleux de l'enfance. Pour la scène où le majeur s'envole avec Cornelius, je me suis inspiré de dessins parus dans Iron Man. Il y a une quantité d'autres influences ou références, je laisse soin le, au lecteur le plaisir de les découvrir. Un mot tout de même sur le nagual dont parle Cornelius, un concept métaphysique de la tradition indienne d'Amérique centrale qui désigne l'incréé, la part du divin qui demeure en dehors de la sphère de compréhension de l'homme. Le garage hermétique n'est pas une oeuvre fermée. Une phrase qui du coup sonne assez drôlement à cause du sens que désormais a pris le mot hermétique, bien entendu. Elle recèle des ouvertures, des correspondances vers d'autres systèmes. Les univers en expansion permettent de tout imaginer. Par exemple, que toutes les histoires que j'ai dessinées appartiennent au monde de Gruber ou à un monde régi par les mêmes règles, l'univers de Möbius. Voilà, Donc, on en revient à, aux propositions faites euh, au départ hein, sur cette espèce de superposition euh, entre, euh, entre Möbius. Euh. Alors la construction d'un monde à niveau, euh, déjà, on va se, dans lequel on va se plonger, est en soi déjà, euh, tiens de la, la citation. Puisque euh, c'est à que dont évidemment même juste est un grand lecteur, comme vous pouvez l'imaginer, c'est à qu'il se réfère. C'est lui le créateur de ceci. Alors, on va avancer vers notre récit Hop. Alors, on va peut-être pas lire donc cette prémisse donc ce fameux récit de 13 pages qui a été publié avant euh, le récit qui nous intéresse à proprement parler c'est la première forme on va dire un peu dense hein, qu'a pris euh, le major vous voyez déjà apparaître par ailleurs euh, quelques-unes des figures euh, qui vont euh, ponctuer le récit. Hein. Ah, pas en arrière, ah, c'est embêtant. Ah si. Le personnage que vous voyez en bas à droite n'est rien d'autre que le Nagual. Donc on va. D Une certaine manière il campe le, le décor, si vous voulez. Euh, mais c'est pas au sens où il campe le décor comme le panorama dans lequel euh, des, des figurines vont venir euh, occuper l'espace. Non, il, il campe le décor mental et poétique dans lequel va se développer Groubert. on, on Certes, on y retrouve des éléments plastiques, une façon d'habillage, mais c'est pas ça le fondamental. C'est vraiment les, les jeux de relations entre les figures et l'espace, entre les positions aussi qu'on pourrait appeler des Ils qui sont très importantes. Vous le verrez dans, dans Major Fatal, puisqu'on va, on va voir se constituer toute une série de retranchements d'observations de dessous en arrière, celui qui a déjà été évoqué dans un des textes, c'est celui du Siguri, qui est le vaisseau à partir duquel le Major Fatal observe sa créature, c'est-à-dire le monde de fleurs, l'astéroïde expansé dont euh, il a créé les, 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 les trois niveaux, enfin pas tout seul, puisque... Je vous ai dit que dans le bandard fou, on voyait une première occurrence qui montre que la dame Kowalski est co-créatrice, en quelque sorte, de cet univers. Mais après, on va voir une espèce de montage en réplétion invaginé, où euh, des postes d'observation vont se supposer à d'autres endroits, comme une espèce de plongée verticale. Et, euh, et vous comprendrez avec, avec cette construction ce qui est en train de dire, mais juste dans cette préface. je je dis pas que c'est prémédité, je dis pas que c'est quelque chose qu'il a anticipé, mais ça apparaît au cours de l'improvisation. Puisque, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on improvise On se retrouve, vous comprenez C'est peut-être le moment où euh, on est au plus près de ses constituants euh, culturels, par exemple. C'est le moment où. Euh, on n'a plus besoin de, de nommer nos références pour qu'elles fleurissent sur la page d'un seul coup. Elles sortent parce qu'elles euh, ne sont pas questionnées comme objets. Elles sont des trajets. Alors, généralement, les relations qu'on entretient avec ces objets culturels sont, sont plutôt euh, de l'ordre de l'objet. On pense à telle chose. On va citer tel objet, telle chose, telle œuvre. Alors que, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe quand euh, vous êtes dans une situation d'improvisation. Vous n'êtes que dans une situation de trajet voici donc ce fameux premier épisode ces fameuses deux premières planches que voici Alors, je, si j'ai choisi euh, d'amener le, le bouquin en bas à gauche de, de votre écran c'est évidemment parce que c'est important aussi de voir euh, les compositions en double planche pour autant pour autant n'oublions pas que c'est un récit feuilletonné et euh, Évidemment, quand vous construisez un album en tant qu'auteur de bande dessinée, votre euh, matrice de construction, ça n'est pas la planche. C'est la double planche. Vous pensez toujours une page en regard de l'autre page. Mais quand vous feuilletonnez, notamment quand vous feuilletonnez euh, sous Psychotrope par ailleurs, mais quand vous feuilletonnez euh, de façon euh, régulière, dans un magazine qui a sa propre cohérence, son propre mode d'organisation, euh, comment pour gérer les recto et les versos, pour placer les nombreux récits, le rédactionnel, etc. Vous ne pouvez pas toujours avoir la certitude que, que, que vous placerez à, à votre gré le recto sur un recto, le verso sur un verso. Vous ne pouvez pas anticiper complètement. Et d'autant moins par ailleurs que quand Mébius fait ceci, de toute façon, il ne pense pas faire un album. Donc, je vous ai amené ça pour constituer un peu les, les des doubles planches, voir un peu ce que ça donne quand l'album est sorti. Mais je pense qu'il va falloir se garder de faire ce qu'on est tenté de faire normalement quand on ouvre une un de bande dessinée, c'est de, de regarder la double page et de la comprendre vraiment comme un ensemble. On peut dire, euh, sans trop grand risque de se tromper, qu'il y a des tas de cas de figure où ça ne devait pas, être, pas du tout être le cas. D'accord Donc voilà ces deux fameuses planches liminales Le garage hermétique de Jerry Cornelius, par Mebius. Premier épisode, dangereuse révision. Par le seul fait de mettre ce sous-titre, alors même qu'il n'avait pas l'intention d'en faire un épisode, il est déjà dans une espèce de jeu et il ne sait pas à quel point ça porte la future fécondité. Les titres et sous-titres vont devenir les lieux constants dans Major Fatal d'une expansion du récit ou du pli du récit sur lui-même ou des fois du pararécit, vous verrez. Ce câbleur d'une conception parfaitement révolutionnaire a besoin d'une dernière révision avant d'être lancé vers les étoiles. Je n'ai plus qu'à brancher ce projecteur de particules à double polarisation chromatique et à le diriger vers la structure cristalline qui me donne des inquiétudes particulières. Alors là, on est dans ce fameux babillage hein, technomorphe dont, dont je vous ai parlé, qui fait exister les objets dans leur cadre. C'est-à-dire qu'il produit en même temps que l'objet le cadre auquel il est censé appartenir, au cadre il est, au, auquel il est censé se connecter, euh, trouver son existence dans un régime plus large de, de machinerie. Le, la, le, Très caractéristiquement de science-fiction avec euh, ses procédés. Encore un miracle de l'ingéniosité technique de notre race. Il y a encore quelques années, j'aurais dû utiliser un de ces vieux projecteurs ondulatoires, lourds, peu pratiques, encombrants d'un maniement dangereux pour les autres et pour soi-même. Tiens, fichtre. Ma double polarisation chromatique est entrée en résonance avec le palpeur de Mirette que j'ai eu le malheur de laisser brancher, mon beau câbleur est maintenant détruit. Que vais-je faire Il faut que tout soit arrangé avant le retour de Jerry Cornelius. Donc il faut imaginer ce récit comme un récit autonome, qui ne devait pas avoir de suite. On est au, je dirais, au maximum de cette capacité d'inventer un, un, un récit très très riche avec un matériel finalement extrêmement simple. Donc un décor réduit à rien. Le décor, il est le bavardage. Il est cette espèce de babillage technomorphe dont il a déjà été question. C'est lui qui fait exister tout le reste, au fond. Et il y a déjà une extériorité. C'est-à-dire qu'il injecte un, un personnage, Jerry Cornelius. Donc c'est assez intéressant, parce que vous avez un titre, le garage hermétique de Jerry Cornelius. La première case laisse supposer qu'on a affaire à Jerry Cornelius. C'est seulement, au final, Jerry Cornelius est le dernier mot Enfin, sur les deux derniers mots de, de l'épisode, que l'on comprend qu'on avait affaire à quelqu'un d'autre. Euh, en soi, on, on a déjà une proposition. Euh, de ce que c'est que de construire une fiction avec euh, trois fois rien ouverte dans son avant et son après. Et ça va être la base finalement de travail de Mébus petit à petit dans tout le récit. Voici notre deuxième épisode. Le garage. Deuxième épisode. Alerte sur la toundra. Résumé. L'ingénieur Barnier est très ennuyé car son câbleur a grillé. Ce procédé qui consiste à nommer le personnage entré en matière dans l'épisode précédent, il est quasi systématique. Dans cette fameuse feuille où je m'étais amusé à lister tous les personnages entrant en scène et le moment où ils se sont nommés, en fait, c'est assez assez constant. Il y a, euh, les, les personnages peuvent être nommés d'ailleurs très longtemps après. Et ça, en fait, ça c'est vraiment un, une chose euh, empruntée aux formes même de la rencontre dans l'existence. Euh, il n'est pas rare, il est même plutôt fréquent qu'on rencontre des gens, qu'on ait des longues conversations avec eux, sans avoir l'occasion de les entendre nommer, de savoir comment ils se nomment. Si vous avez une vie politique, par exemple, avec euh, un local des camarades, vous pouvez vous trouver des fois en ayant travaillé longtemps avec des gens, fabriquer des trucs à plusieurs, et en fait ne pas connaître le nom des gens qui sont là. Et le nom, il viendra plus tard. Là, que le premier trait que vous, que, que vous apprenez, c'est pas le trait civilisé par lequel euh, civilisé au sens du ça n'est qu'un en fait civilisation. Telle personne est est précédée euh, d'une de de type qui vient le marquer socialement, c'est son nom. Mais c'est pas comme ça que la vraie vie se constitue. On fait des choses ensemble et, et le nom n'est pas l'opérateur qui va fonder euh, votre existence. Il est juste celui qui va sceller euh, ensuite, on pourrait dire, une espèce de, de, de construction normée entre les corps et qui promet les retrouvailles. Résumé, l'ingénieur Barnier est donc très ennuyé car son câbleur est grillé. Aussitôt, le fidèle Jasper tente de contacter la betterave de mille de Cornelius sur la route de Armjout, la mystérieuse capitale. Jasper à Cornelius, Jasper à Cornelius, ici Cornelius, j'écoute. Depuis des semaines, il roulait, voyage monotone au radar, pilotage automatique, mais pas une seconde, il ne relâchait sa vigilance. Donc, on suppose déjà quelque chose comme une expansion de l'espace hors de la case. C'est un truc sur lequel mes bus est particulièrement brillant. C'est de construire euh, des espaces qui, par la parole, laissent supposer qu'ils sont en tension avec un espace plus lointain. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir cette espèce de, de monde d'observation et des, des points de vue qui sont aussi à leur manière des lieux de passage. Monsieur Cornelius, l'histoire avec le nouveau câbleur s'est mal terminée. Le jeune Barnier a pris peur que vous lui reprochiez son étourderie à propos du palpeur de Mirette. Il a pris la fuite. Vous voyez, du côté des cavernes chantantes, j'ai vu cet endroit en rêve cette nuit. Continuez à me tenir au courant. Oh, j'ai oublié de vous passer la page, il ne faut pas que je vous oublie. Qu'est-ce que je fais Regardez ça, c'est un scandale. Continuez à me tenir au courant, j'espère. Et bonne chance. Barnier a de la valeur. Nous avons tous peur, monsieur. Nous mettons immédiatement le cap sur les cavernes. Là, le monde vient de s'expanser entre ces deux cases, entre celle du haut et celle du bas. Nous savons nous, où se trouve... Euh, enfin, nous, nous savons qu'il y, y a une... Un, une, une, une Comment dire, une expansion de l'espace à cet endroit précis que le, le, le poste d'observation euh, entre Jasper et, et Cornelius nous promet déjà un type de relation euh, qui va vers une espèce d'immensité euh, qui, qui ne va pas on a déjà été informé de ça par le fait que le véhicule que nous sommes en train d'observer est censé traverser depuis des jours et des jours et des jours à la tundra avant d'atteindre la capitale il faut donc ça pour atteindre la capitale. Et donc, ça, c'est l'expansion horizontale de ce monde. Et là, d'un seul coup, nous sommes propulsés dans son expansion verticale avec un de ces postes d'observation. Nous verrons plus tard que ce poste d'observation est dans un poste d'observation. Tout plutôt que la vengeance de Jerry Cornelius. Là, on retourne à Barnier qui s'habille. Troisième épisode. Donc, là, on a des petits épisodes de deux pages. Le Garage hermétique de Jerry Cornelius, troisième épisode, résumé des chapitres précédents. Tout peut encore arriver dans le garage hermétique, a fortiori parce que rien n'est encore arrivé. Et là, on voit apparaître euh, au fond à gauche de la case, troisième niveau. On peut gager que Bébus n'a pas forcément en tête d'être déjà parti dans la construction, euh, euh, déjà raisonnée de cet univers à plusieurs niveaux qui va être le sien, mais. Quand on voit comment avance euh, le récit, on peut supposer que, avant de se remettre au boulot sur un épisode, régulièrement, les bus retourne en arrière pour voir ce qu'il a foutu. Et euh, voyant au troisième niveau, il en tirera un sacré parti. On peut supposer. Euh, on peut aussi supposer qu'il est déjà en tête quelque chose, mais ce n'est pas du tout le, les, les prémices qu'il s'est donné pour travailler. Soudain, un garde apparu, on distingue une loutre sculptée d'origine tahaï à l'arrière-plan, au loin, la terrible euh, steppe. Un tarsier fordu dans la pénombre. Le, donc, il y a une petite étiquette qui vient de donner un renseignement sur euh, le véhicule qui se trouve au fond, par le pharaon. Le voilà, ses Barnier à bord de la rangue. On a là toute une série euh, d'indicateurs de monde qui sont assez étonnants. Alors vous reconnaîtrez évidemment pour ceux... Euh, pour ceux qui sont des habitués de l'incal, l'espèce de loutre dont il parle, la loutre taraille, évidemment, pour les habitués de l'incal, euh, ressemble à s'y méprendre à euh, ces créatures qu'il appellera des bergs. Alors, je ne sais pas dans quel... dans quel volume ils apparaissent en premier, ces braves bergs, avec leur petit bec euh, crochu. Ça fait très, très longtemps. Je ne les ai pas relus, ceux-là. Je n'ai pas relu l'incal euh, pour l'occasion. Euh, mais peut-être qu'on pourrait voir un petit peu ça. Ce serait marrant de. Ah voilà, regardez ce berg, ne ressemble-t-il pas à s'y si méprendre À notre momie Taraï. Ah. Voilà, voilà, voilà. De l'arrière-plan, ici. Est-ce qu'on peut grossir un peu Oui Barnier sort impétueusement son fusil pétard et tire. L'imbécile, mais pourquoi a-t-il fait ça Les expressions, euh, comme l'outre sculptée d'origine Taraï à l'arrière-plan, la terrible, il y a tout un côté euh, archéo finalement qui vient d'un seul coup euh, étendre cette fois-ci cet univers dans son histoire. Ça prend une dimension nouvelle, évidemment, qui, euh, qui l'inscrit dans euh, oui, une véritable archéologie. Et ça, ça apporte aussi un, un regard particulier sur euh, la façon dont Gruber, euh, ce personnage, peut se superposer à Mébius. C'est-à-dire, il y a une proposition de, de cette extension-là qui semble quasi contradictoire avec l'idée d'une planète complètement artificielle. Mais c'est euh, mal supposé ce que veut dire l'expansion chez Mebius. Et euh, on peut supposer que les fameux générateurs Groubert ne produisent pas que des expansions spatiales, mais très probablement temporelles. T'es épuisé ce soir, tu regarderas en replay. Merci pour ce chouette stream. Bah, de rien, Freddy, à bientôt. Malédiction, ce fichu engin refuse de démarrer. Bizarre. Alors là, on a une description de l'arang. On retrouve les, le goût pour mes bus, Donc de donner du corps à tout ce qu'il introduit dans le récit, comme il a pu le faire là à l'arrière-plan tout à l'heure, en, en nous disant qu'on pouvait voir un tarsier fort tu dans la pénombre. Il nous décrit ici la rangue. La Rang est un véhicule à trois roues très populaire dans la région plate des steppes du troisième niveau. Son moteur à blave est si robuste que certains le prétendent éternel, ce qui explique la déconvenue de l'ingénieur Barnier. Et là, on a une note. À mon avis, une main criminelle a dû saboter une pièce essentielle, comme par exemple la durée de tu vas et vient Cette note, qui explique et n'explique rien, elle est porteuse évidemment d'une fiction à venir. Une proposition telle qu'une main criminelle a dû saboter la pièce, euh, en soi, ouvre, euh, je dirais, assez de perspectives pour euh, que l'improvisateur se donne la possibilité d'avoir trouvé là un nouveau motif à improviser. Ce qui ne manquera pas de faire, comme vous pouvez l'imaginer. Cependant, à bord du siguri, « Le navire spatial du Major Gobert. »« Alors ?»« J'y comprends rien. »« Notre base secrète a été découverte et envahie par des inconnus. »« Tous les niveaux ?»« Impossible de le savoir d'ici. »« C'est peut-être une ruse bacalite. Le mieux est d'envoyer un espion par onde puche-pulle. »« L'espion du Major tombera-t-il dans le piège que ne va pas manquer de lui tendre Jerry Cornelius ?»« Vous le saurez bientôt en lisant Star Billiard, notre prochain épisode. »« Là ?» Évidemment, on retrouve le, le, le régime parodique euh, des vieilles bandes dessinées euh, auxquelles faisait allusion euh, Mébius dans son intro. Ces bandes dessinées à cliffhanger, les bandes dessinées à feuilleton, où chaque dernière case a un appel euh, pour poursuivre ensuite avec une adresse directe au lecteur. Est-ce qui donne un autre statut d'un seul coup à l'épisode qui vient d'avoir lieu On est déjà en pleine confusion. C'est impossible à cet endroit-là du récit, et je pense que Mébius ne sait pas vraiment lui-même, de déduire quel type de relation peuvent exister entre tous les personnages qui sont là. Et le Siguri, le navire spatial de Grober, il est assez difficile, vu ce que nous savons du mode d'observation, euh, pour l'instant, de Jasper sur Cornelius, de comprendre si c'est du même espace dont on parle. En fait, nous apprendrons beaucoup plus tard que non. Mais pour l'instant, à cet endroit-là, nous, lecteurs, ne savons pas tout ça. Et peut-être, mais plus non plus par ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par cette composition-là, cette espèce de montage très simple en parallèle de ce qui se passe à bord du Siguri et de ce qu'on vient de vivre entre Barnier et Cornelius, on a en place à la fois un immense classicisme. On voit très bien que les trois cases du bas empruntent très clairement au monde du cinéma. Ce sont des plans qui rappellent vraiment les montages cinématographiques des films d'après-guerre. Il euh, y a une belle profondeur qui est apportée aux cases euh, qui viennent complètement rompre ce qui avait été créé dans, dans les espaces sans plan désertiques avec Cornelius dans son errance. On, on compose en fait, même s'il si, ne se passe rien qui ressemble de près ou de loin à une liaison rationnelle entre ces deux espaces, il y a en tout cas une forme dialogique puissante qui, euh, comment dire qui les associe essentiellement par la, la, ce qui semble les séparer. On, on construit en quelque sorte une relation par l'antagonisme violent. Et on nous promet une suite avec Star Billiard. Ah, Je n'ai pas la moindre idée de si Moebius savait ce qu'allait être Star Billiard dans le suivant, mais voici ce qu'est Star Billiard le garage hermétique de Jerry Cornelius. Troisième truc Star Billiard. Mebius. Résumé, le major Gobert a décidé d'envoyer un espion vers son ancien repère. Là, on comprend que l'endroit où se déroulait l'action jusqu'ici est l'ancien repère du major. Cet espion s'appelle Samuel Moad et il est monté sur Star Billiard, un robot gigantesque conçu pour rallier le premier niveau par onde push-pull. Tiens, que signifie ce bruit Il y a quelqu'un caché dans cette armoire. Sortez où je tire Vous je vous avais pourtant interdit de me suivre parce que vous interdisez maintenant. Vous méritez une bonne correction. Espèce de brute Aïe Aïe Alors là, on est dans une situation extrêmement drôle, puisqu'on assiste comme une espèce de dialogue intérieur du Star Billiard. On comprend vaguement, puisque ça a été dit dans, dans le, le, la, la, la première bande, le premier registre, que ce robot est habité par Samuel Moed. Mais malgré tout, tout ce qu'on voit, c'est une énorme tête aux grands yeux vides, à l'intérieur de laquelle se joue un dialogue. Évidemment, on a, a l'impression que, que de, des niveaux, euh, de, de, une espèce de vision assez euh, euh, caricaturale d'un esprit skisé est en train de se mettre en place euh, dans, dans ces deux premières cases. Mais vous savez pourquoi je suis là Toutes vos belles paroles, l'amour. Ah, taisez-vous, vous me mettez dans un grand embarras. Enfin, maintenant, puisque vous êtes là, rendez-vous compte que je suis en mission, en mission spéciale, des ordres qui viennent tout droit de la passerelle. Je suis pas ici pour faire du tourisme, ma chère. « Sam quand j'ai vu que vous alliez quitter le Siguri, je me suis dissimulé dans notre Star Billiard et j'ai quitté la famille pour vous suivre. »« et que se passe-t-il »« Star Billiard a dû voir quelque chose, un danger peut-être, ne bougez pas. »« En effet, regardez à côté de la pyramide. » Il ne semble pas y avoir encore de grandes cassures entre l'univers de... précédent et celui-là. En fait, ça ne vous saute pas forcément aux yeux euh, à la lecture, mais la cohabitation d'un type de, de récit extrêmement resserré dans un grand nombre de cases sur une page, comme vous allez le voir pour euh, les quelques pages qui vont constituer euh, tout cet épisode, euh, c'est une autre façon euh, d'aborder euh, la mise en forme du récit. C'est-à-dire que vous avez euh, dans, dans le, les épisodes précédents ce côté un peu océanique, immersif, ces grands paysages, ces grandes cases, qui rapprochent, euh, majeur fatal, de l'atmosphère d'Arzac, où euh, le caractère contemplatif des cases euh, nous invite. À ralentir le tempo. Là, c'est le contraire. On a dans une action proche des bandes dessinées héroïques, généralement extrêmement bavardes, avec beaucoup de vignettes, beaucoup plus anciennes, plus classiques, où il est censé se passer énormément de choses dans, dans des dents resserrées. C'est ça que nous vivons à cet endroit-là. Comme il est drôle avec son parasol, vous y fiez pas. C'est un pire de tout. Il a l'air en pleine forme, bien qu'un peu empaté du ventre. On distingue mal sur vos écrans. Venez, nous serons mieux là-haut. Impressionnant, n'est-ce pas Va-t-il nous attaquer mmh, Certainement, il doit croire qu'on en a, qu'on en veut à ses réserves, ses réserves. En fait, ces pyramides sont des tombes. Les cryptes recèlent des centaines de corps momifiés. Vous, vous voulez dire qu'il l'est ah, Je sais, c'est horrible, mais vous connaissez le goût du major pour ce genre de détails. Bah, quand même. Alors, ça, c'est une phrase assez difficile à saisir quand on ignore la, la suite, évidemment. Qu'est-ce que le goût du major pour des détails quelconques peut avoir comme rapport avec le mode d'alimentation euh, de ce pilleur de tombe. Ça veut dire que, d'une certaine manière, Mebius a déjà décidé que cet endroit, ce lieu, c'est ce que me de... je comprends hein, de cette bulle, que ce lieu était une construction euh, du Major. Que Grobert a construit cet univers et que euh, c'est son esprit euh, un peu tordu qui le pousse à inventer euh, des créatures de ce genre dans son univers artificiel. Allons-y! Dites-moi Samuel, c'est quoi juste cette mission spéciale Le major m'a convoqué il y a quelques heures. Il était accompagné par Malvina, sa fiancée. Malvina qu'on voit ici. Donc. Elle fit tout pour me troubler. Alors Bogos, Malvina, ça suffit. Samuel Moad, mon garçon, je vais te chercher d'une importante mission. Tu vas aller là-bas et vérifier si tous les niveaux sont tombés entre les mains de l'ennemi. Là encore, pour le lecteur, il est très difficile de comprendre. Quels sont les liens entre l'éventuel effondrement euh, politique du monde du, dirigé par le major, on ne sait pas encore qui l'a construit, hein, et euh, l'accident euh, du palpeur de Mirette de, du pauvre Barnier Le major craint donc une vengeance bacchalite. Je vais donc vérifier la situation de tous les niveaux. Attention, le pire de tombe passe à l'attaque. Attention. Donc, injection de nouveaux personnages, les bacalites, ça commence déjà à faire tourner la tête, il dégage une grande impression de puissance. Ainsi, vous êtes devenu une sorte d'espion, c'est ça. C'est très drôle, évidemment, c'est de voir leur conversation durer pendant ce combat. Vous avez ce, ce, ce robot géant en train de se battre contre le pire de tombe, et pendant ce temps, eux, ils papotent. espèce de recul propre à Amébus, dans le comment on pourrait dire, dans le tout qu'il donne à ces récits. Terminé Samuel, ce combat m'a terriblement excité. Faisons l'amour ici, vite. Le robot se fige et semble être touché par la proposition, C'est comme si ça réveillait chez lui quelque chose de sa propre attitude. Il s'assied, de longues heures passe sous le niveau, sous le soleil voilé et immobile du troisième niveau. C'était très bien, très, mais je dois à présent poursuivre ma mission. Je dois trouver une ville test qui me donnera la situation de ce niveau. Par ici, il y a Maru, une, une bourgade isolée qui fera l'affaire. Voici Mreux. Donc ils approchent la ville de Mreux, qui est, vous voyez, est très rocailleuse, et donc un prétexte pour Mubus, une fois de plus, à jouir de sa plume et à construire un univers très granuleux. Personne, pas de sentinelle. Un jongleur taraille Et alors Hop Et hop Nous avons été repérés par le tara et fuyons. On a vu le jongleur propulser une, une espèce de sphère vers le robot qui explose, le fait chuter. Sa tête, vous le voyez dans la cinquième case, se décolle, se détache et tombe au sol et rebondit. Je suis tout éterdit, étourdi et confusionné. Par ici, plus vite, où nous allons louper le train. Ça, c'est plus étrange encore. Ils vont louper le train. Donc, on était dans un, un combat de titans. Euh, ce robot se fait repérer par. Euh, par, euh, un jongleur tarai mais il faut qu'il prenne un train le zip va nous guider vers le sas le plus proche euh, qu'est le zip on comprend vaguement en fait que euh, vous ne le voyez pas dans la case mais notre espion samuel moad a dans la main un petit bitoyot qui fait oui, je suppose que c'est ça le zip qui les aide à trouver le SAS le plus proche. Les voici qui s'approchent. Et là, on est dans des premiers effets, on va dire, de, des questions de niveau. On va faire un, un premier pas, si vous voulez, dans l'articulation des différents plans de réalité à l'intérieur du monde constitué par Groubert, qui deviennent aussi des, euh, des lieux de passage d'un épisode à un autre. Petit à petit, ils vont se superposer, ces tentations. Les voici descendant un escalier dans les profondeurs de, de la page. Un cul-de-sac, mais non Il introduit une carte dans une espèce de boîte avec une fente et il se retrouve à l'ouverture d'un wagon. L'escalier donne directement vers un wagon. Et nous passons à l'épisode suivant. Là, on a basculé vers un autre régime graphique. Jusque-là, je ne dirais pas qu'il y a une certaine unité. Les deux premiers épisodes étaient très clairement des épisodes très jetés. Avec un certain plaisir d'aller à la plume au plus direct, sans bâti, pour avoir un dessin très linéaire avec le moins d'informations possible. Celui qu'on vient de traverser revient à certains goûts de Mebius pour la plume foisonnante de l'univers de la gravure. Et là, on arrive à quelque chose de complètement autre, une espèce de néoclassicisme très rigoureux, qui commence par une figure pointilliste. Qui appartient ici, enfin, qui est censé appartenir au photoréalisme, puisque c'est une photo euh, que montre le doigt euh, de Gruber. Et euh, clairement, la, la composition bascule euh, dans un, un autre univers graphique, hein, qui est euh, là aussi très cinématographique. On pense au cinéma ça à ce genre de choses. Regardez cette, cette espèce de. De, de, de beaux, belles constructions monumentales de la dernière case, avec un, un regard assez bas au niveau de l'horizon, une petite légère contre-plongée dans cet escalier gigantesque. On, on voit re, ressurgir le goût euh, typique des années 70 pour l'art nouveau, avec cette espèce de construction de, de baies euh, dans euh, le cadre euh, foisonne euh, comme un art floral emprunté à l'art nouveau. Le garage hermétique de Jerry Candelius, cinquième épisode, le major se dérobe, répusé, résumé des chapitres précédents. Tout va mal dans le garage de Jerry. L'ingénieur Barnier a tenté s'enfuir en tuant un garde, père de deux enfants. Quant à l'espion du major, il est parvenu jusqu'au deuxième niveau grâce au sacrifice du robot géant Starbilliard. Donc on comprend que c'est un passage entre deux niveaux de ce monde que conduisait le train qu'emprunte à ce moment-là. Euh, Cependant, à bord du Siguri, le navire spatial personnel du major Gruber. C'est lui. Son nom serait Jerry Cornelius. Un rapport en provenance de Titan prétend qu'il est originaire de la Terre, une planète de la périphérie que je connais pour y avoir séjourné. Si ce renseignement est exact, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le bus raccorde d'un seul coup ce récit du SF qui s'était bien gardé de localiser dans quoi que ce soit. Il le raccorde d'un seul coup par une toute petite note là. À notre propre monde, on découvrira bien longtemps après, hein, dans, dans Major Fatal, que c'est euh, à quel point le Major Grouper euh, lui-même est lié à la Terre. Tiens, angoisse, si inquiétant, ami. Mmh. Nous reparlerons de tout ça plus tard, Malvina. Quelques détails de la plus haute importance à régler, et là, je dois immédiatement regagner la passerelle de commandement. Le chien, il se dérobe. Donc le ton même est assez drôle. Il a un côté très sentencieux. Il fait clairement hein, penser à ces, ces, ces récits dramatiques euh, euh, d'espionnage euh, où chaque personnage est porteur de sentence, où personne ne parle autrement que par des, des déclarations très assertatives, très sûres, très théâtralisées. Il faut que je retrouve l'origine de ce document. Non, elle le dit en montrant la, la photo légèrement déchirée sur un coin de Jerry Cornelius. Ce Cornelius est d'une beauté. Ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. Ce qui arrive devait arriver. Le Nagual m'a retrouvé et m'a envoyé Lewis aux trousses. Voici le Nagual maintenant qui intervient et qui réinterviendra, vous verrez, beaucoup plus longtemps après. Une seule issue descendre moi-même sur l'astéroïde et affronter Lewis Cern, alias Jerry Cornelius, la mouche noire, niveau par niveau. Alors là, on a trois noms pour Jerry Cornelius. Trois noms et un présupposé. Un, une alliance, ou plutôt une, une histoire de longue date entre le major et Jerry Cornelius. quelque chose qui excède la, la simple situation du moment. En gros, il y a un lourd passif visiblement en, en, entre ces deux-là. Les, les, la composition des pages est particulièrement euh, formaliste euh, sur celle-ci. Les, les cases sont découpées. À, à, à des endroits assez étonnants, avec des jeux de cadres qui resserrent, euh, vous le voyez en bas à gauche, et puis dans la deuxième case, il y a un travail sur les espaces tabulaires qui est assez vertigineux, en fait, et euh, qui rejoue euh, l'impression euh, de plis dans des plis dans des plis du récit qu'on est en train d'effleurer. Et ce qui donne encore plus de force à cette dernière case, évidemment, ah, j'ai oublié de vous la montrer, je suis con, à, à cette dernière case qui fait un dégagement. Donc voilà les trois cases dont je vous parlais. L'espèce le, de dégagement spatial ahurissant euh, quand on retombe sur le, la fameuse betterave 2000 euh, de Jerry Cornelius. Cependant, à bord de sa fidèle betterave 2000, Jerry Cornelius continue de fondre la tunera en direction de Armjout, la capitale. Allo, 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 Jasper à Cornelius, Jasper à Cornelius, un espion du Major a été repéré au troisième niveau. On voit que Jasper, donc, de, du haut de son espèce de vaisseau spatial en forme de séchoir à cheveux ridicule, en tout cas, a, a un œil partout. Enfin, le major est de retour. Bravo Jasper. Continuez à chercher le jeune Barnier du côté des cavernes chantantes. Cette action-là n'avance pas. Vous noterez que depuis le camion, depuis sa betterave, il répète toujours la même chose. Par contre, ce qu'on remarque et qui est hyper intéressant, c'est que l'opposition entre l'univers qu'on avait vu ici, extrêmement chargé d'informations plastiques, très construites, machiniques, euh, euh, qui aborde du sigouris du major, qui sature l'espace d'information graphique, et celui dont nous sortions le caractère désertique de l'univers euh, de Jerry Cornelius, il se renforce dans cette planche. Cette page, elle toute seule, vient redire d'une certaine manière, euh, non pas informativement, mais euh, structurellement, les jeux d'opposition entre les deux protagonistes. Et là, on va passer à quelque chose mmh. qui surprend beaucoup le lecteur euh, de cette époque, d'un seul coup. On a basculé dans complètement autre chose d'un point de vue visuel. On a un, 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 une approche graphique, un mode du dessin qui est plutôt du burlesque. Le major a cette espèce de casque à pointe devenu démesuré et ridicule. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi. Alors je ne sais pas si c'était déjà le cas dans les récits précédents, par ailleurs. Est-ce que le casque colonial s'était déjà muni d'une pointe Oui. Apparemment, la pointe est venue rejoindre le, le casque. Par exemple, ici, dans le récit euh, publié dans Fluide d'acier*, il y a déjà un casque à pointe dans The Forbidden City Rise Again. Il n'en a pas dans celui-ci. Là, la pointe est devenue énorme et le dessin est devenu grotesque. L'animal sur lequel il montait le major est une espèce d'hippopo cheval. Euh, à hippopotame au cheval, assez ridicule, et euh, il se fait euh, chier sur la tête, euh, quasi littéralement, par quelqu'un qui, depuis un pont, semble lui verser un saut de fiente sur la tronche. Mais il ne perdra jamais rien de sa dignité. Donc il y a une information qui est donnée par ce passage qui est assez drôle, qui est une information, pour pourrait dire, générale sur ce que va être Major Fatah. Il n'y a aucun rapport avec sa dignité de personnage tout au long du récit. Sa dignité de maître qui règne aussi sur Fleur et cet univers artificiel et la dignité des situations dans lesquelles il va être pris, qui pourront aller jusqu'au burlesque, il sera toujours le pivot central de, de la situation. Ça se résume de façon assez drôle ici. Le majeur Groubert, c'est le résumé est parti lui-même à la recherche de Jerry Cornelius. Monté sur un malraux, il pénètre... Un malraux, donc déjà le nom de l'animal est assez grotesque. Il pénètre bientôt en Pays-France, où il espère trouver de l'aide. Ah, enfin Enfin, je suis au cours de ce long voyage, parvenu à l'égalité parfaite du mental et du cœur, devant tous les résultats, tout toutes les réactions, tous les événements, toutes les circonstances. De plus, la bonne et la mauvaise fortune, le respect et l'insulte, la renommée et le blâme, la victoire et la défaite, les événements agréables ou pénibles, non seulement ne m'ébranlent pas, mais ne peuvent même pas me toucher. Là, pour des raisons incompréhensibles, un oiseau se déplume complètement sur lui. C'est une allusion. Hein la fameuse humiliation des goudrons et des plumes. Peut-être a-t-il pris un coup de feu. Je ne comprends pas très bien ce qui... Est, mais ça crée une situation vraiment drôlatique. Ce qui est très beau, évidemment, c'est la façon dont, dont Mébus, dans ces quelques pages, enfin, dans ces deux pages, construit son espace. Cette élévation est particulièrement belle. C'est-à-dire qu'à mesure que nous nous élevons, nous changeons d'angle aussi. Nous allons vers une plongée dans cette dernière cage. Donc, il y a un montage qui, au début, est juste une élévation et tout à coup l'œil bascule avec cette plongée magnifique sur le, le, le dessus du major et c'est un oiseau au premier plan. Non seulement ne m'ébranlent pas mais ne peuvent même pas me toucher et me laisse libre dans mes émotions, mes réactions nerveuses et mes vues mentales. Pendant ce temps, le magnifique train à vapeur file à travers les grandes prairies fertiles du deuxième niveau, emportant l'espion du major et sa jeune compagne vers Armjout. C'est la capitale. Donc, il y a cette espèce de leitmotiv qui commence à devenir comique c'est un des jeux verbaux du majeur, de, de, de mes plus, pardon, c'est qu'il nous est dit à chaque fois qu'il est question jourdes que c'est la capitale euh, donc jourdes, la capitale et là entre parenthèses nous avons c'est la capitale pour être comme si c'était une information mais c'est assez intéressant là aussi parce que le fait de le rajouter comme une information nous laisse perplexe sur le fait que nous soyons nous mêmes toujours à la même place c'est à dire que Puisque tout semble glisser à l'intérieur de cet univers, euh, comme un, un, un monde fait de, de pelures d'oignons euh, prises les unes dans les autres, euh, où, où chaque chose peut, peut être déplacée euh, au gré d'une de ces sphères, passer d'un niveau à un autre, euh, ou coulisser à la surface d'un de ces oignons, on pourrait euh, soi-même, en tant que lecteur, se demander euh, si on est euh, au, au même endroit, dans la même disposition. Euh laissant supposer que dans le multivers, un, un autre nous a déjà reçu l'information et pas celui-là, qu'il s'agit de la capitale. Alors, vous ne pouvez peut-être pas... Bon, je ne sais pas si vous avez l'habitude des trames, mais au cas où vous ne sachiez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Parce que... Je ne sais pas. Vous avez vu qu'il y a des nuances de gris supplémentaires qui apparaissent sur ces planches. Elles sont produites mécaniquement, vous le voyez, mais euh, le travail pour poser ces mécanique et lui extrêmement manuel. C'est quelque chose qui se trahit à certains endroits, comme par exemple, on voit ici. Je sais pas si la caméra fait la mise au point. Oh la coquine hein. Oh c'est brûlé ça. Attendez, on va peut-être couper la lumière. Voilà, comme ça vous voyez peut-être. On voit ici. Et je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit manque en bas. Et il y a un manque sans doute parce que la trame était chère. Donc on, on, récupérait, toujours, on récupérait toujours les morceaux de trame euh, qui avaient été un peu découpés pour ne pas jeter ce qui restait sur la plaque. Donc voilà la trame, à quoi ça ressemble. Ce sont des feuilles euh, de plastique. Voilà, autocollant. Donc voilà un bout de trame. Vous voyez, on les gardait toujours. Moi je gardais toujours mes bouts de trame, je les garde toujours. Hein. Parce qu'ils peuvent toujours resservir et être utilisés un peu plus loin. Même pour un petit bout, si on a besoin d'une toute petite zone de gris. On peut la poser comme ça voilà un bout de tram qu'on va vous montrer qui peut griser hein, une zone comme ça hop je vais enlever ça que vous voyez ça de près ça ressemble à ça voilà et alors comment ça fonctionne bah, c'est très simple vous euh, vous dessinez j'ai pas que cutter sous la main euh, non j'en ai pas mais c'est pas grave euh, par exemple vous dessinez un enfin, j'arrive Vous la frottez à l'endroit où vous voulez dessiner et. Euh avec un cutter, évidemment pas ce gros cutter là, hein. il ne faut pas faire ça avec ça, on fait ça avec un petit stylet ou un petit cutter fin. Vous, euh... ah, je ne vais pas le faire dessus pour pas bousiller mes feuilles de trame, vous enlevez l'excédent comme ceci, en prenant bien garde évidemment de ne pas déchirer le papier, vous vous contentez d'effleurer de... le bazar pour pouvoir ensuite enlever l'excédent. Voilà. Et. Vous avez grisé voilà, la petite portion qui vous intéressait. Alors, hop, comme ceci. Alors, évidemment, vous vous retrouviez toujours à l'atelier avec euh, des tas de petits bouts de trame qui collaient dans tous les coins. C'était chiant comme la pluie. Euh, voilà, hop. voilà, vous avez grisé cette petite partie. Et donc, des trames, vous en avez euh, de toutes les sortes. Des foncés, des clairs, euh, des lignes, euh, des motifs, euh, etc. etc. C'est différent de ces trames-là qui sont des trames à frotter. Voilà. Voilà, typiquement la belle trame à points euh, qui a tellement fasciné euh, les peintres pop. Et qui fascine les dessinateurs et dessinatrices eux-mêmes. Hein, qui, qui ne manquent pas de les, les faire rejaillir sur leur page, de les rendre euh, visibles. Voilà, voilà, voilà. C'était le petit moment technique. Donc voilà pour la trame qui apparaît ici par-dessus euh, le dessin de Moebius nous arrivons à l'épisode suivant qui ne numérote pas celui-là donc euh, nous avons juste un petit titre qui est euh, illustré avec un, un mélange à la fois d'imagerie d'épinal, on voit deux petits personnages sens qui font penser aux imageries d'épinal mais avec une sorte de référence aussi aux manuscrits médiévaux et à, aux, aux petites silhouettes, aux figures aux drôleries qui hantent les marges des manuscrits du XIIIe ce genre de choses résumé L'ingénieur Barnier, complètement parano à la suite de la machine spéciale qu'il a cassée, s'est réfugié dans les cavernes chantantes. Jerry Cornelius roule vers Armjout, la capitale du deuxième niveau, à bord de son QG insaisissable, dit la légende, mais toujours en liaison, cependant, avec son fidèle Jasper. Le major Gruber a quitté le Siguri, décidé à affronter en personne l'envahisseur de son univers. Quant à Samuel El Mohad, l'espion, il roule à travers la grande banlieue de la capitale du deuxième niveau dans un splendide train à vapeur, accompagné par sa fiancée. Soudain, le soudain correspond à l'arrivée dans le champ de ce que vous voyez en bas à gauche, évidemment, qui est ah, qui est cet avion. C'est-à-dire qu'on arrive à un troisième poste d'observation. Il y a beaucoup de choses qui sont... Alors là, est-ce que c'est la hantise Est-ce que c'est ce qui vient hanter, c'est le caractère <laughs> littéralement hermétique de l'Hermès trismégiste. mais juste. Mais le rythme ternaire est un petit peu obsessionnel, vous le verrez. Bon, évidemment, c'est un monde à trois niveaux. Euh, le, le rythme ternaire est un petit peu présent tout le temps ici. Et... Euh... Et c'est assez marrant de voir qu'il l'est aussi dans la question des postes d'observation. Parce qu'on a le Siguri, on a Jasper depuis son vaisseau, et on a cet avion qui n'a pas encore de nom, mais qu'on va voir apparaître régulièrement et qui vient d'entrer en, en, en place. Et euh, voilà. Alors, Fleur a trois niveaux. Et euh, c'est intéressant que, de voir que ces trois niveaux, on pourrait aussi imaginer. Là encore, une allusion au dispositif de, 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 la, de la philosophie hermétique. Euh, selon Bacon, vous savez, le, je vous ai parlé de la traduction par Bacon hein, du corpus, euh, Hermès était dit, dit était triple, par la triple nature de sa philosophie. Philosophie euh, naturelle, morale et philosophie métaphysique. Et euh, il est tentant d'imaginer que, que si... Euh, si Gruber a pensé son monde triple, il a pu le penser comme ça. Et vous verrez d'ailleurs plus tard que le, le premier niveau, le niveau Fleur, de, conçu au départ par Dame Kowalski, euh, est vraiment euh, connoté pour euh, son rapport à la nature. Donc ça inclinerait à cette petite lecture, évidemment c'est abusif, mais c'est toujours abusif, de, de se lire à ce genre de conneries. Qu'est-ce qui se passe ah, Excusez-moi, j'ai mon côté qui se prend littéralement dans le tapis extrêmement mal pratique ah, c'était un petit passage euh, abusivement herméneutique ne m'en veuillez pas trop donc rentre cet avion dans le champ et voilà ce qui va se passer quelle architecture étrange oui n'est-ce pas les voilà et alors, on a une très très belle vue plongeante hein, sur euh, sur la cité sur la, la capitale du deuxième niveau et voilà ce qui se passe le train Arrive dans l'espace euh, du visuel. Nous sommes depuis l'intérieur du wagon. Disparaît d'une certaine manière la menace de la page précédente. Et ça donne une force assez considérable à ce qui va se passer dessous. Voici des heures que nous roulons. Donc c'est Moana qui parle. Toute cette partie remarquable. À part les détails habituels, l'impression de réalité saisissante. Donc on comprend que elle, elle est parfaitement au courant. Tout ça est faux et artificiel. Et ça, ça, ça établit des différences de statut assez considérables entre les différents protagonistes du récit, vous pouvez l'imaginer. Personne ne sait, euh, pas, le lecteur, pas vraiment. Juste des petits indices comme ça nous font pour, pour, pour concevoir qu'il s'agit d'un monde artificiel, mais en fait, on n'en est jamais réellement informé. Il y a des petites phrases de ce genre qui nous disent que certains des protagonistes, de ce point de vue, ont des informations que nous n'avons pas. La bombe explose près du square de la feuille de rila. Heureusement, presque désert à présent. Une explosion. On nous bombarde, Samuel. Nous sommes découverts. Mais que se passe-t-il Le square de la feuille de rila. C'est plutôt intéressant. Euh, je vais vous montrer ce qu'est une feuille de rila. Moi, quand j'étais fumeur, c'était mon, c'est ce que j'utilisais euh, quand je roulais mes clopes. Je ne sais pas si le, le rila existe encore. Euh, donc au cas où il n'existe pas plus j'ai pensé que ce serait marrant de vous en montrer tout simplement hop voilà Alors. voilà ça c'est du riz là donc c'est euh, du papier à cigarette alors le premier, le prototype, c'est un papier à cigarette dans le... Je crois que c'est au fin 18e ou début 19e hein, qu'il a, qu a été créé, ce, ce papier. Euh, ça, c'est les, les premiers paquets. Ah non, c'est 19e, 19e. Attends pas, au moins 1880. Voilà, c'est écrit dessus. Euh, donc, ce papier il croix. on peut supposer tout bêtement, euh, là, un, un vrai processus euh, sensible d'improvisation. A votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir sur la table de bus qui traînait ce jour-là euh, sinon du matériel pour se rouler des gros joints et très probablement une feuille de rilacroix. Évidemment, le, le papier rilacroix, en soi, il est porteur hein, de... Vous l'avez vu, il est frappé de cette espèce de croix. Son, son nom est une énigme. Enfin, tous les enfants qui le voyaient pour la première fois ne regard... comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Moi, je sais que la, la première fois de ma vie que j'ai vu cette drôle de choses... Tu t'endors, Lionel. Bon, écoute, à la prochaine fois. Tu verras la suite plus tard. OK. Les, les enfants qui voyaient ce truc étaient, trouvaient ça terriblement mystérieux. Et euh, je, je crois que même pour un adulte, c'est encore porteur de promesses, cette fiction. C'est tout à fait fascinant, ce, ce -la croix Et euh, moi, je pense que, que c'est pas mal aussi de se dire que dans un processus d'improvisation, on est dans une gigantesque opération de change. Tout peut tout devenir. Les objets les plus insignifiants sont porteurs de, de promesses juste par la résonance de leur nom, par un signe dont ils sont frappés. Et tout ceci peut devenir facilement une nouvelle forme et complètement autre chose. Donc c'est aussi ce qui doit nous retenir, de nous endormir dans, dans les, les visions purement symboliques de, des récits, qu'il s'agisse de s'agisse de de majeur fatal ou d'autre chose c'est de bien penser que on n'a pas besoin d'une cause profonde pour produire des formes profondes. Des choses euh, extrêmement légères, insignifiantes et quotidiennes peuvent amener à produire euh, des, des grandes forces et des des, oui, des choses d'une grande profondeur. Le titre va arriver donc à la troisième case. Je vous le fais tout de suite. Le garage hermétique. Résumé, le joli train à vapeur qui transporte Sam, l'espion du Major vient d'être attaqué par un mystérieux aéroplane. Donc on retourne depuis l'intérieur du train. C'est le moment. Ils ne bombardent quand même pas ce beau train à vapeur, rien que pour nous. Alors c'est qu'ils sont capables de tout. Billet, s'il vous plaît. Tiens, ça alors, j'ai perdu mon billet. Ce passager, donc, c'est le même depuis le. qu'on a pénétré dans dans ce, ce champ de, du récit n'a aucune espèce d'importance pour la suite. Il apparaît et disparaît et euh, nous n'aurons plus jamais affaire à lui par la suite, dans mon souvenir. Cependant, l'ingénieur Barnier s'est égaré dans le dédale des cavernes chantantes. C'est seulement là qu'elles apparaissent plastiquement, ces cavernes chantantes. Ça fait aussi partie de la façon dont, dont les choses sont très dilatées et, et joliment dans le récit, au même titre que les personnages euh, ne sont nommés que très longtemps après qu'il soit apparu dans le champ. Ça, c'est très souvent le cas. Également, euh, on peut parler d'une chose que l'on pourra constater, visuellement, que bien longtemps après, sans être certain que ça arrivera. Comme si mes buts se, se retenaient à chaque fois euh, de, de transformer une invention lexicale en invention formelle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Ça, c'est chouette. Barnier avance vers nous. Il a l'air intrigué par quelque chose qui se passe à l'avant-plan, un repas. Est Ce qu'on Quelqu'un qui vient vite. Dissimulons-nous. Ça alors donc Barnier a ramassé un bol et des baguettes. C'est étonnant, <laughs> donc. Il s'apprête à bouffer un truc qui traîne. Chapitre suivant L'hermétique garage de Jerry Cronelius. On a à nouveau basculé graphiquement. On a un dessin très limpide qui revient vers une dimension grotesque, donc qui, d'une certaine façon, dialogue avec euh, l'épisode qu'on avait vu euh, qui était euh, rehaussé à la trame où euh, le major se faisait chier dessus. Toujours avec cet étrange animal, euh, le malraux, donc, euh, qui, sur lequel il, il, euh, il se promène. Parfait. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Le mausolée L33 n'est jamais gardé à cette heure de la journée. Résumé, pas de résumé aujourd'hui. En avant, semi aquatique, ami. Ce que j'aime dans le garage hermétique, c'est la variété infinie des moyens de communication entre les trois niveaux. Ah, je crois que là... Ah, mais je ne vous ai pas montré la page, je suis con. Voilà, c'est de ça dont nous, nous parlons. C'est cette chose-là. On avance, semi-aquatique ami. Ce que j'aime dans le garage hermétique, c'est la variété infinie des moyens de communication entre les trois niveaux. On en revient donc exactement à ce que je vous disais. Ce dont on n'est pas en train de parler, dans ces trois fameux niveaux, qui sont là vraiment nommés je dirais, de, de façon explicite euh, par euh, ce qui est important de leur nature, cest à dire d'être câblé ça peut-être que, que ça nous dit quelque chose de, de tout ce qui se joue depuis le début euh, euh, comment dire avec la mécanique d'improvisation une fois de plus euh, le mot câbleur comment dire quand quelque chose est posé sur le papier puisque rien ne pousse sur une planche que tout est dessiné euh, certes il peut l'être de façon quasi accidentelle quand on improvise mais euh, son motivation sa motivation à apparaître même si elle est imperceptible euh, et porteuse de poursuite et d'extension, quelque chose qui est apparu a toutes les chances de se poursuivre dans quelque chose par la suite. Il y a un côté trop tard. Le câbleur est porteur, juste sémantiquement, de promesses de quelque chose à l'intérieur du récit. De la même manière, chaque chose qui est dessinée ou annoncée viendra construire, sans qu'il soit si nécessaire que ça nous en montrer tous les détails, toute la complexité du monde de Gruber. Le monde qu'il a construit, son astéroïde à proprement parler, et celui que Mébius construit autour de lui, pour en rendre compte. Je ne peux pas dire malheureusement que celui-ci soit mon favori, franchement non. Donc, ce niveau n'est pas le favori. Et il approche donc ce poste L33 que nous n'avions pas vu, que lui voyait de loin. Et ça fait encore partie de cette capacité. C'est vraiment récurrent. Hein. Il annonce dans la case 1 qu'il est en train de regarder quelque chose. Nous ne voyons pas ce qu'il voit. Et c'est seulement à la page suivante que nous sommes invités à découvrir de quoi il parlait. D'une certaine manière, Mébus, par là, est hyper euh, malin. C'est par ce procédé systématique qui nous entraîne littéralement dans le récit. Chaque case et éclaireuse des autres, pas parce comme un moment, mais comme un point de tension. c'est pas juste une séquence, c'est un, une tension entre deux pôles. Et nous sommes pris dans cette tension. Je ne peux pas dire malheureusement que celui-ci soit mon favori, franchement non. Mais il va me permettre une entrée discrète dans Arme jour la perle de la tournoi. Donc, une espèce de construction colossale, très belle, qui ne charpente pas que le monde, mais qui soutient toute la page, comme si elle était une espèce de, de télémon, euh, comme s'il était, euh, oui, c'est ça, une cariatide. Et elle est frappée d'un symbole que vous reconnaissez sans doute. Hein. C'est euh, à la fois, évidemment, il réfère au Ruban de Mébius, c'est certain. Euh, vous y reconnaissez ce fameux ruban, mais il est là. Euh, il C'est un, une créature composite qui est là, puisque vous y reconnaissez également l'ouroboros. Euh, l'ouroboros est une très très vieille figure. On voyait apparaître des ouroboros déjà dans l'Égypte antique, je crois. Euh, on est au-delà du millénaire avant l'art chrétienne quand, on a, quand il apparaît euh, pour les premières fois sous forme d'anaglyphes. C'est un, un, un serpent. Euh, qui se mord la queue, c'est euh, plus ou moins un symbole cyclique de, de, de l'éternité, enfin, du, du cycle, des cycles qui sont pris é, é, éternellement les uns dans les autres et qui constitueraient une image euh, de l'éternité. Le robot est peut-être aussi une, une créature frontalière entre, euh, entre l'océan primordial, le noun, et euh, le, le monde réel, le monde sublunaire, le monde des choses. Également, on ne peut pas ne pas y voir à cet endroit-là euh, des propositions faites par Mébius. Une troisième invocation, euh, c'est celle du signe euh, infini, euh, qui a été euh, créé par un mathématicien, je ne sais plus c'est Wallis ou quelque chose comme ça. Euh, et c'est par exemple ce signe l'infini. C'est pas la première fois, enfin pas la seule fois historique où, il est, où je le rencontre, moi, confronté à l'idée qu'un récit a une extension continue avant et après lui-même, qu'il est pris dans quelque chose que rien n'arrêtera, ce qui pose la question évidemment à la fois de son statut et du statut de la création, puisque évidemment si elle est prise dans quelque chose qui l'excède, alors ça remet complètement en question le caractère décisif de ce qu'elle construit. Et donc le, son apparition, c'est dans, euh, dans, comment, dans euh, le livre de Pierre Guyotat, le livre hein, qui s'ouvre par un signe moins l'infini, se ferme par un signe plus l'infini. Alors, une illustration documentaire de pratiques ophidiennes. Euh, comme illustration documentaire de l'ouroboros, j'ai prévu, hein, je, je crois ouais, que j'ai un truc. Euh, mais euh, je ne suis pas certain qu'il existe. Enfin, si tu parles de pratique ophidienne, si tu veux dire par là que les, les serpents se, se mordent réellement la queue, je ne suis pas sûr de ça. Euh, mais après tout, on pourrait faire une recherche sur les serpents se, se mordant la queue. Je crois juste que je vous ai trouvé un, un, un ouroboros euh, dans mes souvenirs. Ouais, regardez ça. J'avais complètement oublié ça. Heureusement que tu es là. Voilà. En voici, hein. mais euh, j'ai pas d'exemple euh, purement Ophidien. J'ai pas d'exemple de vrai serpent qui se morce à la vraie queue. Voilà, si tu as un lien, <laughs> pourquoi pas? Alors, poursuivons Le garage hermétique de Monsieur Jerry Cornelius. Nouvel épisode par Mébius. Et il y a un petit astérisque latique qui envoie en bas à gauche, Mebius, primé à Angoulême. Ton préféré, c'est l'ouroboros des chats. Ah ben oui, Echer, il, a, il, a, il a adoré, évidemment. C'est une figure qui pouvait que hanter ce zozo là Salut à toi, Thierry les et bienvenue à bord. Évidemment, c'est la figure euh, qui, qui est pleine de promesses pour lui. Euh, je, vous, si vous ne connaissez pas dans le chat, on peut, on peut aller le chercher, comme vous voulez, ceci dit. Euh, après tout, vous pouvez le chercher aussi. Alors, euh, on va rentrer avec le majeur. Ce qui est très chouette, évidemment, là, la, la double page, ça l'intéresse, que vous voyez en bas à gauche, là, cette confrontation est particulièrement belle parce que par là même, on comprend quelque chose de ce qu'est chez Mébius. la joie du dessinateur à produire... C est, c est, c est, cette granulation graphique, cette espèce d'excès du graphisme hérité de la gravure chez beaucoup de dessinateurs et dessinatrices. À quoi, enfin, à quoi ça 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 ça, ça raccorde Ça raccorde à une nécessité, l'impératif de distinction des masses pour produire des effets de volume, de profondeur, et des illusionnismes, si vous voulez. Donc il y a dans euh, le jeu des hachures un recours. Un recours technique pour produire des ombrages. C'est une sorte de nécessité dont on pourrait dire qu'elle est bien équipée, appareillée le dessin pour qu'elle puisse produire des effets de profondeur. D'accord Ce qu'il y a de magistral, évidemment, c'est que chez Mibus, il n'y a aucune nécessité à le faire. On voit bien dans la page immédiatement en face que avec trois bouts de ficelle, et on peut le voir d'ailleurs depuis le début, quand on a les vues plongeantes sur le Betrave 2000, tu n'a besoin de rien pour construire de l'espace. Euh, il est capable de, de fabriquer euh, de la profondeur, de la contre-plongée euh, avec un dessin très filaire, tout merdouillou. Regardez par exemple dans les promenades planches euh, du, du rayon de Barnier, il euh, y, y a besoin de trois fois rien. Il, il sait, regardez ici, très caractéristiquement, il n'y a pas un endroit... Sur cette planche-là, vous vous souvenez, la planche qui était en plongée sur la capitale Armjoute, il n'y a pas un moment où il nous manque quelque chose de la profondeur euh, de ces volumes, de leur agencement, et, et, et je dire, sans aucune forme d'ambiguïté. De, enfin, les deux planches magistrales de l'avion en chute qui vient faire exploser le square de la Rila, je pense que c'est très exemplaire pardon, de ce savoir-faire de mes bus. Et là, évidemment, dans cette double planche, ça explose. Nous avons là l'extrême retenue de la constitution de cette case de droite que vous êtes en train de regarder en plus grand. Et juste en face, évidemment, nous avions euh, celle-ci. Voilà. Voir ces, ces deux choses se suivre, je dirais que c'est... Euh... Ça nous dit quelque chose du bonheur à dessiner de Mébius, qui passe par tous les états possibles, ce qu'offre le dessin. Les pages qui suivent sont des grandes constructions colossales de type péplum, quasiment, avec des grands espaces très chargés de personnages. Et, et là encore, une aptitude à rendre lisible chaque détail sans qu'on ait une impression de fouillis bordélique. Il y a une rigueur qui est tout à fait stupéfiante et un savoir-faire rarement atteint. Il se coupe en quatre pour se mordre la queue celui de des chairs, oui. Il se plie en deux pour se couper en quatre. D'accord. Vous voulez vraiment le faire apparaître, c'est ça. Vous insistez juste pour qu'on aille chercher euh, l'ouroboros déchère. C'est ça, en fait, que vous faites. Alors. Allez, je vous le cherchez, bande de fatigants hein. L'ouroboros déchère. Alors, alors. Le voilà. Et voilà. Allez, on poursuit. Donc, où sommes-nous Alors ça, c'est très... C'est à la fois... Enfin, on retrouve dans cette aptitude de, de Mempus à construire euh, avec euh, pas grand chose euh, des espaces qui laissent supposer, une fois encore, des grandes antériorités composites. Je crois que c'est quand même le, le, le caractère le plus, euh, le plus fascinant de toute façon de, 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 de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un caractère à hiérarchique euh, des intrigues qui, sont, qui arrivent là. Un caractère hiérarchique des procédés de mise en forme, un caractère hiérarchique des modes du dessin et, et des genres. Vous voyez, il n'y a, a pas euh, le joli beau dessin académique et le dessin burlesque à 1000 km les uns des autres. Il déhiérarchise euh, également les intrigues, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'elles euh, soient toutes placées à un même niveau d'importance à un certain moment il y a une hiérarchie des genres. C'est-à-dire qu'il compose les intrigues comme autant de mondes parallèles complets. Qui sont croisés, qui sont pénétrés ou qui sont quittés, dont la crucialité réelle, elle est implicite à leur déroulement. Est -à que les, tous les caractères d'importance du déroulement de telle ou telle intrigue, elle appartient, je dirais, à l'importance des, des corps et des vies qui sont prises dedans. Ce serait ça la crucialité réelle. Mais il y a un tri qui est opéré par l'histoire en cours, qui va et vient entre ces portions de récit, vous voyez, qui est, qui n'arrête pas de changer le statut. Euh, du récit en, en déplaçant la focale de de l'intrigue dans des intrigues parallèles, dans des dessins parallèles, dans des mondes parallèles qui ont un même niveau d'importance et de capacité à exister et à statuer dans l'histoire, à avoir des rites, à avoir euh, des archéologies, à avoir des constructions politiques, etc. Et là, on est en plein là-dedans. Aïe, je tombe en pleine réunion. Les champs sacrés de Shiram. Quelle beauté. Allez-y, continuez, vous occupez pas de moi. Carrément. Ah, c'est très drôle. Donc le, le personnage en bas, alors je vais vous montrer quand même parce que c'est vraiment bidonnant. Donc on a notre père Major Fatal qui déboule en plein champ sacré de Chirame. Et cette espèce de cochon donc, euh, perturbe la cérémonie en, en venant s'intercaler entre, euh, entre le lecteur. Euh... Donc il y a un lecteur qui est là et il y en a un qui est là et qui dit carrément qui est en train probablement de lire le livre de cérémonie Donc on retrouve bah, une allusion euh, à, à toutes les... À que ce soit la lecture de la Torah à la Bima, ou la lecture de la, la Bible à la messe, on retrouve les... Ah, il ne veut plus euh, diminuer ce con. C'est important Ah bah là, c'est un peu compliqué. Ah là. Oui, vous êtes très très sage ce soir. le Qu'est-ce que tu as mis Le lien ne fonctionne pas sur le chat mais c'est le bon nom de la lithographie. c'est un autre euh, Ouroboros que... Euh, c'est très joli, mais c'est pas celui-là, pas grave. Tu ne veux pas faire dérailler la lecture, bien que ce soit le sport national du stream. C'est vrai, c'est le, le stream qui déraille le plus, mais alors, est-ce qu'on peut aller voir ce que Glitch nous montre quand même On va voir ça. Allez. On va glitcher nous aussi. Ah, c'est celui-là, je vois, je vois. Ouais, je vous montre les gens. Euh, mais non, c'est pas ça. C'est ça. Hop, voilà. D'accord, mais ah ben, je trouve moins fameux que l'autre quand même. Là, on est plus dans, euh, dans la vulgate de l'Ouroboros pratiquement. Alors, d'accord, on retrouve le plaisir d'échelle avec cette espèce de constance à, à, à rendre ambigu euh, les, les volumes à, et les profondeurs, mais je l'autre était finalement plus échérien que celui-là. Hein bon, un peu, non Si, oui. Donc, qu'est-ce que je disais avant de me laisser porter par vos conneries euh, Comme d'habitude, n'est-ce pas Je lisais ça, voilà, la page suivante. Donc, il vient de, de perturber une cérémonie. Et vous avez pu remarquer donc, que le lecteur dont je vous montrais le livre lisait quoi Il ben, lisait euh, le garage hermétique. En tout cas, c'est ce qui s'affichait sur le gros livre qu'il était en train de lire pour la cérémonie. On retrouve cet avion. Vous voyez dans le ciel, on retrouve clairement l'avion qui a lâché une bombe. Donc il est toujours là. Euh, ce qui est, euh, nous renseigne, c'est qu'il enfin, il, il hante ce niveau. Il hante ce niveau, comme le Sigouri hante, nous pensons, un espace différent, nous ne savons pas encore lequel. Je crois que le, le récit ne nous permet pas encore de le savoir. Il y a l'espèce de ses cheveux spatials de Jasper qui lui hante le, le niveau 1. Et cet avion, dont nous ne savons rien, sinon qu'il a bombardé la garde armée. Et qui, euh, qui hante ce niveau-là, et qui hante la page, qui la surplombe. Là, il y a une très belle composition de page. Regardez, on a une contre-plongée de l'avion casse du haut. Tête levée, nous voyons son dessous. Nous arrivons à un niveau, au niveau des yeux, c'est-à-dire très précisément pris dans la foule où se trouve le major pour la case centrale. Il dit Je dois maintenant trouver un certain grade. Et nous basculons dans une légère contre-plongée pour voir le registre suivant de la page. Là, on a carrément un mouvement de la tête qui descend, en lisant la plage, c'est-à-dire que c'est le mouvement naturel de la lecture, mais c'est aussi celui d'un véritable basculement du regard euh, qui est tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est une, une des très grandes planches de euh, Major Allez, petit moment d'admiration passé, on continue. Autant chercher une anguille. À l'arrière-plan, on voit deux nouveaux personnages qui interviennent, qui ne sont pas encore nommés. Celui de gauche, sera nommé, je crois, dans une vingtaine d'épisodes. <laughs> Il y en a plus une vingtaine, mais bon. Dans une quinzaine d'épisodes. Le prochain sera bientôt nommé. Je ne vous en dis pas plus. Mais on voit donc apparaître de nouveaux personnages qui viennent talonner, euh, talonner, euh, comment, notre ami Gruber. L'avion. Intervient là de façon complètement arbitraire, sauf pour produire une espèce de frise dans la page. Il a pratiquement une fonction décorative euh, d'un registre qui viendrait comme une frise entre les deux niveaux. Tiens, c'est bien un triclot, mais ce n'est pas grade. Intervention donc d'un autre personnage, grade, mais qui intervient parce qu'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on apprend simultanément qu'il existe un personnage qui est grade, mais nous sommes privés de son arrivée dans le récit puisque le majeur se trompe. Et euh, nous savons qu'il se trompe parce que, regardez ce qui est écrit ici, je vais vous montrer. C'est un fauteuil réservé au personnage d'arrière-plan. Si le major était apparu par derrière, il l'aurait su et n'aurait pas eu à soulever son bonnet de triclot. Épisode suivant. Alors, le chat est son propre garage hermétique. Ouais, c'est vrai que vous êtes ça je trouve. Vous glitchez très peu. Le garage. Donc là, le titre est raccourci euh, au maximum. C'est pas la première fois. On a, vu, hein, On a déjà rencontré le garage comme titre. Résumé. Groubert habillé en major. Du coup, ça, c'est étrange. Hein Groubert habillé en major. Vous noterez qu'il porte une mallette aussi depuis, euh, depuis qu'il a débarqué. Hein. C'est important. Il ne la quitte pas, cette petite mallette. Elle va avoir une, une importance considérable, il ne la quittera plus, elle va devenir un élément crucial. Je ne sais pas si à ce moment du récit, le seul fait de la porter est une promesse que Mébus se fait à lui-même. Il y a un truc qui va arriver avec cette maladie. Je ne sais pas encore quoi foutre dedans, mais ça peut être marrant. Ou alors, au contraire, a-t-il déjà une vision à long terme Vous noterez que le petit 8 qui apparaît en haut de la porte où se trouve le major, euh, se mord la queue encore. Donc, c'est une propriété du niveau. On doit en déduire que c'est peut-être un niveau qui se mord la queue lui aussi. Et d'ailleurs, le, hab... le Groubert habillé en major, on laisse supposer qu'il a plusieurs autres types d'existence sous autres formes de corps. Effectivement, cette corporalité sera dévoilée à la fin. Mais Là aussi, ce pont ne peut pas être tout de suite tiré. Avec un grand luxe de détails, il a d'abord tourné à gauche, puis suivi une galerie, puis fini par franchir une sorte de porte. Et ça, c'est très marrant, parce que, évidemment, le grand luxe de détails, nous, nous ne l'avons pas eu. Il n'a pas dessiné ce qui s'est passé entre l'épisode précédent et celui-là. Et là, c'est très intéressant, parce que le lieu de passage, c'est le mois qui s'est écoulé, évidemment, entre les deux épisodes. On peut supposer que, pendant un mois, le majeur a marché. Ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a un grand luxe de détails, en tout cas, dont nous sommes privés, mais nous en sommes quand même avertis par un effet purement rhétorique. On peut dire que c'était assez drôle de voir ce, ce à quoi vient se substituer cette proposition. Pouah, quelle odeur épouvantable! Puis il longe une longue paroi contre laquelle s'adosent des centaines de targro. Alors vous notez les petites bestioles hein, qui, sont penchées, euh, qui sont posées euh, sur, sur la rambarde, qui font penser énormément à, à la mouette à béton, évidemment, qu'on retrouvera dans l'incal, à tous ces animaux euh, à la fois mou et durs, enfin, qui, sont, euh, qui sont faits d'une espèce de matière euh, dont il est difficile de, de croire qu'elle puisse être organique et animée. Euh, avec laquelle il constitue souvent des figures qui sont à mi-chemin entre les univers plutôt euh, académiques de son dessin, qu'il euh, campe parfois, et le cartoon dans il est, par lequel il insère euh, ces, ces bestioles. Hein. Quelle odeur épouvantable, dit-il. Bah, qu'est-ce que j'ai fait, moi ah, J'ai déjà été à la page suivante, je suis désolé. donc J'étais en train de regarder ça, et voilà. Me serais-je perdu dans ce dédale Cependant, l'ingénieur Barnier qui. Barnier, sortez de derrière cette colonne. Alors là, il joue un jeu très intéressant. C'est que un personnage coupe la parole au narrateur. Vous avez le narrateur qui parle là dans un hors-texte. Cependant, l'ingénieur Barnier, donc deuxième case, le phylactère arrivant à l'arrière-plan coupe la parole à proprement parler à ce descriptif. Il euh, y a souvent des modes d'intervention comme celui-là. Qui rappelle le caractère artificiel de la voix off et euh, qui, du coup, brise complètement l'effet immersif qu'elle est censée supposer. En la rappelant alors de cette manière, en permettant à un personnage de lui couper la parole, évidemment, euh, Mepus casse quelque chose des usages. <coughs> Posez ce bol et suivez-moi. L'archer emprunte alors un couloir qui semble s'enfoncer jusqu'au cœur de la montagne. Plouk, plouk, Bengalo, Bengalo, sting Stingloup. Ce Barcol sur la civière, c'est étrange, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Mon cher Barnier, votre comportement depuis le début de cette affaire m'intrigue passablement. <coughs> Excusez-moi, je suis désolé. Donc là, évidemment, on vient de rentrer de plein pied dans une mention burlesque avec cette espèce de bestiole sur une civière. Il va être assez difficile voilà. quand mes bus n'arrêtent pas de jongler comme ça entre, entre le sérieux et. Et l'aberrant, c'est très, très difficile aussi de, de trouver une cohérence au monde lui-même. Parce que c'est affecté euh, au, au, dans le régime dessin, c'est affecté dans le régime narratif, vous dis, évidemment, ça allait beaucoup euh, dans les genres. Il y a un truc sur lequel je ne m'étais pas arrêté, que je vais quand même vous montrer, qui est vraiment intéressant, c'est <laughs> ceci. Regarde. Euh, Mébius, ici, fait un jeu assez finaux euh, et complexe à penser entre. Le dispositif d'avant-plan qui est traité avec un certain graphisme, on pourrait dire le fameux graphisme minéral, euh, manière, euh, comment on pourrait dire, non motivée de produire des effets de masse. C'est quoi, manière motivée, non motivée On pourrait dire qu'une manière motivée, c'est comme celle que vous observez sur le personnage d'arrière-plan, c'est quand les rayures que vous posez sont conditionnées pour leur direction par les volumes sur lesquels elles sont posées. C'est comme si elles en épousaient euh, les propriétés volumétriques, comme si elles en épousaient euh, la profondeur, la hauteur, etc. Alors que quand elles ne sont pas motivées, elles n'ont pas d'autre euh, fonction que de produire des valeurs, des valeurs de gris. Ici, il fait cohabiter les deux, mais de façon <coughs> troublante, vous voyez que les personnages portent sur eux ce que l'on doit interpréter, non pas comme... Un maquillage fait de rayures, mais bien à cause de l'arrière-plan, comme une zone d'ombre dans laquelle ils sont pris. Et pourtant, ce qui vient troubler la lecture, évidemment, c'est le fait que l'archer porte un costume à rayures, avec des rayures qui ont le même écartement et qui n'ont pas du tout la même fonction, mais qui, comme ces rayures, euh, qu'on pourrait dire de nuance, de valeur, qui de la même manière qu'elles empruntent les volumes de la cuisse, évidemment, puisqu'il s'agit d'un décor sur le tissu, et, et, et donc sont forcément motivés. <laughs> ah, Excusez-moi, je vais couper un peu. Je ne suis pas obligé de vous infliger ça. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qui montre que Mébus a vraiment une réflexion euh, assez pointue sur euh, sa discipline et sur les moyens de sa discipline. Sur, euh, voilà. On continue. Le garage hermétique de Jerry Cornelius résumé. Enfin, c'est marqué résumé d'avant. Ce qui, qui d'un seul coup plonge vertigineusement dans, dans l'idée d'un résumé d'après, qui serait tout à fait possible dans un tel monde. Tout le monde se demande ce que... Peut bien chercher le Major dans les fongieux bas fonds de la capitale. Maintenant il est égaré, perdu, il n'en sortira jamais, murmurent certains, alors que d'autres ne savent que dire. On va bien voir. L'air résumé prend de plus en plus de liberté de ton. Pour l'instant, pas de, de liberté vraiment narrative. Pour l'instant, c'est à peu près connexe, mais il y a quand même une liberté de ton. Et il y a un petit personnage qui apparaît, vous voyez, à côté du titre. Alors, ce titre, qu'est-ce qu'il est? -ce qu est euh, alors, je ne sais pas si c'est... Euh... Si c'est une allusion directe ou pas, c'est pas la première fois dans ce récit, et c'est pas la seule en tout cas où Mébius va construire euh, le titre lui-même comme une espèce de, de temple monumental, mais il y a une tendance euh, qui est héritée, à mon avis, enfin, c'est une hypothèse que vous avez le droit de balayer d'un revers de la main, mais j'aurais tendance à penser que ça vient de ça. Alors, c'est la période où sortent ces films-là film majeur de l'histoire du cinéma, que sont les films des Monty Python. Qu'on est en plein dans cette période, c'est euh, les très grands films humoristiques, euh, non-sens anglais, euh, qui réunissent les petits génies, euh, Terry Gilliam, euh, John Cleese, euh, Terry Jones, euh, Michael Palin, euh, Eric Idle, que j'oublie pas, Eric Idle, c'est important. Donc cette bande de zouaves euh, produit des quelques longs métrages et on voit fleurir partout sur les murs des villes deux affiches, les unes après une, les autres, donc deux films. Alors, je ne sais pas euh, combien de temps euh, les séparent, mais il y a Monty Python, La vie de Brian et Monty Python, le Sacré Graal. Alors, euh, Holy Grail, si vous préférez. Et. Voilà la composition des trucs, il y a ça sur tous les murs de la ville, et je me suis demandé si cette façon de faire les choses, ça venait d'eux, ou si eux-mêmes, comme mes bus, ont une autre source, euh, voilà, pour, euh, pour cette espèce de façon de faire les choses. Et c'était très marquant, je veux dire, vous pouvez pas, si vous n'êtes si pas mon âge, vous pouvez pas vous en souvenir, mais quand on, on a, les murs étaient frappés de ces trucs-là, en fait, on voyait que ça dans les villes. Donc ça, ça pouvait frapper durablement, au point que, pour ma part, pourquoi je dis ça Dans une de mes petites bandes dessinées que j'ai faites quand j'avais, euh, je crois que je devais avoir 10-11 ou 11 ans, bah, c'est facile de calculer en fait, il faudrait voir à quel âge, ah, à, quel âge à quelle période, à quelle date est sortie, euh, je crois que c'était Sacré Graal, c'était celui-là. Et puis on saura quel âge j'avais, ce serait le plus simple. Mais bref, sur une de mes bandes dessinées, j'ai construit le, le titre de cette façon, euh, à cause de l'affiche. Voilà ce qui m'a laissé imaginer que peut-être c'était un clin d'œil un hommage de, de Mébus au Monty Python. Et vu l'humour qu'il développe, je, je, ça ne m'étonnerait pas plus que ça en fait, qu'il qu ait du goût pour ça. Voilà des éternités que je déambule sans succès. J'en peux plus, il faut que je dorme. Il dort, ça y est, allons-y. Voici donc ce fameux Major Groubert. C'est Inouï, moi, qu'il prenait pour une sorte de demi-dieu, et le voilà vulnérable et endormi. Quelque chose se précise, en tout cas, vous voyez, de la, la position du Major euh, dans le monde... Euh... Que nous sommes en train de traverser, dans le niveau qu'on traverse, puisque l'un des personnages qu'il poursuit le prenait pour un demi-dieu. Or, ce n'est ni par ses actions, ni par son allure que quoi que ce soit il nous inclinerait à le voir, nous, hein, comme un demi-dieu. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a, a rien là-dessus. Il n'y a rien jusqu'ici qui puisse euh, venir le faire passer. Donc, il y a autre chose. Il est, il est nourri d'une autre puissance, d'une autre force qui, jusqu'ici, nous a été cachée. Mais on commence à imaginer, par quelques petits détails, son degré d'implication dans euh, le, la forme de ce monde. Mais c'est très léger pour l'instant, parce que si on regarde réellement ce qu'on a, on n'a pas grand-chose. C'est facile de faire les malins, maintenant qu'on connaît tous et toutes bien le récit, et qu'on a pu raccorder les trucs, mais essayez d'imaginer qu'on avance sans avoir grand-chose entre les mains. Alors, on va faire notre saut, et notre saut va nous permettre de mieux comprendre la position démiurgique du Major, grâce à cette page. Si je voulais je sors mon topère et tangue une plaque dans la tête de plus de Major Gruber. Tu bluffes. Donc là, le Major rêve. Il fait un rêve de sous-marin assez étrange. Euh, je ne sais pas d'où il sort cette allusion. Je peux imaginer que, que là, il joue à une référence qui m'échappe complètement. Si vous l'avez, la rêve, vous me dites. Mais bon, qu'est-ce qu'on a là On a Gruber on plonge dans le rêve de Gruber et ensuite on a cette grande case on comprend que c'est le Sigouri parce que c'est écrit dessus on comprend que la scène est observée de très loin parce que le Sigouri visiblement observe une sorte d'astéroïde étrange et visiblement artificiel. et donc on comprend que le poste de pilotage depuis lequel le Major surveille c'était ça et là, on ne peut pas aller tellement plus loin en termes d'extériorité par rapport au, au vaisseau de Jasper ou, ou à l'espèce d'avion mystérieux. On vient de faire comme une sorte de saut en arrière très très fort. Ou du moins, c'est intuitivement ce que l'on réalise mentalement. C'est ce qui est assez fascinant et ce qui est très beau dans cette page. C'est qu'avant de faire ce saut en arrière, on fait un saut en avant dans la tête du major. Ce qui fait qu'il y a une superposition mentale, poétique, structurelle. Entre l'intériorité du major et l'extériorité du monde. Ce qui incline à penser, évidemment, que cet astéroïde est le rêve du major. Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à ça. Je vais vous montrer à quoi ça me fait penser. Je n'ai pas, pas été chercher cette case. Donc, je vais aller vous chercher ça. Euh, hop Alors, est-ce que je peux avoir ça Oui, super, super. Super, elle est là. Alors, est-ce que je peux avoir une grande image Ce qui serait quand même bien. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre à quoi me fait penser à cette image. Pour l'instant, le mystère plane, puisque je ne suis pas foutu de trouver une grande version. Et c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Je l'ai, oui ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Oui, vas-y, vas-y, montre, montre, j'en viens là. Ah, mais là, t'es trop grande, cocotte. Ah, oh, c'est pas vrai. Ah, là, voilà, 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 voilà. Je, Je vous montre ça. On en est là. Donc ça, c'est un magnifique tableau qui se trouve à Milan, à Milan, un musée qui s'appelle la Brera, et c'est une conversation sacrée. Est-ce que vous pouvez remarquer, donc, dans cette Madone qu'on a pris l'habitude aussi d'appeler euh, Madone à l'œuf C'est un tableau assez. Euh... Ah, tu as l'affiche de Bénure de Weiler en 1959. Ah, oui, c'est pour ça peut-être que... il y a une allusion à Bénure sur euh, l'affiche de Sacré Graal. Donc j'irai voir l'affiche, mais euh, c'est peut-être ça la, la ref. Tu as raison. Parce que je me souviens que c'était écrit sur l'affiche. Euh... Un truc allusif à baigneur, donc peut-être que... L'affiche était Monty Python, euh, parodie et baignant. Donc, pourquoi je pense à la Madonna à l'œuf À cause du statut particulier. Bon, c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais vous notez que quelque chose de particulier arrive euh, dans ce tableau. Donc, vous avez ce fil vertical, qui suspend un œuf dans euh, cette coquille. Donc, cette coquille, c'est vraiment l'exemple même de, on pourrait dire, d'une genèse. Hein. C'est la coque anadiomène de laquelle sort Vénus, mais du coup, ça devient une espèce de vasque euh, qui est clairement euh, peut être cause du monde, euh, d'autant que qu'elle n'est elle pas sans évoquer à l'endroit où elle se trouve la constitution même d'un univers, euh, on pourrait dire, euh, concentrique. Et euh, l'étrangeté de cette œuvre suspendue, qui laisse pas mal d'iconographes assez euh, interrogatifs, se résout pour moi d'une façon plus simple qu'on ne peut l'imaginer. Euh... Et qui, qui éclairait le caractère matriciel, finalement, à la fois de cette œuvre, de cette composition, de la centralité de cette œuvre, c'est que l'enfant Jésus, sur les, les genoux de la Vierge, est endormi. Et à ce moment-là, il me semble que ce qui nous est proposé, et si c'est ça, c'est assez beau par Piero della Francesca, c'est que nous sommes invités à penser le monde comme rêve de Dieu. Voilà. Je pense que c'est ce type de relation, en tout cas, qui est clair, cette étrange construction, et, euh, et cet enfant euh, endormi, qui est là. Hop. Voilà. Bon. Et toi, tu nous proposes quoi Ah, bah oui. Ah, bah oui, évidemment. Tu as raison. Mais C'est ça. Ça ne fait aucun doute. Donc, ce à quoi ça renvoie, dans ce cas-là, c'est... ma euh... bah, merci. On est déjà donc, dans un sursaut euh, parodique euh, de la part des Monty Python, dont la, la matrice est très probablement ce baigneur, évidemment. D'accord. Bah merci beaucoup, Glitch, très gentil. Donc, voilà. Euh, bon, évidemment, j'extrapole un peu avec cette histoire de Madonna Love, mais euh, je pense que sur cette planche, que je vous montre on, on a quelque chose de très fort comme on pourrait appeler ça une espèce de zone de détente surpuissante entre l'intime et le proche et euh, le distant le galactiquement distant et l'impersonnel l'universel voilà ce qui se joue à, à cet endroit là cette tension magnifique j'espère que ça vous plaît que je vous convainc un petit peu alors, on continue. L'eau garage hermésien de Moebius. Donc, le garage s'appelle un eau désormais. Résumé, deux individus inquiétants se penchent sur le sommeil innocent du Major Égaré, à bord du Siguri. Non, ce n'est pas du bluff, on voyait immédiatement une impulse technique. Alors, l'impulse technique, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ça réveille le Major. Et le Major, et on comprend quelque chose, de la présence sur un casque colonial de cette pointe. La pointe du casque relie directement le Major Groubert à, à la passerelle du Siguri. Et donc le majeur se réveille. Alors évidemment, là, je parlais de, du caractère théâtral et grotesque, et je rapprochais ça donc, des, des, des travaux de, du jeune Mebius, de ce goût pour, d'un seul coup, l'expressivité complètement euh, distante de, de ce à quoi nous a jusqu'ici euh, tenu le régime d'expression plutôt mesuré euh, du récit, et qui fait exploser ceci. Voilà. On se dit, bon, ne plus n'est pas le, le créateur de, de, de ce type de, de proposition en bande dessinée, mais c'est extrêmement rare, hein. il faut pas l'oublier. Hein. -à, à part, à part Esnard, il n'y a pas beaucoup de gens qui approchent en bande dessinée l'expression de cette façon-là. Évidemment, il y aura Goussens plus tard. Là, donc, le majeur se réveille, l'homme de l'arrière-plan prend des photographies. Et le majeur nous dit Mon nom est Jocelyn Tionne. On peut douter que ce soit vrai. Le second dit Ardente Écoille. Euh, on peut supposer que c'est faux. Et le troisième, Orneux Batmago. On est invité à penser aussi, mais en fait non. Mais tout à l'heure, les, les noms sont tellement fantaisistes qu'on a l'impression qu'ils excèdent le caractère volontairement fantaisiste de tout ce que nous propose généralement euh, Mébius. Il y a comme un seul coup un débordement finalement. J'avais rendez-vous avec un ami et, et il n'est pas venu. Et vous vous êtes un peu égaré dans le dédale de la ville basse. On va tâcher d'arranger ça, Jocelyn. Vous y êtes égaré, perdu. Venez prendre un verre, vous nous raconterez tout ça tranquillement. Donc le major les accompagne. Et il se passe quelque chose d'étrange. Vous voyez dans le sillage du major, en bas à droite, c'est comme si le monde se fissurait derrière lui. Ça pourrait se justifier d'un simple accident de terrain. Mais le regard ne peut pas s'empêcher. De produire ici une zone de lecture et de confusion avec, entre un monde qui se fissure et euh, ce monde qui se fissure, se fissure comme projeté du major. C'est ce grand bâtiment là-bas. Alors là, on a complètement basculé évidemment dans un univers désertique. On a l'impression, pour le coup, euh, de revenir au début du récit, alors qu'on a changé de niveau. Que lui arrive-t-il Cet endroit le rend fou. On revient hein, à ces grands, ces grands montages océaniques. Réapparaît sur le temple à un endroit plutôt inattendu. Vous voyez en bas la trame. Là aussi, euh, de faire cohabiter dans la même planche des trames mécaniques et euh, et, ce, et le foisonnement des, euh, du graphisme manuel, c'est très inhabituel en fait. On a, on a vu hein, des gens comme justement euh, comme De Gilles dans euh, la saga de Xam aller très loin dans l'impureté euh, du mixage mais globalement c'est plutôt euh, un, on fait un choix en, entre les deux et vues ne fait pas ce choix. Je vis dans Armjout avec une femme qui raffole des images qui sortent le soir de ma petite machine. Tiens toutes ces images vont ensuite enrichir ma collection. Claire donc. <laughs> on se demande si cette perplexité ne réveille pas quelque chose chez le major. Et on comprendra en fait que oui, et euh, mais pas un, un billet tout à fait étonnant. Bon, on en reparlera évidemment quand ça arrivera. C'est l'après-midi, la, la chaleur est suffocante, la suite est pour le prochain numéro. Et bon voilà. En fait, le résumé apparaît à cet endroit-là. Et il est masqué par l'avant-plan. Donc, il est rabattu, lui aussi, sur le régime du, du narrateur. Et il est pris dans la, la matière diégétique. C'est évidemment ce qui est un peu ce qui est rempli de confusion. Et lui, c'est Jocelyn Tion. Il cherche quelqu'un. Il s'est perdu dans le dédale de la ville basse. Alors, nous avons pensé, mon ami et moi, à l'amener ici pour qu'il puisse se désaltérer. Il est perdu, peut-être perdu égaré. Donc voilà. Un épisode charnière. Il doit sans doute à un certain moment euh, créer euh, un pont parce qu'il nous manque des bouts quand même là pour raccorder peu à peu les récits. Il, y a, euh, il va changer en lapin géant. Ah, le lapin géant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais qu'est-ce que c'est que cette image glitch que tu nous as trouvé Je vous montre hein, parce que vous ne savez pas de quoi on parle. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les humano qui montrent ça? C'est le White Rabbit d'Alice dans le désert qui poursuit le Major? Il y a des espèces de petites créatures par terre. Là. Ils sont très, très bizarres aussi. Ah oui? D'accord. C'est un dessin tardif de Mébus, mais je le connais pas. Hein. Je connais pas cet aspect-là des productions Mébusiennes. Merci, Glitch. Les... <laughs> Alors on a un, une bulle, un euh, phylactère marrant ici, puisqu'on a un personnage à l'allure euh, imbitable, enfin, très composé, très hétérogène, qui dit en regardant le protagoniste qui s'est présenté comme étant ardente écoille, bon, il semble que ce soit lui qui le regarde, et il dit quel excentrique ce vieux spère. Euh, du coup, il y a quelque chose qui nous est dit là, qui est hyper intéressant, parce que dans la case suivante, en bas, nous avons un personnage qui est lui-même habillé de façon très chargée avec un, un, un. On a vu plusieurs personnages de ce goût dans l'environnement. on va choper le costume de Barnier. Regardez, c'est exactement le même costume que Barnier qu'il porte. Donc on pourrait considérer que Barnier, cet ingénieur, a le même costume que la personne en bas à gauche. Donc c'est un costume d'ingénieur. Ouais, ce costume d'ingénieur est bariolé. Euh, il, a, il, a comment il a une espèce de collant à poids, des épaulettes à carreaux. Il semble pousser, le câbleur de Barnier. Hein. Et le personnage qui parle de ce est lui-même coiffé d'un immense chapeau mou, euh, 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 qui a l'air d'être une espèce de costume, ces grands chapeaux espagnols du 18e. Il y a cette espèce de veste, comme une veste de motard à motif, hein, un pantalon mou. Bref, c'est n'importe quoi. Et il parle de, de Sperre euh, comme d'un excentrique. Évidemment, euh, ça, ça semble ne rien dire du tout, mais je trouve ça par peu de moyens, ça questionne notre regard et sa capacité à interpréter tout ce qu'on voit euh, avec les moyens habituels pour les rabattre sur la nouveauté. S'il dit que Sper est excentrique, nous devons l'accepter dans ce monde que ceci est excentrique et que les autres ne le sont pas. Et rien que ça, nous nous, un, nous invite à regarder euh, tous les costumes, les décors, etc. Euh, en repensant les questions euh, de, de l'aberrant, du singulier, etc. Et en acceptant l'idée que si on construit un monde complet, il euh, n'y a aucune chance pour qu'on distingue le bizarre du normal puisque tout y est bizarre. Voilà, donc ça c'est peu, mais c'est vraiment intéressant d'un seul coup de, de produire au cours de la lecture ce type d'interrogation. Un câbleur endommagé, mais étrange. Il m'a semblé émettre une curieuse énergie. Donc on revient, et c'était bien le but effectivement de ce chapitre, on revient euh, vers le début du récit, on le rattrape, on, le, on va le raccorder à ce moment-là. Le garage hermétique, résumé. Voilà le résumé, vous êtes d'accord, on n'y a pas le droit. On a juste un grand encart hein, qui attend beaucoup de textes et qui en est vidé. Oh, le magnifique train à vapeur. Donc, nos trois personnages bon, se dirigent vers le train. Même type de modèle de train qu'avait pris euh, euh, Moed. Vous vous occuperez de la pompe à dents XP-17. Ah, ces pompes à dents toujours en paix. Pff, il a été sérieusement endommagé par ici. Venez, c'est par ici pour se désaltérer. Donc, nous avons à l'arrière-plan notre scène de notre point de vue principal. Donc, là, en tout petit, nous avons le major qui remarque que le train était très endommagé, le zozo de gauche qui continue à le bombarder de photos, et le personnage excentrique, le j'espère qui se faisait appeler autrement, qui invite le major à se désaltérer. Nous avons basculé à l'avant-plan à, à vers une scène. Euh, qui, qui d'un seul coup euh, produit en une case ce que le récit n'arrête pas de produire. Vous savez ce, ce dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, à savoir une cassure hiérarchique des niveaux. Et là, euh, très caractéristiquement, on n'a même pas besoin de passer euh, d'une scène à une autre ou d'un univers à un autre. Il suffit simplement de déplacer le regard pour que ça se mette à exister. Par ailleurs, à la page suivante, hein, vous pouvez observer... Un truc assez intéressant qui saute pas forcément euh, aux yeux du non-dessinateur. Mais euh, ça, ça peut être pris comme une décision, je ne sais pas. Mais tout ici, pour qui pratique la trame, respire l'accident et l'accident devenu invention graphique. Euh, la feuille de trame a visiblement été abîmée. Ici, elle a été détachée puis raccordée. Peut-être a-t-elle servi sur un autre support et euh, Mebus est ravisé et a décidé d'utiliser la trame sur cette case plutôt qu'ailleurs, après avoir commencé à la découper. Et euh, le matériau, d'un seul coup, produit une zone de lumière parasite en haut à gauche, qui est le... non pas l'expression euh, d'un réalisme quelconque à cet endroit-là. Mais un, au départ, un accident de trame. Et euh, donc, on peut voir toutes les fissures et les, et les propositions. Aussi. Mais il garde tout. Euh, ça donne une étrangeté à cette matière grise à la surface de la feuille qui vient comme une enveloppe, d'une part, faire obstacle entre elle et nous, et d'autre part, produire des effets, qu'on pourrait dire, d'un réalisme qui ne lui appartient pas. En gros, sur d'autres volumes, dans un autre espace, euh, cette composition, ces déchirures, auraient eu une raison d'être. Ici, si elles n'en ont pas. C'est comme un emprunt, un emprunt d'une image à une autre. En bas à gauche, dégagé de la trame, nous pouvons lire les deux personnages qu'on avait d'un seul coup vu basculer au premier plan. Et je viens pour la pompe à dents. C'est par là. Donc pendant deux cases, on a basculé dans le monde des ouvriers... Euh, et on va les abandonner là, on va revenir vers nos protagonistes ici. C'est un, comment on pourrait dire, une légère avancée, ça fait comme un ressac. On va et on recule dans cette proposition, on n'y retournera pas. Il n'y a pas encore si longtemps levé ici, à la place de cet hologue, un square, le square de la feuille Rila. Et c'est ici que fut bombardé le magnifique train à vapeur. Plus de 30 morts. Maintenant, des équipes de techniciens venus des quatre coins tentent de réparer la belle locomotive et personne ne connaît le motif du bombardement. Et pour ces touristes, ce sera. Donc, on comprend que désormais, c'est un hologue, donc on peut supposer un hologramme, euh, qu'ils qu sont en train de, de visiter. Euh, il n'y a plus le, le square de la feuille de riz là, mais nous savions pourtant par euh, la femme qui accompagnait Moad, qui regardait par la fenêtre, que c'était un lieu euh, artificiel, puisqu'elle l'avait dit. Ça veut dire qu'il y a des nuances entre les degrés d'artificialité et peut-être aussi des renseignements dont dispose chacun des personnages dans la, la vraie nature du monde qu'ils sont en train de traverser. Et pour ces touristes, ce sera, pour moi, un alcool soft, pour moi, un café bleu, pour moi, une infusion de blaine. Donc là, on retrouve euh, tout à fait l'esprit, euh, euh, on peut dire, du néologisme euh, charabier euh, qui amuse euh, Mébius, hein, euh, comme dans le, le, le petit récit en deux pages qu'on a lu tout à l'heure. Tu crois que c'est lui Je te dis que c'est Gruber, je le reconnais, la pointe de son casque. On vient de réopérer un petit mouvement arrière vers... D'autres personnages, comme on l'avait fait dans la page précédente avec les ouvriers. Donc, on n'arrête pas de faire ces événements. C'est comme des sortes de réajustements. On a un, une focale importante au centre qui serait celle du récit, mais on n'arrête pas de faire des, des petits déplacements autour de celle-ci pour donner de la consistance à tout ce qui l'entoure et étendre finalement les regards sur le corps de ce récit. On ne sait pas si ces deux personnages d'avant-plan vont avoir plus d'importance que les deux ouvriers qu'on vient de quitter mais on vient de faire ce recul, il pourrait bien être tout à fait aussi insignifiant. On doit accepter, à ce moment on doit abdiquer finalement euh, toute hiérarchie. L'aventure du Major Gruber, l'hermétique garage cosmique. Résumé, le garage de JC est hermétique. Là, on retrouve euh, l'espèce le, de créature sur une civière qui fait bingadoo. Et euh, on retrouve l'archer, on retrouve Barnier. Ils sont pris dans un décor euh, saturé euh, d'informations graphiques avec des espèces de chapiteaux historiés euh, assez bordéleux qui font penser à une parodie de Druillet par son pote. On dirait que Mébus s'est amusé à druiller d'une certaine manière euh, les chapiteaux, à les faire grouiller de monstres qui, 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 qui grimacent et, et qui crient. Donc il y a une pièce de construction comme ça, euh, regardez, on a vraiment l'impression, je ne sais pas si vous voyez, donc on va, on va se rapprocher un peu. Nous allons à gauche, Bingaroo, et nous par ici. Une seconde, mon petit airplouk. J'ai deux mots à dire à ce jeune homme. Déposez-moi et allez attendre quelques pas d'ici à votre, votre camarade l'archer tandis que je m'entretiens avec lui. Yes, monseigneur. Donc ils vont à deux pas en arrière, comme dit. Une belle petite vue plongée. Et d'un seul coup, un long bavardage. En effet, mon cher Barnier, cette rencontre est loin d'être fortuite. Nous nous sommes d'ailleurs déjà rencontrés. C'est moi qui tenais le registre des visitations. Le jour où Jerry Cornelius vous a contacté pour construire le câbleur. À ce propos, je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas responsable de la perte de l'engin. Le palpeur de Mirette avait été saboté. Oh, qui a pu faire une chose pareille Un certain Gruber, que tout le monde redoute ici, mais n'y pensez plus. L'archive va vous conduire dans un endroit sûr. Alors, ces renseignements sont parfaitement contradictoires avec tout l'étonnement de Gruber quand il a vu passer. Euh, le... Comment Quand il a vu passer le câbleur cramé, dont il se demandait bien ce qui lui était arrivé, donc nous, nous savons qu'il n'a pas euh, pu le, le saboter, et nous verrons plus tard d'autres contradictions à ce sujet. Et c'est assez marrant, parce que comme Mévius n'arrête pas de bousiller euh, la linéarité du récit, il nous est rigoureusement impossible de savoir si euh, quand ça se bat en couille, c'est euh, parce que l'improvisation a fait son travail et que c'est pas possible de toute façon d'en savoir plus, ou si euh, ce sont les protagonistes qui se trompent ou qui mentent, on ne sait plus très très bien à quel degré on doit prendre les... les erreurs de ce genre. Mais oui, ça me revient maintenant. Votre nom est Jasper. Vous êtes originaire de Volny, la planète des vents. Est-il exact que votre espèce est composée de 73 sexes différents Comment ça, Jasper Est-ce que ça veut dire que cette créature qui fait Bingalou serait l'observateur de Jerry Cornelius de... Et que vous êtes en même temps aquatique, aérien et souterrain, bien que peu agile à la course. Toutes ces choses m'intéressent tellement. Que se passe-t-il Ça n'en finit plus. Faites quelque chose l'archer, sinon on sera encore là demain. Alors là, ça devient assez drôle. Est on, on est presque sûr, à la lecture, que ce qui est en train de se passer ne va avoir aucune sorte d'importance dans la dans l'intrigue. La, 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 parce que les protagonistes eux-mêmes prennent soin de nous le dire. En effet, mais Volney n'a qu'une pesanture de 0,7 sur l'échelle Osborne alors qu'ici, je. D'être ah, notre ami l'archer s'il si s'impatiente. Hop, vous m'avez donné de précieux renseignements. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Moi, je ne pas là-dessus, hein, évidemment. Qui est ce Gruber dont parlait le Baroule Gruber est un quasi, un être quasi légendaire. Le créateur de ce monde. Ça y est, on y vient. On apprend donc à ce moment-là comment euh, Mébus tente de résoudre finalement la combinatoire Qu'il a mis en place les différents registres de récits et la multiplicité des personnages. Il va le résoudre par la centralité de Grouper dans la cohérence de ce monde. Cohérence évidemment tributaire de son imaginaire malade, si on en croit l'épisode de la pyramide. Il a fait alliance avec les 23 divinités génatrices, les piliers sacrés du mythe d'Araï. On prétend qu'il a trouvé le secret du silence, mais il a des ennemis. Jerry Cornelius, par exemple, qui a réussi à s'infiltrer dans l'univers du Major. Nous n'avons pas encore pris parti dans cette guerre secrète. Nous attendons de connaître les véritables intentions de Jerry Cornelius. Nous nous savons que, a priori, Barnier est lié à Jerry Cornelius. Au moins, au minimum, il travaille pour lui. Nous ne tenons nullement à changer de maître. L'indépendance, bien sûr, est sur les trois niveaux. Donc voilà on comprend que sistram c'est qu'on a un monde artificiel où sont posées des créatures qui pour la plupart ignorent qu'elles y vivent on revient sur le fait qu'il y a trois niveaux on a encore ici une très très belle descente dans l'un des niveaux encore que la question de, de la hauteur et de, de, la, comment de la, la hauteur ou de la profondeur des niveaux n'est jamais donnée on passe son temps à, à, à être renversé par ces idées et notamment puisqu'on a pu voir cette espèce de saut en arrière de Siguri, on est un peu dans cette situation de, du régressus infini. Et dans ce cerveau, il y a un cerveau qui nous regarde. Vous savez, c'est un truc dont parle Schopenhauer, parle l'impossibilité de, de, de savoir ce qu'on pense et comment on pense, parce que pour, pour avoir un accès à ça, il faudrait un deuxième cerveau qui pense notre cerveau, et puis un troisième cerveau qui pense ce cerveau qui nous pense, etc. etc. Et c'est cette construction qu'on retrouve avec le, le saut arrière systématique qui semble s'arrêter aussi gourri, mais en vérité... Est-ce bien certain Le garage hermétique de Jerry Cornelius, une BD de SF, 16e épisode, mine de rien. Résumé, alors qu'il se promenait le long de la digue du petit astroport de Osbeant, en compagnie de son, son quellum favori, le Major Gruber eut comme une sorte d'illumination. A l'aide de 13 générateurs expanseurs à effet Gruber, il venait de déposer le brevet la veille, il pouvait transformer n'importe quel astéroïde perdu quelque part dans la ceinture en un monde immense et complexe, au besoin, sur plusieurs niveaux. La suite des événements devait lui donner raison. C'est bien plus tard qu'il fit la connaissance de Malvina. Là, on n'est plus du tout dans un résumé. En fait, on nous donne sa construction générale supposée de tout le récit. Jusqu'à ici. Ce n'est pas un résumé des épisodes précédents, puisque c'est sans rapport avec les épisodes qu'on a traversés. Ça résume complètement autre chose. Ça résume la cause de ce monde. On nous donne, d'un seul coup, au 16e épisode, une sorte de légitimité euh, au récit, à se construire de cette façon par la cause, euh, la cause consciente <laughs> à l'origine de ce monde étrange. Cependant, à bord du Sigouris. Attention, la voilà. Malvina traversa lentement la salle des gardes. Alors Malvina, là, on, on, elle a une espèce de robe céleste. Alors ça fait soit penser à la robe d'étoile, aux robes de ciel, vous savez qu'on peut trouver dans Podane, mais plus succinctement, on peut penser au maphorion de la Vierge Marie, qui est son grand manteau bleu frappé d'étoiles, et qui est une métonymie du monde. Cette ardente il s'appelle en réalité Spergossi. Ça, on l'avait compris avec le personnage d'arrière-plan qui nous le trahissait en disant qu'il était excentrique. Un agent du mouvement Taraï Revival. Faites le nécessaire, Servic. Avez-vous découvert l'origine du document sur JC On commence à comprendre les liens de ce personnage d'arrière-plan, Spergossi, qui devient un personnage d'avant-plan, avec quelques événements qui se sont passés, comme le jongleur Taraï qui jetait une boule pour, euh, sur euh, l'espion. Euh, dans son robot, le Star Billiard. On comprend d'un seul coup euh, quels sont les, les cercles concentriques d'observation. On en a des supplémentaires qui s'ajoutent, mais ils semblent former des ceintures de plus en plus cohérentes. Voici l'original. Les lignes en V derrière les trois hommes sont identiques à celles qui décoraient les avions Palais au cours de la Grande Guerre. C'est la photo qu'on montre en bas. La grande guerre aéronautique qui a ravagé la Terre aléatoire SDX. Il y a deux millénaires que ces événements ont. Là, c'est bien le Major, n'est-ce pas Il est question ici d'une Terre aléatoire. Je pense qu'on doit comprendre, à cet endroit du récit, que Fleur n'étant pas. L'astéroïde où on se trouve à trois niveaux n'étant pas. Étant une construction, étant un artefact créé par Gobert, ce qu'on appelle des Terres aléatoires, ce sont probablement les autres mondes. Évidemment, c'est un tissu d'interrogation, c'est plutôt bizarre, parce qu'on voit bien aussi euh, où, où se place l'aléatoire. Est-ce que c'est dans la construction de notre monde Non, il a une cause quasiment rationnelle d'organisation matérielle. Est-ce que c'est dans son déroulement bah, Pas vraiment, au sens où euh, ce qui se passe à bord de la séroïde de Gruber a l'air soumis aux caprices de toutes les créatures qui y vivent. Donc là aussi, euh, voué à, à des errances, euh, des accidents et des transformations. C'est-à-dire qu'en en plaçant ici le mot aléatoire, c'est toute l'idée d'aléatoire et de destin par le caractère prétendument oppositionnel du monde de Groubert de, de, de à d'autres qui est suspendu comme question. Effectivement, c'est bien le major là, au milieu. Jerry Cornelius est à gauche avec la tête pleine de pansements. C'est le frère de Jerry, Eric. Ils sont entre-temps devenus de mortels ennemis pour quelques obscures raisons. Alors là, on nous rajoute un drama complètement ahurissant. On note un, un, une créature à la tête de chien hein, qui est apparue depuis quelque temps, chose que nous retrouvons évidemment par, dans Lincal, où, euh, où personne n'oublie qu'il, euh, euh, hein, le, le chien, euh, est un des personnages principaux de Lincal, que voici. Alors ça va devenir encore plus débile. Hein. J'ai fait procéder à certaines recherches. Le service a fini par le localiser en fin d'été, près d'une merde, dans un pays qui s'appelle Normandie, à bord d'un petit bateau à voile. D'un seul coup, il y a le côté très trivial qui se rabat dessus, sur cette planche, qui est assez drôle. Plus tard, dans une coursive déserte. Donc, Malvina, ça y est, j'ai un plan. Ici, on a un insert qui est curieux et qui est centrale à cette page, qui fait son axe en quelque sorte, où, euh, une fois de plus, le lieu de passage, pour lui donner euh, comment dit, une espèce d'extension possible, et ça marche très bien, il y a une sorte d'agrandissement, de, d'expansion, comme dans les mondes expansés euh, de, produits par Groubert, une expansion de la, la rigole, de la gouttière, de cet espace entre les cases qui laisse supposer que cette case là est en réplétion elle-même, que ce chemin là est beaucoup plus long. Le major est en danger, mon intuition ne me trompe jamais. Cependant, grâce à mon plan, il reste une chance de le sauver, et du même coup d'éloigner la menace qui pèse sur ce monde. Servic, envoie ici un jeune officier courageux, il n'en manque pas qu'ils me soient tous dé dévoués. Alors là, on est dans les appartements privés de Malvina, comme c'est indiqué dans le, le petit hors-texte là qui est là, euh, là. Les appartements privés de Malvina. Certainement, la biochimie n'est pas faite pour les chiens. Alors ça, c'est une remarque plutôt étrange, évidemment. Nous avons, il n'en manque pas qu'ils soient tous dévoués. Certainement, la biochimie n'est pas faite pour les chiens. On suppose que la dévotion des jeunes officiers courageux à l'égard de Malvina est obtenue par la biochimie. Un peu comme euh, comment les. Comment il s'appelle dans Star Trek? Or, les Djemadar. Hmm. Dont la fidélité est obtenue par euh, des doses continues de drogue. Voilà, voilà. Donc on, on continue. Excusez-moi. Je dérive le trekkie qui est en moi. Il vient de se trahir. L'arc d'Alstrey, l'arc d'Alstrey, encore un nom à coucher dehors, mais... C'est assez intéressant aussi euh, par rapport à, à ça. Euh, de, la, la garantie d'étrangeté, elle passe par tous les moyens. Et euh, comment, euh, le, le patronyme fait partie de ces trucs-là. Il y a les toponymes, il y a les noms d'objets, il y a les patronymes. Tout est prétexte à dérégler euh, évidemment la, la familiarité et à, à faire en, en sorte que. On peut être dans un univers extrêmement familier, comme là, il n'y a pas grand-chose finalement qui déroge aux règles habituelles d'un univers qui pourrait nous être complètement familier. Il y a même des petites photos épinglées au mur. Et le, le nom de l'arc d'Alxtré, d'un seul coup, ben voilà, c'est lui qui fait ce petit dérèglement. La dame Alvina désire te parler direct. Me parler direct à moi Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir, cette bonne femme C'est le moment. Donc on voit qu'ils sont observés. Par dame Malvina, donc ils sont son amie à tête de chien. C'est pas dans les contrats. De... Allons, Malvina. La fiancée du major, la reine de la passerelle. Enfin, vais-je posséder cette belle femme que j'aime depuis si longtemps secret. Là, le, le dessin a basculé dans cette espèce d'univers de romance au pinceau, euh, assez grotesque. On se croirait vraiment dans ces petits romans à deux sous, où les boucles du garçon qui sont tracées par le pinceau, et sa, sa, sa moustache fournie, font vraiment penser à ces petits pockets euh, à, à 100 balles à 1 franc qui se vendaient sur les tourniquets. Le dessin a changé pour devenir lui-même volontairement « mièvre ». Malvina, grande sorcière sexuelle du luxe. Voilà, C'est quasiment un titre clignotant qui nous l'annonce. À croire qu'elle fait partie du décor. Entre, la Dalmavina t'attend. Je vous laisse ici, soyez prudents, prenez garde. La puissante magie de Malvina est en passe d'agir. Vraiment, quel bonheur. Je... Attention, ça alors, où suis-je Donc on est dans une espèce de parodie, hein, de, de romance au moins jusqu'à l'antépénultième case, et paf, voilà, il chute. Euh, le baiser de Malvina euh, euh, comment dit, enclenche quelque chose, quelque chose qui signifie, alors ça, ce que je trouve plutôt réussi, c'est, euh, bon, Mébus aime beaucoup euh, dessécher des formes euh, qui sont associées à des usages pour n'en garder que la pellicule sans perdre euh, la, sa puissance à signifier. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a quelque chose du diagramme, quelque chose de, des éléments, des pictogrammes, de, de leur composition qui est associé à, au, à la notion de fonctionnement, à l'organisation d'une machine fonctionnelle, de quelque chose euh, qui est voué à un certain effet contrôlé. Euh, on attend, évidemment, à chaque fois qu'on voit un pictogramme ou qu'on voit, euh, qu voit un, un montage qui l'évoque ou qui utilise... Euh, qui utilise ces formes, on, on attend une fonction. Ce qui fait que ça peut suffire si vous voulez. Et là, à, à l'avant-plan, il euh, y a une espèce de schéma euh, très inutilement compliqué qui arrive à l'avant-plan du baiser euh, de Malvina et euh, de l'autre zozo, qui a un nom accouché dehors, d'Alstre, je ne sais plus. Et euh, ce diagramme, à lui tout seul, suffit à effectuer le passage. Nous acceptons l'idée qu'il se passe quelque chose à cause euh, du régime particulier qui est appliqué ici au dessin, hein, à l'avant-plan, du baiser. Donc nous avons une, une sorte de combo étrange ici avec cette construction diagrammatique et ce baiser de romance à deux balles qui viennent dans le, dans le même espace. Et nous passons à la page suivante. Alors là, le caractère colossal du titre a pris... Toute la page cette fois-ci. Il l'a complètement euh, envahi. Il est le décor à lui tout seul. Et vous voyez qu'il est chevauché ici par un personnage euh, à oreilles de Mickey. Donc il y a encore cette espèce de dérision euh, de, de, de mes vues sur euh, le cadre des bandes dessinées. Euh, il, il se joue euh, aussi de la façon dont est perçue sa discipline en, en plaçant énormément de, de niveaux de regard portés sur elle et euh, sur la façon dont elle se déroule. Il se moque des usages finalement euh, savants ou, euh, ou triviaux. La catastrophique histoire du major Robert, spécialement et fidèlement rapportée par Mebius pour la revue Metal. Metal Hurlant. Inouï. Alors là, on a ce petit insert un peu ridicule, comme une publicité tapageuse. Le garage hermétique de Off-Jerry Cornelius. Résumé, l'ingénieur Barnier, qui n'a toujours rien compris, suit le mystérieux archer, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Oh, terrifique, absorbant. Et là, on a au fond un onk, 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 euh, qui ne sera jamais résolu. Donc là, on a un, un grouillement d'informations, c'est saturé d'informations parfaitement inutiles, parce qu'en vérité, il se passe juste rien. Il y a juste Barnier et l'archer qui passent le pont, qui passent cette passerelle, le premier disant à l'autre. Continuez à me parler de ce curieux major Goubert. Ça, en tant qu'archer, je suis certainement le mieux informé sur lui. Remarque également assez étrange, hein, puisqu'on ne voit pas pourquoi en tant qu'archer, il serait mieux informé que quiconque sur le major. Et là, on va avoir notre petite pêche explicative sur le... qui est le major et euh, voir comment le, la masse noire du costume de l'archi va sanctionner l'architecture de la page, va la, va la construire, va lui produire une ossature, euh, avec cette espèce de masse avançant vers nous, dont euh, le montage blanc euh, vient euh, redoubler finalement la, la construction euh, euh, des cases entre elles, enfin des gouttières qui, qui les séparent hein, sur un plan vertical et un plan horizontal, et à mesure qu'on s'approche, évidemment, une information euh, marquée sur le, le crâne de l'archer va nous en dire plus sur éventuellement euh, cette étrange sentence par laquelle il nous dit qu'il est censé en savoir plus. Qu'est-il, cet archer En fait, la seule certitude est qu'il est né en 1958, après Jésus, en Allemagne de l'Ouest, à baden d'une mère suédoise et d'un père allemand. Il devint un journaliste à Die Welt. Euh, donc, écrit ici euh, en un seul mot collé, d i v -E l t euh, porté disparu pendant la guerre du Vietnam, écrit là avec un E, il passe accidentellement le petit cercle transant. d'ancor Curieusement, encore euh, pardon, cambodgien, curieusement, il émergea dans le présent du XIXe siècle et fut recueilli par un Brahme de Pondichéry Donc, toutes, toutes les, les graphies sont un peu hasardeuses et on peut imaginer. Que c'est parce que quelque chose dans ce monde s'est perdu, euh, peut-être, de la connaissance exacte de, de ce dont il parle. Euh, L'expression elle-même, il est né en 1958 après Jésus, est étrange. C'est pas grand-chose, hein, c'est un très léger dérèglement, mais ça suffit pour basculer euh, dans une atmosphère euh, de fiction. Là, il fut initié dans l'équivalent phase 4 et travailla pendant 13 ans dans les laboratoires de magie spatiale. Où il étudia plus spécialement les phénomènes d'entropie nodale du tissu intergalaxial. Il fit bientôt équipe avec l'explorateur Lewis Cern. C'est au cours d'un vol, dont Lewis Cern, on sait que c'est euh, Jerry Cornelius, si j'ai bien compris. C'est au cours d'un vol de routine aux confins de la nébuleuse Arcape du Saliga qu'ils découvrirent l'épave de la Hotra, la fameuse et mythique épave de larche des anciens Cern. Et Gruber entreprit l'exploration. C'est au cours de cette exploration que le Major découvrit. Le secret de l'immortalité. Eh bien, je ne suis pas sûr que tous ces renseignements nous aident beaucoup à comprendre quoi que ce soit au récit. Ça, ça crée surtout une espèce de rupture à l'intérieur du récit. On, on a notre morceau explicatif, mais qui, en fait, n'explique pas grand-chose. Euh, à la fois, bon, ça rassemble euh, Jerry Cornelius et Grobert, euh, comme on pouvait l'imaginer, dans une histoire commune, dans une histoire qu'ils ont partagée. Et euh, à la fois, cette masse de renseignements nous est complètement inutile hein, pour. Euh, Pénétrer les arcanes de construction de, ce, de leur histoire. Par contre, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que la masse noire, s'avançant pour nous lentement, se dégage euh, sur le masque de l'archer. Cette information, made in call, androida company, tatata Donc, on comprend, on doit comprendre que l'archer est un android. Le major Groubert dans le garage hermétique. Je, je, alors là, vous voyez. Ah non, j'ai oublié de vous passer la page. Excusez-moi. Voici bah, le titre. Il devient de plus en plus petit, Il ne peut plus se lire. Hein, en haut à droite, <coughs> il y a deux ingénieurs là, qui, qui sont là et qui se plaignent. pas rien, monsieur. Ça doit être l'auteur lui-même qui l'a fait exprès. Mébius là. Bah, quand même, je suis pas content. Hein. Si petit comme ça, c'est pas beau. Donc c'est pas beau, petit. Moi, je préfère grand, que tout le monde peut lire, quoi. Donc il fait des paratextes sur, euh, sur son titre, introduisant un petit détail anecdotique, comme on peut euh, en trouver pas mal dans les bandes dessinées humoristiques de cette période. Il hein, y a les, 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 les pie euh, dans euh, le livre de la jungle qui commentent. Il y a euh, euh, chez Riemann aussi, il y, y a du paratexte qui commente On peut trouver ça chez Gottlieb avec la coccinelle, qui est une espèce d'histoire de, de, parallèle. Enfin, il y a... Il y a une présence comme ça de, 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 de petites créatures qui viennent hanter la planche dans les bandes de dessinées humoristiques assez souvent. Vous voyez ça, je crois que les premières occurrences que j'ai pu voir de petits personnages parasites, hein, je ne suis pas sûr qu'ils parlent, mais euh, c'est chez Mac Manus, il y a toujours des espèces d'étrons et de micro dans le décor. Je lève mon chapeau pour vous saluer et vous demander voilà, j'ai mon ami à l'autre bout de la table qui voudrait tellement vous parler. Euh, deux mots, pas plus me parler à moi, eh bien, euh, vous voyez bien, Jocelyn, que vous n'êtes pas si perdu que ça. Donc, quelqu'un vient interpeller euh, à l'arrière-plan euh, le major Groubert. C'est-à-dire que je suis avec ces deux humains. Je vois, allez-y, Jocelyn, vous n'en faites pas pour nous. Il est normal que vous ayez des amis de votre côté. Par ici, serait-ce grade Même question. Souvenez-vous qu'il a soulevé le bonnet d'un tricot à un certain moment, se demandant, ah, ça n'est pas grade. Qu'il s'approche, au premier plan de dos, il parle à Samuel Moab. Samuel Moab, vous ici. Et là, on voit à l'arrière-plan intervenir les deux personnages dans cette belle profusion de cases qui devient très très vivante avec d'un seul coup quelque chose qui bascule. Alors, on voit mieux, on voit le plus près ce personnage donc de Spergossi qui a été enfin nommé. On le voit de plus près et je me suis demandé si, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais vraiment l'impression, un des personnages importants des, des fictions de cette époque, le voici, et il se trouve qu'il porte un casque colonial. Dites-moi ce que vous en pensez. À cette période, Peter Ustinov joue le rôle de Hercule Poirot. Et ici, c'est dans euh, euh, Blanche McManus. Non, euh, je crois que c'est ah, Malcolm McManus. Ah, je ne sais plus du tout. J'ai toujours appelé McManus. C'est le dessinateur d'Illico. Tu ne vois pas ce que c'est ah, Je peux vous montrer ça. Euh, attends. La famille hélico, voilà, c'est ça. Hop. C'est ce truc-là, c'est très très bien. C'est drôle comme tout. Voilà, c'est ça, hélico. Enfin, je sais pas s'il y a des planches. Là, ils n'ont mis que des couvertures. Donc, c'est pas très intéressant, mais. C'est euh... Magique. Il fera des strips pendant 40 ans, je crois. Alors, donc, oui, euh, j'avais vraiment là. Je voyais, je peux pas empêcher de voir dans, euh, dans Spergossi, dans le personnage de Spergossi, le Peter Ustinov interprétant Hercule Poirot. Voilà, peut-être tu me. Je sais pas. Donc là, on a un bel effet de densité. Et euh, ces, ces constructions là de, de visages très serrés, massifiés, euh, me font penser une fois encore. Un truc peut-être un peu bizarre, mais... Alors est-ce que... J'en trouve une version ici Ah merde, j'aurais dû les chercher avant. Ça m'apprendra. Euh, parce que... C'est compliqué, celui-là n'est pas très très représentatif. Mais à la période du maniérisme flamand, on va beaucoup voir apparaître des compositions au euh, Homo, euh, où le Christ est entouré de têtes très proches de lui pour créer un effet de tension dramatique très serré. La, la foule qui insulte le Christ et le, le visage du Christ lui-même sont très très rapprochés. Dans des scènes euh, où on n'a guère que quelques visages collés les uns aux autres... Mais je vois bien que je ne trouve pas ce que je cherche. Donc, il va falloir me croire sur parole. Vous voyez, ça tourne plus ou moins autour de cette sorte de configuration. C'est une capacité à ramasser de façon très... En rapprochant vraiment l'œil au maximum de la foule dans laquelle on est pris. De donner une, une, une intensité à, à une action. Et nous faire suffoquer en, fait, en étant pris en elle. Là, c'est lui, l'espion électronique que Zaret a vu hier dans le labo penché sur les circuits chronotiques. Où ça « je, je vois pas où Là Là !»« Ainsi, ah, vous m'avez reconnu, Major Groubert. Vite, votre rapport sur les deux niveaux. Vite !»« Tangra dans, dans la tête Il a tiré Il a tué !» Là, il se passe donc une espèce de scène très, très échevelée. On est en plein dans un truc extrêmement euh, aventurier, super dynamique, avec euh, une magnifique composition d'avant-plan. Euh, ici, vous voyez, euh, sur les deux cases du haut... Comment se constituent comme ça les, les, les jeux de coupe entre les avant-plans On est à la limite du déchiffrable pour, pour certains d'entre eux. C'est vraiment stupéfiant. Le renversement dans la, la troisième case crée un, une toute petite microseconde, un, une sorte d'intimité de relation dans laquelle on a beaucoup à attendre puisqu'il veut le rapport sur les deux niveaux de ces deux rapporteurs. Et la dernière case bascule dans une espèce d'excès ahurissant. Le personnage de Spergossi est emporté par son tir avec une puissante dynamique. Il y a un côté complètement burlesque aussi dans la façon de parler. On en a tant gras dans la tête. C'est complètement exagéré, évidemment. Et le personnage qui l'accompagne, le photographe, dit « il a tiré, il a tué ». Il n'y a rien qui est... « Askesti-ji, il y ressemble à Flip, Little Nemo ». Oui. Mais oui, un peu de ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Page suivante. Après cette belle page extrêmement dynamique, Alors, je regrette de pas avoir pensé avant à aller vous chercher euh, des images des contemporains de Bosch hein, avec ces, ces plans très très serrés pour des mot euh, assez assez dense, hein, qui à mon avis. Euh, permettre de bien comprendre le, la façon dont mes bus construit ces cases là. Le garage hermétique de Jérémie. Que, là on est obstrué par une silhouette. Du major. Résumé. Petite. L'ingénieur Barnier a rencontré un archer masqué à Bonsoir, bonsoir Monsieur Carnaval, bienvenue à bord. Ah, tu arrives en pleine lecture, donc je ne sais pas ce que tu as suivi jusqu'ici, si tu viens juste d'arriver, mais si tu viens juste d'arriver, désolé. Euh. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai peut-être pas déconnecté, je suis con. Excusez-moi. Je vais faire ça tout de suite. Parce que j'avais bloqué euh, l'intervention des nouveaux followers pendant 24 heures. Euh, juste pour protéger... Euh, notre ami Gaël, les éventuels casse-couilles, mais vous n'avez aucune raison de subir ça ce soir. Je vais, je vais faire, vous laisser la place pour causer, parce que c'est, n'est pas cool pour vous. C'était juste une manœuvre, donc de, tu vas pouvoir dire bonjour si tu le désires. Tu n'es pas obligé de parler. Hein. Et puis les autres nouveaux followers également vont pouvoir causer, parce que je vous prive de la capacité d'intervenir, ce qui n'est pas cool, cool, cool. Alors, paramètres, modération, je crois que c'est là. Hop, hop, hop. Chat différé, non, c'est où déjà? Période de récupération, demande d'annulation de bâtiment. Quels outils de modération du chat? C'est où déjà? C'est où déjà? C'est où déjà? Bloquer les liens hypertexte, non? Ah, merde, je vais vous trouver ça. Hein. Vérification du chat, on s'en fout, c'est pas ça. Ah, merde. Période de récupération. Ah voilà, mode réservé aux followers. Hop, on éteint ça. Voilà, voilà. ne oh, suis même pas obligé d'être follower d'ailleurs pour, euh, pour causer. Vous pouvez parler si vous voulez. Voilà, normalement ça doit marcher. Monsieur Carnaval. Ah voilà. <laughs> mais non, mais c'est pas grave du tout, monsieur Carnaval. Je, je supprimais euh, les coupes. Voilà, bande dessinée a désactivé le mode réservé aux followers dans la discussion. Voilà, voilà. Comme ça, vous pouvez causer si vous voulez. Donc c'est pas grave. Donc on continue. Alors. Nous assistons au moment donc, où Moad, l'espion, le, se bouffe un coup de laser en pleine tête. On a vu un truc assez extraordinaire, c'est la déflagration commence dans l'épisode précédent et donc elle vient s'effectuer un mois après, vous comprenez C'est-à-dire que le, nous sommes dans notre feuilleton, le tir est donné ici, euh, nous savons qu'il a tiré dans la tête puisque c'est ce que disait la dernière case, nous avons cette ligne euh, fascinante qui n'est pas si habituelle que ça parce que... Regardez, on est appelé à comprendre à peu près vers où tire euh, Spergossi parce que la, la direction euh, est contre la lecture. Vous voyez, il tire dans le sens inverse de la lecture. Donc, ça clôt le récit euh, jusqu'à jusqu l'épisode suivant de façon assez ingénieuse. Ça le clôt par le corps même de Spergossi. Je vais vous remontrer ça à l'écran. Vous voyez bien comment ça fonctionne. C'est quand même assez puissant. Et c'est une belle trouvaille. Hop, hop, pardon, c'est là, on est. On a donc ce tir, dans la tête. On attend un mois, et un mois après, le rayon laser atteint euh, la tête de sa moade. Et elle l'atteint dans le sens conservé de lecture, hein, euh, étrange, de lecture du tir, de droite à gauche, c'est-à-dire que dans l'inversion, mais euh, maintenu dans le sens imprimé par la page précédente. C'est-à-dire que là, Mébus a vraiment pensé euh, au rassemblement des pages à un certain moment. On, on quitte le, le moment où il anticipe pas celui où tout ça va composer un récit. On peut dire qu'il est cet indice-là laisse supposer qu'il est déjà dedans. Il y a toute une logique extrêmement ingénieuse, extrêmement puissante qui fonctionne là pour le coup vraiment dans la double page, avec en tout cas dans le maintien d'une tension d'un mois à un autre sous une certaine forme et qui vient donc là se réaliser ici. On, on a cherché à me tuer, Sam. Donc là, on comprend quelque chose à cet endroit-là évidemment. C'est quelque chose sur la nature de de Sam. Il est peut-être de la même nature que l'archer. Parce que là, normalement, il ne dit pas on a cherché à me tuer, puisque la moitié arrière de sa tête a sauté. On comprend qu'il est lui probablement également un androïde. Donc il y a des, des moments comme ça où l'artificialité est, 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 est ramenée à la surface du récit de façon très violente, mais euh, toutes les artificialités, à savoir des protagonistes eux-mêmes. Et un truc particulièrement étrange aussi, là, c'est la, la, le visage et l'attitude du major, qui est juste dubitatif. Comme si tout ça ne l'inquiétait pas beaucoup. Euh, ça laisse supposer que le, le, la mort éventuelle de Sam, la destruction de cet androïde, n'est pas forcément si importante. Arrêtez-le, c'est un assassin, donc on voit Sperg aussi, qui court en disant ⁇ non, laissez-moi fuir ⁇ Il y a une espèce dans cette cage. Une espèce de furie très très particulière, c'est très beau dans la double page. Par ailleurs, vous le voyez bien en bas de voir cohabiter ce moment du tir et ce qui se passe ici. C'est à dire qu'on a plusieurs hein, possibilités de lecture assez fines. Donc, sur celle-ci, je pense qu'on peut accepter dès qu'il y a un vrai travail sur la double page hein, qui passe ici par le, la lecture de ce faisceau d'ici et ici. C'est vraiment un dialogue entre ces deux cases qui est le, la logique même de la lecture. Et pourtant, il y en a une seconde qui se joue ici, donc ça laisse. Euh, Ici, si ça, dans une espèce de scène-là, dans une suspension de temps, on a une quasi-contiguïté entre ce passage-là et ce passage-là. C'est cohérent, je dirais, avec le, avec le temps du récit en question. Là, quelqu'un présente sur la tâche, une tâche sur la robe d'une des femmes qui était dans, dans l'assemblée, présente une tâche et dit. C'est le sang. Là encore, même quand les interventions sont liées à un événement qui est Dieu, la, la façon de le dire, la formulation provoque aussi de des des dérèglements d'étrangeté. Allez récupérer la manette, je m'occupe de Samuel. Merde, merde. D'accord, on se retrouve devant l'émetteur central de l'Og, au fond de galerie jaune. Et là, on entend Tang, ce qu'il est supposé, vu que c'est le bruit que fait l'arme d'Esperg aussi, qu'un deuxième coup a été tiré, mais nous n'en sauront pas plus. Ça aussi, c'est quelque chose de très propre à Mébius, c'est un micro-événement euh, et plein d'une potentialité parce qu'il est lié à un autre, on sait qu'il qu peut avoir de gros effets sur le récit, et pour autant, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe à l'arrière-plan. Nous ne savons pas ce que ce deuxième coup de feu a créé. Mon pauvre ami, tu l'as dit, jean Major, Major, mort, c'est incroyable le poids de cette simple manette. Où là, on est rappelé à l'ordre euh, de quelque chose que l'on suit depuis dix épisodes, à savoir la mallette du major, qui est toujours là, qui est une constante et qui est dans la main de, de cette protagoniste. On retrouve l'appétit de Mébius pour ces espèces de graphismes extrêmement chargés, saturés, euh, granitiques. Pour reprendre une belle planche, une planche, on pourrait dire assez freydienne, elle fait penser à à ces jeux à travers lesquels Fred fait passer euh, ces jeux d'espace feraient passer filémon dans, dans les aventures de, de du A et euh, ça nous permet euh, de fabriquer autrement euh, la question des lieux de passage qui est, vous l'avez vu la question centrale des constructions du récit où euh, où cette page n'est que ça et euh, du coup elle nous fait penser plein plein de trucs vraiment particuliers cette case, cette page pardon nous avons des ouvertures qui sont aménagées dans ce jeu de tuyaux qui nous permettent de voir les euh, déplacements de l'arc d'Alstrée, c'est ça oh, Il a un nom vraiment, ce garçon. C'est assez compliqué. Ah oui, c'est ça, l'arc d'Alstrée. Ces aménagements sont pour nous. Ces aménagements nous permettent d'avoir une vue subreptice dans un espace qui, a priori, nous serait interdit. Et à cause de ça, ça nous fait penser de façon différente. La page traditionnelle, avec ses euh, comment dire, avec ses interstices, avec ses gouttières. C'est-à-dire que, à cause de ce découpage particulier, à cause de cette intervention euh, extérieure qui vient pratiquer des ouvertures euh, dans les tuyauteries traversées par l'art pour nous permettre de le voir au gré de son déplacement, c'est comme si d'un seul coup nous pensions toutes les cases elles-mêmes comme aménagées. Par quelqu'un d'autre aménagé, découpé, euh, ayant une autre matérialité pour nous permettre de voir quelque chose dedans. C'est l'idée même euh, du monde de fleurs hein, et de la façon dont on pénètre des différents niveaux pour pouvoir accéder à des lieux où se déroule l'entrée. Bon, autrement, vous voyez là une construction qui est assez classique de l'héritage de, de l'enluminure et de la, de la peinture euh, ou de la tapisserie, euh, surtout du XVe siècle. Où, euh, et puis bon, ça se continuera dans des peintures comme celle de, de Carpaccio. C'est cette construction d'un récit qui rend euh, dans un même espace donc, où des, des figures sont euh, à la fois conjointes dans l'espace et disjointes dans le temps. Voilà. Donc c'est un, une construction finalement assez savante, bien qu'elle soit très simple à lire. Qui produit différemment que des opérateurs habituels de durée par case la possibilité de suivre le cheminement d'un personnage sans avoir nécessairement à produire de violentes séparations. Voilà, bah euh, le statut est un peu ambigu, ambigu puisque, évidemment, le, 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 la construction même euh, elle laisse supposer que. Comment dire une intervention extérieure rend ceci possible donc ça casse le, 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 le simple illusionnisme d'un même espace à travers lequel euh, déambulerait un, un personnage c'est plus plus complexe que ça à cet endroit là l'arc est depuis plusieurs heures dans une espèce d'interminable boyau mais mu par son instinct il va résolument de l'avant là, on est prévenu par une date, par ailleurs, que on est en 77. Donc ça fait déjà deux ans que bus est en train de dessiner ce récit. Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Donc là, on suppose qu'on est dans un nouvel, euh, un, un nouvel épisode. Alors que rien ne semblait est jusqu'ici. Après avoir embrassé cette femme, je me suis soudain senti télétransporté dans cette espèce d'interminable boyau. Ah, là-bas, on dirait la sortie. Dans ce strip, dans cette bande, dans ce registre. Donc, on a le droit à une entrée et sortie assez intéressante. Hein, une composition qui passe par la lumière et va se replonger dans l'ombre. On a une espèce d'unité euh, spatiale complète à cet endroit-là de la page, comme un, un retroussement, si vous voulez, de la page en elle-même. On est invité à le dire comme tel, notamment à cause des boyaux euh, de la page précédente, comme si d'un seul coup, hein, on, on, on produisait une verticalité à cette construction. Résumé les étoiles ne sont pas réparties au hasard dans l'univers et cette histoire se déroule dans la constellation du Lion, de type SBA, Mount Wilson, and Palomar Observatories. Donc là, clairement, euh, il faut être plus, mais plus se foutre de notre gueule. Ce résumé n'est pas un résumé. L'information qui est là ne nous donne euh, aucune espèce de, je dirais, de renseignement utile ou supplémentaire sur la situation. Mais ce qui est plutôt drôle, c'est l'endroit où ça se place. On a une piédestal absurde en plein milieu de la page. On se demande si c'est pas une fois de plus une parodie de ce que fait son pote euh, Philippe Drouillet. Drouillet pardon. Et on a une, une information qui vient d'un seul coup bousiller cette construction, euh, juste pour intervenir un peu à tort et à travers. Approchez Par contre, ce qui s'est passé ici, c'est une conversion de forme. Vous êtes bien d'accord qu'il se passe quelque chose. C'est qu'on on rentre dans un boyau euh, de forme vaginale, mou euh, et, et souple et, et, euh, et, comment, euh, et arrondi. Et il ressort à l'autre bout du boyau dans une, euh, non pas une paraphrase, mais une, une paragraphie, si vous voulez, de la construction d'une planche en case avant d'aboutir à cette dernière case comme si cette case était produite par cette matrice-là. Vous êtes l'arc d'Alkstré. Je vous attendais. Enfiler cette tenue et pénétrer dans la machine à alors qu'il en sort. Hein. Aussitôt à l'extérieur, ne vous laissez distraire par rien. Votre mission est de ramener Eric Cornelius ici avant minuit, heure locale. Donc on a compris que Jerry Cornelius avait un frère avec lequel il était brouillé. On ne voit pas du tout pour quelle raison il faudrait le ramener. On ne comprend pas l'intervention, évidemment, de cette nouvelle requête. Et tout ça semble hors sujet avec ce que Malvina attendait de l'intervention de l'arc donc Que fait l'arc L'arc suit le portier jusqu'à la machine. Et on arrive donc. À cette page extrêmement chargée euh, de décoration. Donc, on revient à cette espèce de goût euh, très art nouveau, finalement, mais un art nouveau euh, matinée de science-fiction. On est, euh, vous voyez les, les stations de métro de Guimard et de Lonnais, ces espèces de grandes choses végétales. On est dans cet esprit-là, euh, du rinceau un peu malade, un peu surhabité, mais habité de technologie. L'arc suit donc le portier jusqu'à la machine et il revêt la tenue qui lui permettra de circuler sur Terre aléatoire SDX. Donc il va sur une, la fameuse Terre aléatoire, dont on, supposait on doit supposer qu'elle est juste par opposition aux constructions de Groubert, une planète comme une autre. Et il est question de s'habiller. S'habiller pour un personnage, c'est se préparer à être conforme à une situation. Pourquoi Parce que... Quand on ne sait pas quoi faire d'un personnage, quand on ne sait pas comment le caractériser, généralement, qu'est-ce qu'on fait On caractérise ses attributs. Si vous n'êtes pas foutu de construire de la psychologie, etc. on voit très bien ça dans les très mauvais films d'horreur, euh, un tel, euh, c'est le gars qui a des vêtements sportifs, il n'a pas, pas de personnalité, le, le réalisateur ou la réalisatrice, sait pas lui en construire une, mais il porte tous les attributs qui vont faire un sportif, elle, elle aura tous les attributs qui feront d'elle une godiche, elle, elle aura tous les attributs qui feront d'elle une intello, etc. Elle portera donc des lunettes, elle aura des vêtements de tel type. Le vêtement, c'est un petit peu, on va dire, le marqueur, euh, d'une certaine impuissance descriptive à, à faire quelque chose d'un récit. C'est vrai également dans le roman, quand quelqu'un vous dit d'un personnage qui portait une chemisette bleu pâle, a priori, on s'en cogne. Quoi. Mais on, on, on sait déjà qu'il va avoir beaucoup de mal à lui donner un corps, une parole, une voix, une existence. Tous ces, ces petits machins qui fabriquent du récit, c'est un petit peu comme le, le cara design quand vous ne savez pas du tout comment construire un personnage. Oh bah écoutez, je ne sais pas, vous pouvez toujours perdre quelques heures à essayer de lui dessiner euh, des plumes colorées ou des choses comme ça. Là, on rit beaucoup avec la, cette question du costume, comme si c'était déterminant pour savoir quel est à, quel est, allait être le caractère de l'aventure qui suit, euh, dé, codépendante du costume Alors, À l'arrière-plan, on voit un costume grotesque avec des ailettes, et, euh, une espèce d'avancée de groin euh, machinique, euh, comme un masque à gaz couplé avec euh, la cagoule de Captain America. Le personnage dit Ça, c'est un beau costume. Notre héros porte une abominable chemise hawaïenne et des sandales. Il dit, quelle horreur cette tenue. Mais on doit avoir en tête ce qui se passait avec aussi quand à l'avant-plan, quelqu'un disait qu'il était extravagant. Donc on doit, ça doit remettre en, en doute notre capacité à juger réellement de, de cette tenue. Et le type d'à côté dit, qu'est-ce que je devrais dire Moi, jamais je me suis senti aussi ridicule. On serait bien enclin à dire d'accord si on n'avait pas été habitué depuis le début à des costumes évidemment tous plus étranges les uns que les autres. Là, d'autres envoyés s'apprêtent pour des destinations parfois mystérieuses. Moi, je vais en Normandie, un pays sur Terraléas SDX, pour y retrouver Eric Cordelus et le ramener ici. Donc, il est à nouveau question du bord de mer et de Normandie. Damn, où sont mes bolgues demande le personnage d'arrière-plan. De dos, nous voyons une femme qui semble bien être quand même la princesse Leia. Alors, je, nous sommes en 77, hein, donc euh, le premier épisode est sorti. Je suppose qu'il s'agit de ça. Et à droite Contrairement à ce qu'a affirmé euh, dans, euh, dans, son, euh, comment, euh, dans son interview, c'est bien lui-même qu'il euh, qu dessine ici, des profils disant « Vous deux, derrière, un peu de silence, sauf tous, c'est à vous d'entrer dans la machine. » Et que manipule-t-il Une machine qui est clairement une citation, il n'arrête pas. Hein. Il n'arrête pas de jouer avec l'univers de son pote Druillet. Et là, c'est vraiment ce qui se passe à l'avant-plan avec cette espèce de machine C'est un de ces antiques transmetteurs de matière qui doit dater au moins de l'époque des Taraïs. On y revient, vous vous souvenez tout à l'heure de l'arrière-plan avec cette loutre Ce relais est le plus ancien de tout l'empire Gruber. Attention aux étincelles. Et là, évidemment, c'est une question intéressante relative à l'âge du Major. On a compris que le Major avait atteint l'éternité. Pour autant, quand il est question de son âge, évidemment, euh, on, nous renvoie, on, on nous le renvoie comme matérialisé au XIXe siècle. D'un seul coup, on, on, on se demande c'est quoi en fait le, le présent de fleurs De quel présent s'agit-il C'est des choses qui sont très compliquées à évaluer par rapport à tout ce qui a été construit jusqu'ici. Et ce présent de fleurs, ce qui est intéressant à penser aussi, c'est qu'il est... Il n'est pas déterminé par les lois de l'univers, évidemment. Il est déterminé, pour le penser en termes d'âge, par, par l'âge de gruber lui-même. La question de son antériorité, elle est liée à l'imaginaire archéologique de Gruber. Même s'il lui a donné corps, il n'a plus commencé à lui donner corps qu'à partir du moment où lui-même a construit son monde. Jamais je me suis senti aussi ridicule, dit ce personnage. Là, on voit que la machine tout entière déborde les cases, comme si nous les accompagnions nous hein, à cet endroit-là du récit, pris aussi dans cette espèce de jeu de sas à cet endroit-là. Pouah, ce n'est guère engageant. L'axe et c'est à vous. Allez-vous, allez, allez. Donc là que c'est le trait, ça prête à pénétrer cette machine à tuyaux, puisque c'est comme ça qu'elle a été appelée, machine à tuyaux. qu'en regard de certains excès de babillage technomorphe, il y a d'autres moments bah, où une machine à tuyaux n'est qu'une bah, qu machine à tuyaux. quoi. Mais se jouent assez admirablement comme ça à passer d'une un, proposition à une autre, on va dire d'un régime à un autre lexical. garage hermétique de Jerry Cornelius. Dans là, les, les lettres sont... Bah, c'est c'est pas la bonne page. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ah, on est là. J'ai fait deux pages. Je suis désolé. Résumé, après quelques hésitations, Sam Moab meurt <laughs> assassiné dans une cafétéria de l'Olog Imperium du deuxième niveau. Donc, après quelques hésitations, il meurt. Filon, il fume, dit le Major. Mais sans supposer que peut-être ça pourrait péter. C'était mon amant. Un amour passionné nous a liés. Rassurez-vous, ce n'est qu'un double mécanique. Le véritable Samuel Moab est resté à bord du Siguri comme si on pouvait douter qu'il était un droïde. Plus que tout de même, hein, il s'est pris une balle dans la tête, a marché quand même pas mal de temps avant de tomber. Ah, d'accord, fait-elle. Tout va exploser. Bah, odeur dégueulasse, un mélange de chair et de plastique brûlé. C'est un bureau beau, laissez-moi faire. Il y a donc un spécialiste qui arrive à l'avant-plan. On voit nos deux protagonistes s'éloigner. Éloignons-nous maintenant de le log. L'endroit va bientôt grouiller de policiers anxieux d'éclaircir cette histoire. C'est ça. Retournons vite en ville. Ah Il suffisait donc de, de tirer sur cette minuscule clavette. Bien sûr. Voyez, le diode majeur a été endommagé par le projectile, ce qui a entraîné un échauffement des trois valves et un effondrement du circuit cristallin. Pouf Quelle émotion Émotion. là, on a toute une gamme variée de relations à, à, à ce corps. Hein. Euh, comme pris euh, dans une, une étrange euh, multiplicité émotionnelle il y, y a des personnages qui qui sont tout afférés autour de ce corbeau grillant et d'autres qui sont déjà pris dans autre chose, qui ont déjà plus ou moins euh, chassé de regard ce qui s'était passé, n'a plus tellement d'importance c'est un rabattement si vous voulez du, du quotidien euh, alors comme ça on détourne nécessairement la citation proverbiale de la chaîne Qu'est-ce que j'ai dit Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai parlé du bleu De la flogistique Ou du flogistique d'ailleurs Je sais pas si masculin ou je sais plus. Qu'est-ce que je disais Des conneries, je suppose. On va passer à la page suivante. Oui, qu qu que veux-tu dire par là J'ai détourné quoi À bord du siguri toutes les familles vous considèrent comme un être mythique, Major. Quelle joie, quelle extraordinaire joie pour moi de. Hum, Raconte-moi plutôt ce que tu as vu pendant votre traversée des premiers et deuxièmes niveaux. Surtout ce qui se rapporte à Jerry Cornelius. On se demande s'il se rappelle à l'ordre. Pas vraiment... enfin, ça ressemble à un rappel à l'ordre du lecteur qui semble parler à toute cette machine euh, gigantesque tout entière pour essayer d'attendre de dire... d'elle qu'enfin elle nous raconte ce qu'on attendait qu'elle nous raconte plutôt que de se perdre dans des nouvelles considérations. Parfois une machine à tuyaux est juste une machine à tuyaux. C'est vrai, parfois une machine à tuyaux. <laughs> je vois, je vois, je vois. Et là... Au moment précis où la phrase du major nous, nous incline à penser que oui, effectivement, on va peut-être revenir à un rapport normal à ce récit. On va peut-être revenir à un moment où on pourrait attendre de lui qu'il qu qu va s'établir ce récit. Dans, dans... Eh bien non, apparaît un nouveau personnage. Une enveloppe pour vous, président. Ah, ce sont les photos de Spergossi. Donne vite. Donc, on a vu que Spergossi était toujours accompagné d'un photographe. Incroyable. Le major. Donc on sait que c'est au président que sont envoyées les photographies que prenait sans cesse. Qui est-il ce président Nous ne le savons pas encore. Pendant ce temps, le major, accompagné de cette jeune femme, dont nous ne connaissons toujours pas le nom, va chercher la chambre 6. Donnez-moi la chambre 6. La chambre 6 C'est très marrant, je suis en ce moment en train de regarder à nouveau avec... Avec euh, Agnès, une série qui date à peu près de cette période-là. Euh, une série, alors je ne sais pas quand elle a été créée la première fois, euh, de Patrick McGowan qui s'appelle euh, The Prisoner, le prisonnier, euh, où il joue le rôle euh, du numéro 6. Euh, euh, quelle est la symbolique du 6 dans ce bouquin Je n'en sais rien, et on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Euh, dans la tradition cabalistique, le 6, c'est. Euh, c'est le clou, le, le crochet. Hein, ça. Euh, je crois que je vous avais dessiné d'ailleurs. À, à, à le VAV. Ouais, C'est vous que vous ne sachiez pas ce qu'est un VAV. Voilà. C'est euh, la sixième lettre de l'alphabet hébraïque. Le crochet, le clou. Voilà, voilà, voilà. Et bon, bon on s'en fout complètement. Alors, on continue dans le garage hermétique ah, au chapitre suivant. On bascule d'un seul coup dans un univers aquatique. On n'avait pas encore abordé des rivages. On était dans des espaces urbains, on était parfois dans le désert, et là, on voit l'extension finalement du monde de Grober dans toutes les propositions matérielles, ce qui permet aussi d'enrichir de, le, le vocabulaire graphique et les constructions de Mébius. Résumé, comme dit Luc, 12-2, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être connus. Ah ça c'est marrant. Euh, effectivement, euh, comment dire euh, C'est bien ce que dit Luc. On pourrait penser, excellent, les scènes de lutte sont montées et chorégraphiées n'importe comment. C'est très amusant. Euh, dans quoi Ah je sais plus. On était dans quoi Je ne sais plus. Pourquoi tu parles de ça Les scènes de lutte sont montées, chorégraphiées n'importe comment. Euh... Tu es en train de regarder autre chose, toi <laughs> Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais Oui, il euh, y a ça, en résumé. Et ça nous ramène à quelque chose d'autre, en fait. On parle sans cesse des, euh, de la configuration insaisissable, finalement, de Fleur, de l'astéroïde de, de Grober. Mais. Parmi les choses insaisissables, c'est euh... ah oui, c'est sublime, oui oui c'est vrai, c'est très très bien. Mais les scènes de baston, je les oublie facilement puisque c'est à des aspects un peu anecdotiques de du prisonnier. Mais ah euh... oh. Qu'est-ce que c'est que ce souk Il y a Franck qui déboule avec 54 viewers. Oh, comme c'est gentil Franck, bienvenue à bord. Comme c'est mignon, on était en train d'évoquer euh, ma série favorite. On a évoqué Le Prisonnier de Patrick McGowan et Glitch se foutait de la gueule des, euh, des bastons qui sont chorégraphiés de façon très très étrange, effectivement, complètement artificielle. Merci pour le follow Nadia et bienvenue à bord, c'est très gentil d'être là. Donc ce soir, on fait un truc un peu particulier. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'avais inaugurer quasiment la chaîne avec ça, euh, la lecture complète d'un album de bande dessinée, c'était le polyphème des frères le Glatin. Donc c'était une lecture accompagnée page à page, c'est une expérience qui se fait pas, en fait c'était euh, une proposition assez euh, étrange, je savais pas si ça pouvait être intéressant ou pas, et c'est accompagné de digressions, c'est accompagné aussi de documents, pas mal. Euh, là le, le live s'est ouvert par énormément de présentations du major tu crois que Doppelgaming adore ici, mais tu sais pas s'il a suivi le raid. Ah, d'accord, qu'il adore la, la. série. Et toi aussi, tu adores ça Bah, écoute, ça, ça a bercé toute mon enfance. Moi, ouais, je suis né en 67. Euh, donc, j'ai grandi avec le prisonnier à la télévision. Et c'était un. Putain de trucs, j'avoue. J'avoue que j'étais euh, hanté par les rôdeurs, dans ces grands ballons blancs euh, qui m'effrayaient beaucoup. Donc je lis euh, Le Major Fatal de Mébus, qui est euh, la réunion en album à un certain moment, en 1979, puis dans la version que moi je possède, celle de mon enfant, celle de 81, la réunion de ce qui était... Euh... Là, toi, tu es quasiment pas vu, d'accord Ça vaut vraiment le déplacement, c'est une, une, sacrée, une sacrée série qui est la réunion donc, de 35 épisodes publiés dans Metal Hurlant de 1975 à 1979 euh, d'un feuilleton complètement improvisé. Donc j'ai pas mal longuement parlé de ce qu'était l'improvisation pour Mébus, de comment il composait, de son premier euh, euh, récit improvisé. Et là, on est rendu déjà un peu loin dans le récit, mais vous êtes bienvenus à la fois pour intervenir, poser des questions. Hop, 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 hop. Merci pour le follow, il faut que je baisse ce coq fou quand même, il me crie dans les oreilles, ça doit vous les casser aussi j'imagine. Mais merci pour le, pour le, 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 le follow, excusez-moi. Je commence un tout petit peu à fatiguer, mais ça va aller. Parce que ça fait combien de temps que je lis ces conneries Ah oui, ça fait 5h20 quand même. Ça fait 5h20 que je suis en descriptif, dépliement. Ça va être quelque chose quand même, ce live. I'm not number. I'm a free man, effectivement. Oui. Et donc là, on était à un moment où, en résumé, parce qu'il y a un petit résumé au début de chaque chapitre, Mébus dit, comme dit Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, rien de secret qui ne doivent être connu. Donc on pourrait imaginer euh, que Mébus se fout de la gueule du monde, qu'une fois encore il, il, il truque les cartes et qu'il la joue Borgès en faisant une fois citation, mais pas du tout. En fait, dans Luc 12, effectivement, alors je vais traduire, je prends la traduction de je sais plus si celle de ou d'hostie que j'ai pris, parce que j'ai chopé en ligne. Bon, si c'est Segond, excusez-moi, elle est probablement très mauvaise, mais on s'en fout un peu. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui de la traduction biblique, on verra ça peut-être une autre fois ici. Que dit euh, Luc Il dit Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns aux autres. Et Jésus se mit à dire à ses disciples Avant tout, gardez-vous du levain des, des pharisiens qui est l'hypocrisie, donc le socle de la puissance des pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui tiennent le temple à cette époque et qui sont plus ou moins en collusion avec le pouvoir du, du tétrarque romain, hein, qui sont plutôt à sa botte, qui est euh, l'hypocrisie. Jésus aime ni les pharisiens ni les saducéens. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Et là, à quoi on pense On peut se remémorer tout ce que j'ai pu vous dire sur le corpus hermétique, sur le, le fait que le garage hermétique s'appelle le garage hermétique le fait que cette petite sentence soit écrite à côté du mot, du mot hermétique les habitués. De de, cette, de de la tradition hermétique connaissent la plus célèbre de toutes les citations euh, de la table d'émeraude qui est « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » On est vraiment typiquement dans cette proposition de retroussement et on comprend mieux euh, ce que nous disait euh, dans le chapitre euh, je ne sais plus combien, le petit père euh, euh, Gruber, euh, quand il disait ce qui lui plaisait, ça. Ce que j'aime dans le garage hermétique, c'est la variété infinie des moyens de communication entre les trois niveaux. Ce qui suppose, s'ils sont infinis, évidemment, qu'il n'y a pas de dimension spatiale euh, qui en limite, si vous voulez, le, les modes de passage, ni du haut, ni du bas, et même dans les extensions temporelles, puisqu'on a bien compris que la temporalité était affectée par l'expansion euh, des générateurs euh, Gruber. Donc cette mystérieuse technique, technologie qui permet à Gobert de, de, faire, de faire son monde, mais qui affecte aussi évidemment les temporalités, qui produisent finalement des sortes de plis archéologiques dans l'évacuole les, euh, les de ce monde euh, artificiel. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ici maintenant bon, En principe, nous attendons l'ouverture d'un sas interplan. C'est dit. Vous n'avez plus rien à faire dans cette histoire. Vos talents d'ingénieur sont pas en cause. Vous aurez du travail sur Ventouse. C'est même pas un parsec d'ici. Là aussi, un parsec, c'est du vocabulaire de, de l'ASF. Je ne sais pas s'il le doit aussi à, à, à CADIC. Les habitués des lecteurs du de SF pourront me répondre, parce que moi ça, je ne sais pas. Je sais que les constructions de monde à niveau, euh, c'est CADIC. C'est plutôt dans UBIC, si je me souviens bien. Le parsec, euh, je ne sais pas. Le CONAPT, c'est une invention de... De, de, comment, de, de Cadic aussi, qu'emprunte régulièrement mes bus, d'ailleurs qu'il qui va utiliser dans la cale et qui apparaîtra ici à un certain moment. Le Parsec, je ne sais plus. C'est même pas un Parsec d'ici. Les Rigaliens réclament un spécialiste câbleur dans votre genre. Ah ouais, les, les Rigaliens, ces êtres mi-biologiques, mi-métalliques. Bah, je suis pas fâché de quitter cet univers absurde. Et je vous comprends. Et nous, on doit comprendre qu'on n'a pas la chance de Barnier, hein, qu'on ne va pas le quitter. Que nous file encore Glitch comme cochonnerie à regarder euh, C'est pas déprimant, enfin, de ce côté de l'écran, d'accord. <laughs> d'accord, d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu mets Réponds I'm not... A... Ah, tu as mis une, un petit extrait YouTube du prisonnier. Mais vous savez quoi On pourrait se faire ça ce hein, matin, des épisodes du prisonnier ensemble. Moi, je serais assez fan, hein, j'adore. Ouais, bon. Donc, on sait que Barnier, hein, quitte la couche de se merdier sans nom, bien malgré lui, merci pour le follow, Tortue Légale, et bienvenue à bord. Euh, Barnier lui va pouvoir se casser, alors que nous pas, que nous on est encore coincé ici pour un bon moment. L'aéroplane du destin. Ah, par cette toute petite mention en haut de cette case. Nous comprenons enfin ce que ce fichu observateur numéro 3, cet observateur dont nous avons vaguement compris euh, qu'il est lié à une des autres instances, un des autres pouvoirs, une des autres puissances de ce monde artificiel, mais on ne sait pas encore lequel est une des constantes de l'observation. On ne sait pas à quel niveau il se trouve. On sait, on sait qu'il n'est pas au niveau du Siguri, qui lui est à l'extérieur du monde de fleurs. On ne sait pas s'il est dans un retranchement par rapport à l'aéronef aéro, de Jasper, le celui de l'espion le, de Cornelius. On ne sait pas à quel niveau il se place parce qu'on a du mal à pénétrer le, ces fameuses structures finalement. orkeo c'est l'univers du major Gruber. Voilà ce que répond l'archer à cet univers absurde. C'est l'univers du Major Gruber, Ce qui veut évidemment dire c'est l'univers dans lequel Mébius nous plonge. On est bien d'accord que cette espèce de, de configuration qui superpose Mébius au majeur, on doit l'entendre comme acquise. C'est clair pour nous. C'est vraiment ce qui se passe. Et suite de cette proposition intéressante, mais c'est aussi celui de Jerry Cornelius maintenant. À quel niveau C'est difficile à dire. On sait que ça peut être au niveau intra-narratif, parce que Cornelius euh, s'arroge une part du destin de, de l'astéroïde en venant euh, prendre le pouvoir sur je ne sais plus quel niveau. Mettons qu'on s'en fout. Mais aussi parce que nous sommes pris dans cette histoire qui s'appelle le garage hermétique de Jerry Cornelius. Je dirais même que ce monde aura été celui, de, pour nous, aura été celui de Jerry Cornelius avant d'être celui de Groupe. Malédiction. Il ne doit pas me trouver. Archer, fais-moi sortir d'issue. Otréo, vos, il stockeo. stokéo! stockeo, Stornil. on sait pas de quoi il parle. On a l'impression qu'ils sont en état d'alerte devant l'arrivée de l'avion. Pour nous, l'avion, effectivement, est porteur de mort. Nous l'avons vu faire sauter le square de Rila. Comme je regrette d'avoir tué ce gars, Je me suis affolé. Vous autres ingénieurs, vous n'êtes pas préparé à l'action de la volonté sans désir. Olétra, Olétra L'aéroplane de l'innommable. Pourquoi portez-vous toujours ce masque Alors, Nous avons vu que cet avion s'appelait l'aéroplane av du destin dans la, case pré enfin, dans la page précédente. Et ici, c'est l'aéroplane de l'innommable. Mais ce qui est étonnant, et qui n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour vous, mais pour moi, auteur de bande dessinée, c'est des détails qui ne sont pas du tout insignifiants. L'aéroplane du destin est inclus euh, dans la case précédente euh, sans cadre. Regardez. Je sais que vous allez trouver ça minuscule et dans la page suivante l'aéroplane de l'innommable est pris dans un cadre et en fait le texte change de statut, ou change de voix en fait, il y a un degré d'implication si vous voulez du texte à l'intérieur de la case qui change c'est pas, euh, pas anecdotique ça veut dire que même le texte lui est pris dans des, des jeux de vacuole et de, de suspension qui peuvent l'impliquer plus ou moins dans le descriptif et donc donner un statut différent à l'énonciateur. Celui qui dit l'aéroplane de l'innommable, celui qui dit l'aéroplane du destin. On, a, on aurait pu postuler que ce soit le, le narrateur. Vous savez que le narrateur est mis à mal régulièrement par des interventions bizarres de la trame intradigétique. Mais là aussi, juste, ce jeu rend les choses plus complexes. Et pourquoi portez-vous toujours ce masque Pour qu'on puisse me reconnaître, sans lui, je ne suis que moi-même entre des murs infranchissables. Hmm, quelle curieuse philosophie. Et pourquoi vous intéressez-vous donc tant à moi Plonge. Parce que vous ne faites pas réellement partie de ce jeu. Le statut euh, du texte permet aussi, grâce au cadre qui entoure euh, le texte ici, de s'étirer autour de cette case, sans quoi il ne pourrait pas être lu, vous le comprenez bien, euh, de façon euh, différente de... Euh, Comment de la parole euh, portée par les personnages eux-mêmes. S'il était ici en dessus de texte et euh, avec l'autre texte au-dessous, nous sommes appelés à le lire. L'aéroplane de l'innommable, et pourquoi portez-vous toujours ce masque Plonge parce que vous ne faites pas réellement partie de ce jeu. Mais comme il est tenu dans une sorte d'extériorité, juste parce que petit tour de passe-passe, par ce petit cadre, alors nous sommes aussi invités à le lire comme une espèce de hors champ. L'aéroplane de l'innommable plonge. Ce qui évidemment nous incline à nous inquiéter, puisque la dernière fois qu'il a plongé, c'était pour faire sauter le square de Rila. Le garage de Jerry Cornelius, le garage hermétique. Épisode chez des cowboys. Résumé, vous n'avez encore rien vu. Épisode chez des cowboys, donc on se souvient qu'à ce moment-là, le travail reprend pour Mébus assez assidûment sur euh, sa série euh, Blueberry sous le nom de Gire. Euh, il s'en plaint souvent à cause de la somme que ça lui donne de travail. Et je crois qu'il a envie, d'une manière ou d'une autre, de venir euh, dérégler un peu ce qu'il est en train de faire avec Charlier, qui est quand même très. Charlier est un homme très exigeant, c'est des constructions narratives hyper euh, classicisantes. Il a moins de plasticité pour agir, évidemment, que sous le nom de Mébus quand il fait ce genre de choses. On voit donc chuter notre personnage qui sert à rien. Vous verrez que ça ne Mais rien, ce pauvre personnage. Il est envoyé par Malvina, mais on ne sait plus très bien pourquoi. On ne voit plus très bien ce qu'il est venu foutre là, puisqu'il a atterri dans un monde qui n'a pas de rapport avec sa prétendue mission. Et vous noterez que mieux encore, on n'y parle aucune langue euh, compréhensible. Esponel Ganak ou Siri, c'est un vous. C'est pas possible, cet endroit ne peut être en Normandie. Une seule explication. Le transmetteur a foiré, Et très visiblement. Donc il se fait haranguer par des cow qui lui disent « Isaac, ok, cest dit, dire pas de tout, c'est robotant, vort, vort !» Il se prend un pain dans la gueule. « Bord, bond, vort »« Vois-je reste de pour toi ok, Alors, on est maintenu dans cet univers de Western, ce détail près, évidemment, c'est que au-dessus, euh, dans, dans les cieux, il y a cette espèce de sphère qui, bah, ce tout petit effet de rien du tout, ah, attendez, vous l'avez pas là en pleine page, je suis con, ce tout est petit effet de rien du tout, cette incursion, si vous voulez, de cette sphère nuageuse composite dont on ne connaît pas la nature, euh, rompt euh, l'espace usuel du, du western en y maintenant un élément de, vaguement de SF, quoi. Donc la seule chose qui crée une tension, si vous voulez, continue entre le reste du récit de Major Fatal et euh, là où nous avons basculé, c'est ben, ces drôles de choses dans euh, ce ciel qui lui-même se soustrait aux, aux pratiques graphiques euh, de Bébus. On note que là, il a, il a choisi plutôt qu'une plume un pinceau. Il travaille avec quelque, quelque chose de plus gras. Il décide là encore d'imprimer des démarques plus fortes dans, dans les arrière-plans qui ont créé une espèce de brocart ou d'artificialité, comme on pouvait le faire euh, à cet endroit, comme on pouvait le faire par exemple oui, dans, la, dans la peinture. Euh, euh, du, du 14e et du début du 15e, vous savez, quand, quand le ciel se transforme en, en tissu lourd et chargé dans la peinture de Barthélémy d'Ecq ou, ou des choses aussi. D'ailleurs, d'un seul coup, le graphisme, pour la seconde fois dans le récit, passe d'un état à un autre, c'est-à-dire d'un état qu'on pourrait dire mimétique à un état sculptural quasiment. Donc il est jeté dans cette pièce. Une femme s'adresse à lui lui dit « Mon Dieu un homme du Siguré. Donc il y a dans ce monde-là aussi quand même des choses qui font pouls et qui communiquent au moins assez pour qu'il puisse être reconnu comme appartenant à un monde connu depuis celui-là. Donc là, il se marre. C'est très, très drôle. Vous goûtez, j'espère, tout le sel de cette plaisanterie. Pendant ce temps-là, nous avons les observateurs de Dame Malvina, vous vous souvenez, cet homme à tête de chien. Impossible de le retrouver, Dame Malvina. Le portier dit que le transmetteur a ripé d'au moins 30 degrés. On retrouve quelques-uns des personnages, vous voyez, croisés ailleurs, notamment ce personnage qui a les traits de Mébus lui-même avec son drôle de chapeau, que vous, si vous le voyez sur la case. Il faut ramener l'arc, le sort du majeur en dépend. Croyez-moi, ça ne va pas marcher. Et là, on cette espèce de case qui, qui fait figure de médaillon, et, euh, qui vient s'inscrire comme un oculus. Il n'y a pas vraiment de sens, c'est-à-dire il n'y a pas à cet endroit-là euh, une lunette, un oculus réel à travers lequel regardera le personnage. Ça vient juste sanctionner l'espace pour euh, rendre plus étrange finalement cette composition en bande, ou euh, venant se substituer aux compositions en registre de la bande dessinée avec ces cases, c'est comme un écho de cette construction-là qui vient à l'intérieur de, de ce, ce strip-là, de ce deuxième registre. D'une part, articuler les écrans de vision euh, à travers lesquels on peut observer les différents mondes de fleurs, et de l'autre, composer un espace décoratif à proprement parler qui semble avoir ses règles propres. Et depuis l'avion, on parle. Donc pour la première fois, nous allons pénétrer dans cet intercesseur d'un autre euh, espace de surveillance, cet avion. L'avion du destin. Mais là-bas, c'est bien l'archer que fait-il Que fait-il ici, en compagnie de Barnier Allô, centrale Opéra, passez-moi le président en priorité. Donc, on vient de comprendre que ce personnage, rajouté euh, récemment, le personnage du président, dont nous ne savons rien, nous ne connaissons pas l'importance dans le récit, c'est cet observateur-là, est l'observateur de c'est ce qu'on pourrait appeler. Cette, ce nouveau bolge, pour reprendre la terminologie infernale de, euh, de Dante, cette, cette nouvelle spire euh, à la fois du monde et à la fois du récit, la spire présidentielle ou la sphère présidentielle, euh, cet observateur, c'est le sien. Cet avion, cet aéroplane, l'aéroplane du, du destin, pardon c'est celui qui appartient au monde du président. Épisode suivant, le garage hermétique de Jerry Cornelius. Là, on a une page très saturée, très dense. Après les pages aériennes qu'on a croisées quelques fois, on arrive à quelque chose d'assez chargé. Et c'est comme un double de. Euh, vous vous souvenez de, de, des effets de rupture très violents qu'il y avait entre les espaces désertiques traversés par Jerry Cornelius, dans son gros camion, le fameux betterave 2000. Et euh, dès qu'on passait à l'intérieur du site jury paf On avait un monde chargé de machines, difficile à déchiffrer visuellement. Pourtant, on a vu aussi que dans certaines scènes, Mébus, c'est très bien hein, construire des scènes avec 50 personnages, euh, zéro effet d'ombre pour les lire et tout se lit très bien. Donc, quand il veut massifier, il le fait à C'est-à-dire qu'il ramène ça vers le motif, vers un espace où la décoration l'emporte, où il la charge du dessin est plus puissante. Et là, on retrouve donc le président. C'est bien lui, mettez le dispositif en place. Et attention, hein, le major n'est pas un simple voleur de grumes. Résumé. Jerry Cornelius avait un garage pour garer tous ses véhicules. Mais, mais ce garage était hermétique, hélas C'est fou. Tout ça est fou. C'est résumé, c'est de la merde. Il se fout de nous, mais hein, vu hein, vraiment. Cependant, dans les caves de l'hôtel, Mickey, tu conduiras l'Ozenor en numéro 6. On se souvient que le major avait demandé, il y a quelques chapitres de ça, l'accès à la chambre numéro 6. Et on ne voyait pas trop pourquoi ça pose problème, ça continue à en poser visiblement. Une petite seconde, le temps de terminer la lecture de ce chapitre particulièrement bien tourné. Plus tard, dans un couloir, donc plus tard on suppose quand cette bestiole aura fini de lire son chapitre, cet univers extrêmement chargé et bordéleux, euh, targé d'objets, de lampes, de fariboles, de sculptures et de, de bouquins au sol, un écritoire. Là, on est vraiment dans une combinaison assez chaotique de couches temporelles. Hein. Plus tard, dans un couloir, ouais, ouais, on nous exploite à mort, nous, les exos. Et rien que les sales boulots, mon gros senor. Porter des valises super lourdes, etc. Moi qui suis un artiste intellectuel, vous pensez Quelle peine, ouais, ouais. Nous ne faisons que passer. Nous ne sommes pas vraiment d'ici, comprenez-vous. Qu'il y a d'assez de, 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 génial avec évidemment ces types de, de configurations proposées par mes c'est et qu'on est toujours dans un certain manque. Quoi. On pénètre, mais on fait qu'esquisser des univers, on les effleure à peine, on commence à, à saisir quelque chose de leur concurrence, de leur particularité. On aimerait bien y passer un petit moment, mais penses-tu? C'est comme un motif musical assez chouette qui met du temps à sortir de la masse. Euh, de, de, de la, vous avez, euh, imaginé une ouverture assez dense et chargée. De la masse orchestrale se dégage enfin un motif, vous l'avez, vous commencez à le sentir, et paf, il s'en va. Vous avez complètement euh, autre chose. Un know something, uh, complètement different, comme disait les Monty Python. Alors, nous passons à la page suivante. On approche de la porte 6. Le majeur dit Hé, hey, le 6, c'est ici. Il semble que l'exo ne veuille pas les y conduire. Pas d'ici, pas d'ici, hein, mais ça ne va pas durer, ouais. Nous, les exos, on va reprendre le pouvoir et on verra un peu. Oui, oui, on verra. Hein. Case intermédiaire, on retrouve cet avion. Donc on, on, nous, on nous maintient dans cette espèce de tension. On les mondes. pas. Euh, cet avion qui sert quasiment de fil, quoi. De fil de tension à proprement parler. Vous notez qu'il a joué très souvent au cours du récit ce rôle-là et seulement ce rôle-là. D'apparaître, comme ici, vous voyez, à l'intérieur d'une construction. Cette même bande. Il fait ça plusieurs fois. C'est une bande d'espace appartenant à, à, à un autre, on va dire un, un autre champ, une autre dimension, qui vient s'insérer dedans comme le maintien d'une tension par, parallèle entre les deux. Voici une pièce de monnaie pour vous. Dites donc, j'espère que vous savez ce que vous faites en prenant cette chambre-là. Et là, haute tension. Une autre, je crois qu'on peut dire que par ces simples effets de fumée et par le fait euh, de fumée de, de nuages de nous savons en fait déjà alors que c'est minuscule que ce n'est qu'un minuscule point sur une ligne d'horizon nous savons ce qui arrive tout simplement parce que nous n'avons pas retrouvé l'occurrence des articles depuis un bon moment nous savons que ce Betrape 2000 que le, le, le comment la, le véhicule de jerry que, que 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 nous suivons de très très loin depuis le début du récit nous savons que c'est lui qui arrive parce qu'il est complètement euh, subordonné à cet univers désertique et que celui-ci n'intervient pratiquement plus, voire pas du tout, depuis quelques épisodes. Et effectivement, c'est lui qui apparaît. Donc, ça, c'est assez puissant. Le voilà. Allô, allô La fantastique betterave de mille de Jerry Cornelius à travers la toundra à plus de 500 mille à l'heure. Mais que signifie ceci, cette image Garde Faites venir immédiatement Aspergossi dans mon bureau donc cette image, on suppose que c'est Malvina qui la montre du doigt, et ensuite le Major qui rentre dans la chambre aussi. Là, on n'arrête pas, ça va très très vite. On a tous les tissus narratifs, toutes les... qui sont en même temps en train de se nouer les uns aux autres. Et du coup, sur cette double planche, à toute vitesse, évidemment, on, on séquence le passage de l'un à l'autre. Mais comme une image est une image, ne souffre pas, tout ça peut se faire dans le plus grand repos. C'est pas comme si on subissait un effet stroboscopique. Donc on maintient à la fois la tension entre les multiples récits et à la fois euh, du point de vue de la bande dessinée, de ce que c'est, c'est tout à fait possible et tout à fait jouable sans que nous soyons euh, blessés dans notre, notre lecture comme le serait euh, la vision d'un mauvais film où tout se saccade trop, où on nous emmerde avec euh, 40 coupures à la seconde. Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Donc là, on compose la planche directement depuis l'intérieur euh, de ce fameux avion. C'est lui qui va euh, créer, qui va orchestrer par euh, son cockpit la construction de la page. C'est pas mal, ça. Hein. Allô, président, ici l'aéroplane du destin. L'ingénieur Barnier est accompagné par Yetchem. Donc Yetchem, on suppose que c'est le véritable nom de l'archer que nous apprenons donc. donc, avec toujours cette espèce de, de construction assez subtile, hein, d'amener des personnages, de ne pas les nommer. Et longtemps après, de pouvoir poser un nom dessus. Ce qui oblige aussi de notre part à un autre type d'attention au personnel. N'était pas prévu dans le contrat d'extermination, ça dit donc quoi Yetchem, l'archer Résumé, l'ingénieur Barnier a complètement esquinté le magnifique câbleur tout neuf que lui avait commandé Cornelius. Il décide de tout quitter. Donc là, c'est le résumé du tout premier épisode. Qui vient juste d'apparaître à ce moment-là. Ça c'est étrange, que fait l'archer avec ces barniers assassins d'un garde-père de famille Je le croyais avec nous dans le combat contre Gruber et Cornelius. Bon ça fait rien, hein. abattez-les tous les deux. Président, regardez, un de nos espoiseaux a repéré la betterave de mie de Jerry Cornelius près de Pyramide Station. Et là, donc l'espoiseau, un beau valise assez pourri, un piaf arzakien, oui c'est vrai, un piaf un peu arzakien, quoi qu'il ait plutôt une tête de vautour, hein. je ne sais pas si vous le voyez bien, on peut zoomer dessus parce que c'est petit pour vous. Le voilà. L'espoiseau est, est, est plus proche de, de la tête de vautour que des moites à béton euh, euh, d'Arzac, euh, déclinées plus tard dans la cale. poiseau mobilise assez foireux, mais qui, qui est assez courant dans la FR. Espion et oiseau mais qui nous donne aussi un, encore un autre niveau plus bas, celui-là, des euh, postes d'observation. Donc on commence à imaginer tout un, un monde fait de couches observationnelles comme ça, dont chaque couche semble être le spectacle d'une autre. La betterave mille, malédiction, on dirait que les événements se précisent, on aimerait bien. <laughs> bien sûr. l'arché-tire alors, c'est ah, cette belle tension dans un magnifique dessin où beaucoup de choses se passent. On a plusieurs plans narratifs. On a Barnier qui regarde un dé et dit Ainsi, il y aurait un jeu. On pas du tout ce qui l'amène à observer ce dé et à dire ainsi il y aurait un jeu, un jeu pardon. Mais clairement, oui, c'est une des grandes questions qui préside à l'organisation du monde de Gruber. Il y aurait peut-être un jeu, peut-être que, que, que ce dieu-là tire tout au dé pour construire cet univers. On voit cette tension narrative aussi euh, donnée juste par le mouvement de la flèche. Euh, C'est très très élégant. On a ceci qui construit la lecture de la case depuis Baranier jusqu'à là et à l'arrière-plan un troisième plan euh, narratif, euh, voire un quatrième puisque cette femme s'adresse dans la langue euh, étrange euh, du, euh, du monde western euh, qu'on vient de quitter. Euh, avec d'altré euh, et ce dernier plan donc où quatre personnages sont observateurs de quelque chose au sol euh, je ne sais plus quoi tellement il y a de merdier dans ce récit où on en est là hein qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là du récit où se trouve là chez bah, je crois pas grand-chose bah rien Ils se fout de nous ce sont les personnages donc qui sont sur la tourelle du sous-marin ah ici c'est eux qui s'inquiétaient de l'arrivée de, de l'avion du destin juste dessous après, donc, cette espèce de violente construction où, dans la même case, on a vraiment euh, des resserrements sur des identités euh, narratives assez remarquables et séparées, c'est compliqué. Nous basculons euh, à nouveau dans le western pour la suite. C'est-à-dire que nous sommes privés, comme pour le moment du tir euh, dans la tête de Samuel Moad, nous sommes privés de l'accomplissement de l'acte. Probablement une explosion, on ne sait pas, plutôt non, de l'avion, pour basculer donc dans ce monde à nouveau de western SF, euh, dans une autre langue, avec un hors-texte qui nous renseigne sur ce qui se passe. On n'y comprend rien, donc heureusement il y a une petite notule avec un petit 1 qui nous renvoie à un appareil de notes qui nous dit 10 000 tonnes, Évidemment. Klumilko, lit-on à l'arrière-plan, c'est ce bandit de Vorst qui vous a mis dans cet état, mon pauvre ami. Mais où sommes-nous Qui êtes-vous que faire Pourquoi ne suis-je pas en Normandie comme prévu Calmez-vous, c'est un défaut du transmetteur. Vous n'êtes pas le premier à échouer ici. Mais nous devons échapper à Vorst. Ce bandit est le Klumilko. Bolvas Bellioston !»« allons, bon, il manquait plus que ça. Nous sommes attaqués par la bande à trous. Je suis pris, pris au piège. Cet espace narratif-là, cet arc, comme on dit aujourd'hui, vient de perdre sa dernière chance d'exister et de se raccorder au reste. À ma connaissance, on n'en entendra plus jamais parler. L'arc est donc perdu. C'est d'ailleurs ce que dit le résumé de la page suivante. Que dit-il L'arc est perdu sur une terre aléatoire, loin de la Normandie. Plus jamais il ne le remettra les pieds sur le site du Mais s'il trouvera l'amour et un destin glorieux. Donc ce résumé, au lieu d'être un résumé, est juste l'achèvement de l'histoire précédente, qu'il ne résume pas, mais à laquelle il donne donc une chute. Et en regard de ce résumé, nous avons donc euh, un dessinateur sur sa chaise qui fait euh, beaucoup penser à... Ah J'ai un trou de mémoire. Euh, merde, merde, merde Rockwell, Norman Rockwell. Norman Rockwell se représente souvent de cette façon. Vous voyez qui est Norman Rockwell, un dessinateur un peu académique d'affiches américaines à qui on doit pas mal d'affiches de Coca-Cola et de trucs comme ça. Et très souvent, il se représente de cette façon euh, en train de dessiner. Voilà, comme ceci. Les deux premières sur lesquelles on tombe, c'est ça. Donc voilà, Norman Rockwell. Je vais vous montrer ça. Vous connaissez sûrement ça. Ça vous dit quelque chose. Hein. Donc nous avons en lieu et place du résumé un personnage de dos, on doit supposer Mébus lui-même hein, en train de se dessiner, euh, et qui commence à tracer les lettres du mot résumé. Autant dire qu'on n'est pas prêt de l'avoir. Donc on a d'un côté un résumé qui n'en est pas un, et une promesse du résumé qui ne sera donc jamais toute. Nous avons notre explosion, donc je vous le rappelle, un mois après, ça devient une espèce de running gag de Bébus pour, euh, pour les lecteurs de Metal Hurlant à ce moment-là. Le titre s'appelle Une bande de Mébus, où là, bébus, donc, qui renvoie à une petite note, Mébus injecte une nouvelle fois une relation à son nom, il l'avait fait déjà par l'espèce le, de, de, de pictogramme qu'on a vu, euh, euh, qui était un pictogramme triplice, on va dire était à la fois signe de l'infini ou roboros et euh, bande de mébus. Là, il appelle ça une bande de mébus et il renvoie euh, en bas de page où comment se retourner sur soi-même pour des deux faces, n'en plus faire qu'une. Si vous le savez sans doute, hein, quand vous découpez un anneau de mébus par son milieu, bah, vous obtenez euh, euh, dans un cas euh, deux anneaux enfermés les uns dans les autres. Si vous poursuivez cette découpe, vous vous retrouvez avec un beaucoup plus grand anneau, hein, des mystères de la construction hein, de l'anneau de bus auquel on, beaucoup d'entre nous ont joué quand ils étaient petits. Salut à toi, euh, Galtrug Argor Abadilou. Tu arrives après 5h50 de live. <laughs> donc, du coup, il te manque des gros bouts, mais tu verras tout ça plus tard, n'est-ce pas euh, L'archer, qu'avez-vous déclenché J'ai abattu l'objet volant du destin. Donc, il semble que l'archer n'ignore pas euh, Yachem, donc. Que ce qu'était cet avion. Il sait à quoi il est lié. Et c'est normal, puisque nous avons une remarque du fameux président, ce personnage encore très obscur pour nous, qui laissait supposer qu'il y avait des liens entre lui et cet archer. un lien que, que d'une certaine manière, l'archer vient de rompre. On va retrouver un objet qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est un de ces fameux postes d'observation. Celui-là. L'espèce de sèche-cheveux spatial. Euh, depuis lequel, euh, comme le, le, Jasper, l'homme de renseignement de, de jerry Cornelius, le tient au courant de tout ce qui se passe sur le, le monde artificiel de Gruber. Cet aéroplane allait de nuage à nuage, fou comme l'orage, mais le voici frappé au cœur par la flèche de vérité, volatilisé, enfumée. Euh, C'est assez drôle parce que ce texte, qui a l'air d'être complètement un hors texte, qui, euh, qui a vaguement une sorte de teneur, on pourrait dire, de ce qu'on appelait des emblèmes autrefois, ces petits poèmes amoraux euh, courts ou, ou mystérieux, il est euh, placé dans un phylactère avec une petite queue, comme si c'était l'énoncé euh, de Jasper, comme si d'un seul coup Jasper improvisait poétiquement sur la situation. Et euh, la deuxième bulle dit, plus prosaïquement, communiquer immédiatement ce rapport à Jerry Cornelius. Toute la planche est construite sur le motif de l'explosion. Et ce n'est pas sans nous rappeler la construction d'une autre planche qui n'avait rien à voir avec euh, une explosion, elle. Mais euh, c'est euh, pourtant... Regardez ça. Vous voyez cette planche qui est construite de cette façon, ce fameux temple euh, frappé de l'ouroboros qui charpente toute la page, et ici c'est l'explosion qui vient la charpenter, qui la charpente comme un dégradé euh, du plus clair au plus sombre, puisqu'on suit un dégradé ascensionnel, hein. euh, euh, on suit le, la, la montée de l'explosion, et où viennent se rencontrer plusieurs régimes de graphisme assez différents, et qui cohabitent ici euh, assez harmonieusement. Nous avons d'un côté ce que je vous donnais comme étant un jeu de trame motivé, vous voyez ça assez clairement en haut à gauche. là, de trame motivé. Euh, ouais, je ne sais pas si c'est lisible pour vous ici. Ce n'est pas lisible. Hop, si je mets un peu moins de lumière, vous le verrez mieux. Ou motivé, donc, qui suivent les, la conformation volumétrique des masses pour pouvoir se dessiner en les épousant. Ici, c'est cette espèce de grouillement graphique euh, qu'adore bus, euh, cette espèce de minéralisation. Et des grands aplats noirs. C'est des choses qu'il a appris à faire cohabiter ses aplats avec ce graphisme cherché dans, euh, dans Blueberry. Quand je vous ai dit que les deux univers étaient très pourreux l'un à l'autre, ce sont des choses qu'il va énormément développer dans Blueberry, cet usage de, de, de charges graphiques dans un univers pourtant euh, saturé de grandes cassures euh, de contraste entre des masses noires et des masses blanches. Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Donc là on revient à un univers beaucoup plus psychédélique avec ce jeu sur... Alors, Je vous ai pas ramené des, euh, des affiches psychées euh, des années 70 parce que... Parce que, que euh, j'ai pas pensé, mais peut-être qu'on pourrait retrouver ça chez Moscoso. Vous voyez un petit peu ce que c'est, Moscoso? Ce serait dommage de... Voilà. On peut voir ça un peu. Et on est complètement là-dedans dans les affiches de Moscoso. Je vais vous montrer ça. C'est un contemporain. Hein. Alors un peu plus vieux, il publiait dans la revue de, de comment De Crumb, Zap Comics. Euh, je vous montre ça, moi ce vous allez voir. Euh, et ce jeu sur les, les typos extrêmement chargés. Ah oui, mais là vous voyez rien du tout. Attendez. Alors, qu'est-ce que tu dis, Thomas Crayen Bah merde alors Tombé par hasard sur l'aile de Mars, sur Twitch, si tu t'attendais. Bah écoute, ça n'a rien de hasardeux, ça fait un bon moment quand même <laughs> que je suis là. Euh, donc, 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 Moscoso. Voilà le, le genre de composition qui sont quand même assez caractéristiques des euh, travaux de texte euh, de cette époque. Oh merde, on est tombé sur cette, ce, le parasite euh, comment euh, Pinterest, cette merde. Donc là, pour bien faire, il faudrait que vous voyez un petit peu mieux les affiches. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer légèrement ça. Voilà. Hop vous voyez, on dirait Martin Sharp. Bah après, il y a tout un univers assez riche et complexe hein, de, de l'affiche psyché avec un gros, gros travail euh, sur euh, la, la typo. Hein. Euh, enfin, la typo, le lettrage, excusez-moi, c'est excusez -moi, excusez pas la typo précisément, Je dit des conneries. Euh, voilà, regardez ça. Donc, là, le travail de, de Mébus s'inscrit vraiment clairement dans, dans son époque. Euh, qui joue à foison avec, euh, avec les lettrages pour les faire grouiller, métastaser, etc. Il a fait des couvertures d'albums pour Cream. C'est possible que j'ai vu ça. Hein. C'est possible. Je ne connais pas toujours le nom des affichistes et producteurs de, de pochettes, de disques que j'ai pu croiser. Euh, j'ai des trous de culture dans ce domaine. Résumé une sorte de malaise plane mollement autour du palais présidentiel d'Armes-Jour. Vous vous souvenez un jour capital. Là, plus, il ne le note plus. Le running gag a disparu. Euh... Que peut bien vouloir le prés à une heure pareille Donc, on croit reconnaître le photographe obsessionnel compulsif qui accompagnait Spergossi. Tout va mal depuis qu'elle a vu tes images. Donc, il s'agit bien de lui. Il semble que le, le prés est... est une femme. Que peut voir vouloir le prés à une heure pareille et ça, c'est un truc, dans le bandarfou fou, il y a une espèce d'androgyne primordiale, on retrouvera ça dans l'incal aussi, donc des créatures qui sont entre deux mondes, et notamment en tant qu'elles en sont fondatrices ou dépositrices, c'est-à-dire que les puissances qu'elles conjuguent sont déterminantes pour leur capacité à produire, régler ou gouverner des mondes. Que peut bien vouloir le président pareil Tout va mal depuis qu'elle a vu tes images. Par exemple, l'avion du destin a été abattu par l'archer. Tout le niveau a été ébranlé par l'explosion, endommageant certains plans récemment expansés. Donc ça veut dire que Gruber expanse de façon continue. En fait, il sculpte continuellement son monde. Il n'arrête pas de le travailler. Et visiblement, certaines de ces créatures sont parfaitement au courant, au moins d'un des aspects de ces configurations euh, artificielles. Président, le dispositif qui sert l'hôtel où sont descendus le major et sa compagne est prêt et n'attend plus que votre ordre pour attaquer. Ce n'est pas tout à fait le moment. Mon nom est Horn Batmago, président. Donc là, on découvre que il avait donné son vrai nom lorsque la question avait été posée, lorsque, souvenez-vous, quand Gruber, lui et Spergossi se rencontraient, il y a eu un échange assez burlesque de noms plutôt fantaisistes.